n'entends pas. Ah, extraordinaire, extraordinaire. Extraordinaire, j'ai oublié de mettre le son. Mais vous savez quoi? J'ai la flemme de répéter tout ce que je viens de dire. Voilà, il faut maîtriser le... comment dirais-je, le mime, d'accord? Bon, je disais en gros, merci pour la musique, Colin, membre de Super Danny Live, qui a pianoté comme ça du Mozart. J'étais en train de vous donner la référence, en fait, de ce morceau. Donc, c'est Mozart, sonate K333 Allegro, morceau de 5 minutes. Quand il y a des impatients qui ont commis le crime de lèse-majesté de dire qu'ils s'ennuyaient, voilà. Et vite, allez, dépêchons-nous. Et je rends hommage aussi à Troll sous pseudo, qui c'est pas son vrai nom, vous imaginez bien, c'est un pseudo, qui a fait cette vignette alternative, qui m'a fait bien rire, et que j'ai décidé de mettre en vedette au début de l'émission. Oui, mon micro était déjà en slip, donc Jean-Robin faisait son effet. Jean-Robin, et non pas Robin, on le retrouvera demain. Demain, je fais un live à l'ancienne avec mon camarade Robin. Donc, pour tous ceux qui me le réclamaient à corps et à cri, eh bien, il sera là demain. Voilà. Donc, aujourd'hui, un débat sur la nature religieuse de la France. La France et l'Europe sont-elles païennes, chrétiennes? On va parler de tout ça un peu. Ça va débattre, mais dans les règles de la courtoisie, j'espère. Est-ce qu'on va finir en slip? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Alors, c'est un running gag, il faut connaître pour ça la carrière de Jean Robin. Moi, si je vous dis que là, sous mon costard, je suis en slip, vous me croyez? Vous me croyez pas? Eh bien, si vous voulez le vérifier, je demande 3 abonnements à l'année pour Super Danny Live ce soir. Si j'en ai 3, peut-être que vous verrez quelque chose. Peut-être que vous verrez que je suis pas qu'un sale bluffeur. Quand moi je dis trust the plan, d'accord? Trust the Danny. On va voir si vous trustez le Danny. Mais en attendant, moi j'attends. J'attends les abonnements à l'année, ce soir, au cours de l'émission. Et peut-être qu'à un moment donné, s'il y en a 3, je vais me rendre à la cuisine, chercher quelque chose, hein, sous un faux prétexte, et peut-être que vous verrez quelque chose d'intéressant. C'est tout ce que je peux dire. Voilà. Bon, non, Vendetta Charlie Ingalls, drôle de pseudo d'ailleurs, je ne joue pas à Fortnite, je ne joue plus aux jeux vidéo depuis 10 ans. Voilà. Raphaël Zakaï de Isara, mon auteur que je salue, merci d'être là ce soir. Il nous dit non, pas de courtoisie, on veut du sang. Isara, vous ne le savez peut-être pas, mais je vous le dis, est un auteur catholique, mais aussi un peu délingué. Raphaël, je suis désolé de te le dire. C'est la vérité. Et donc, je pense qu'il... je ne sais pas. Alors, il est peut-être contre Thomas Ferrier, parce que Thomas Ferrier est païen. Je ne sais pas. Je vous dis... alors, ce soir, on se détend. On laisse les autres, on va dire, s'écharper. Et moi, je vais animer le débat dans la plus grande des courtoisies possibles. Parce que je suis l'animateur. Ce n'est pas mon rôle quand même de faire ça. Enfin, de m'énerver. Il n'a échappé à personne que je suis plutôt ami avec Thomas Ferrier. Je n'ai jamais rencontré Jean Robin, même si à une époque nous étions en contact et on se répondait de vidéo par vidéo lorsqu'il avait fait de l'islam son cheval de bataille principal. Aujourd'hui, il a changé un peu de voix. Mais ce n'est pas parce que Thomas Ferrier est mon ami que je vais être de son côté ce soir. Vous allez voir que je suis capable aussi d'être l'arbitre. Voilà. Eh ben oui, j'ai le droit de porter un slip et de ne rien porter d'autre. Eh oui, les amis. Alors, je vais ne plus faire attendre mes invités qui ont déjà attendu trop longtemps. Je vois d'ailleurs qu'ils sont tous, je suis sur Discord et ils sont tous les deux en vert. Ça veut dire qu'ils discutent en même temps. J'ai peur de déclencher le son et tout à coup, non! On se calme. J'ai peur. Arrêtez de parler. Je vais, attention. Attention. Non, on me demande, es-tu derrière la chaîne Tatami, les pieds dans la merde? Non, vraiment, je l'ai dit, je le redis, pas du tout. C'est pas du tout moi derrière ça. D'ailleurs, c'est un énorme travail. Hein. La personne qui fait ça doit détester Jean Robin, mais il s'y applique énormément pour montrer les contradictions. D'ailleurs, je dois vous dire que même si cette chaîne me fait rire, je trouve ça parfois abusé. Parce que si tu compiles, surtout quelqu'un qui a pris la parole souvent, tu vas toujours trouver, surtout quand tu fais tu isoles des moments de 3 à 4 secondes, tu vas toujours trouver des énormes points de contradiction. Et donc, en soi, c'est pas une preuve. Voilà, ce que je dis, quoi, tout simplement. Jean-Daniel me dit, l'essentiel est de porter ses couilles, même si on n'a plus de slip. Bon, écoutez, on va quand même arrêter ces fadaises et je vais déclencher mon micro. Bonjour les amis, bonjour Jean-Robin, bonjour Thomas Ferrier, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien, pas de souci. Ah bah c'est super. Jean, tu nous entends aussi?
Ah. Ça marchait tout à l'heure, mais je crois qu'il a mis le son pour t'écouter sur en vidéo. Et là, Je pense qu'il doit être en décalé. Il doit être en décalé. Ça, il va arriver dans 15 secondes parce que là, il reçoit la formation. Ah, merde. Non, mais c'est pas grave. Il va être en décalé juste pour le début. Parce que s'il me regarde sur YouTube, il va comprendre dans 5 secondes qu'il doit venir sur Discord. C'est bizarre parce qu'il est en vert. Donc, je vais laisser un message dans le chat. J'ai discuté avec lui il n'y a même pas une minute. Bon. Bah, faut croire que tu lui as fait peur, Thomas. Il est parti. Il n'y a plus de débat. Voilà. Il y a 990 spectateurs qui sont fâchés. Ouais, c'est vachement bien. C'est vachement bien. Ça monte là. Il y a du monde. Ils veulent du sang, on le sait, mais bon. Bon, dans le chat, ça s'agite déjà. Ils n'ont pas arrêté depuis tout à l'heure. Jean-Robin. Jean, on ne t'entend pas. Donc là, ce serait très grave. C'est-à-dire, si on ne t'entend pas, il n'y a plus de débat. Par la force des choses. Parce que sinon, on va faire un débat tout seul. Sinon, Jean-Robin, si tu ne viens pas, je vais être obligé d'appeler Daldec qui va t'imiter. Afin de débattre avec Thomas Ferrier. Là, ce ne serait pas juste. Il est bon dans son truc. Ce serait vache. Daldec n'arrive pas à m'imiter. Ce sera sa mission, d'ailleurs, un de ces jours. Ouais, c'est vrai que c'est difficile de t'imiter. Mais d'ailleurs, Azarias des Éduins, qui n'est pas trop mauvais. Ouais. À ce jour, d'ailleurs, je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui m'imite extrêmement bien. J'aimerais bien. Ça me ferait rire, franchement. Mais en fait, il faut qu'il trouve des phrases qui reviennent et des leitmotifs. C'est ça qui aide les imitateurs. C'est vrai. Et je crois qu'on n'en a pas. Peut-être, oui. J'en profite pour relancer. C'est bizarre, il y a un problème technique, à mon avis, il y a un problème technique. Hein. Alors Jean, si tu nous entends, déconnecte-toi et reconnecte-toi au serveur Danny Live. Parce que Que ça peut être ça, oui. Ouais, t'as choisi... Sinon, c'est les dieux qui sont intervenus. Et... Bah voilà, t'as gagné, c'est tout, hein, Thomas. Voilà. Les absents ont tort. Voilà, la France. Il y en a qui ont les dieux avec soi et puis d'autres non. Hein. C'est comme ça. Ah, tu gagnes des points d'avance, c'est vache, mais quelque part, les absents ont toujours tort. C'est comme ça. Ah, bah oui, mais c'est Hermès, le dieu de l'internet, qui a joué son rôle. Il y a James Patagon qui nous dit dans le chat: Ferrier était dopé, Ferrier était dopé. Je suis pas dopé. Oh, qu'est-ce qu'il dit? Mais je suis en boxeur, je suis pas en slip, donc je ne risque rien. C'est vrai qu'on n'a pas fait de contrôle antidopage avant l'émission à cause du Covid. On est à distance malheureusement, donc. Ah non, il y avait plus de bouteille chez moi. Ah. Alors. Vous m'entendez? On t'entend. On t'entendait pas du tout. Bonjour. N'oublie pas de couper le son de YouTube. Salut. Évidemment, pour pas qu'on s'entende en double. Ouais, j'ai coupé. Très bien. Bon, on t'entend. Je vous entends plus bas. Ou tu nous entends plus bas. Moi, je vais t'augmenter parce qu'on t'entend un peu moins que Thomas quand même. Et Thomas, je vais te baisser. Oui. Voilà. Et vous nous dites dans... Est-ce qu'on m'entend mieux maintenant ? Ouais, on t'entend mieux. Alors, lorsque je vais arrêter de parler je vais laisser nos invités parler, n'hésitez pas à nous dire dans le chat, aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir y être attentif, si vous entendez correctement Jean et Thomas, et si c'est pas le cas, évidemment, je ferai des ajustements. Voilà. Bon, écoutez, alors déjà, je voudrais vous remercier d'avoir accepté le principe de ce débat, c'est assez rare. On sait, toi, Jean, que tu es coutumier du fait, tu n'as pas peur de débattre, tu aimes ça même, je crois. Ce qui est bien, c'est tout à ton honneur. Thomas, toi aussi d'ailleurs, vous êtes deux personnalités, vous n'avez pas peur des débats. Et je dois dire que c'est vrai que je l'ai dit et je le répète, c'est quelque chose qui manque dans le camp patriote, nationaliste, la droite, on va dire. Les gens restent figés sur leurs certitudes et n'osent pas mettre leurs idées en confrontation avec d'autres. En l'occurrence, là, c'est un sujet qui est éternel, qui est celui de la religion. J'ai titré peut-être de manière un peu vague, hein, France païenne, France chrétienne. On va préciser le sujet, la problématique du jour. Avant cela, rapidement, je vais me mettre dans la peau d'un journaliste rapidement pour vous présenter, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Alors, si je fais une erreur, si vous voulez préciser, n'hésitez pas. Je commence par Jean-Robin. Donc, tu es journaliste et éditeur. Tu le rappelles souvent d'ailleurs en vidéo. À une époque, tu avais un site qui s'appelait Enquête et Débat. Justement, tu proposais des enquêtes et des débats, comme le nom de la site l'indique. Tu as écrit un certain nombre de livres sur la religion chrétienne, protestante, sur l'islam. À un moment, tu as mis ta focale sur l'islam et tu as été assez islamo-critique pendant plusieurs années, bloqué même sur ce sujet. Et je ne dis pas ça de manière négative parce que j'estime aussi que l'islam est un problème. Ensuite, il y a eu
tu as eu des ennuis avec la justice, tu as un peu recalculé ta stratégie et tu es revenu avec un sujet qui fait tout autant l'actualité, voire plus, c'est la critique de la Chine contemporaine qui t'a fait revenir sur le devant de la scène avec des vidéos à succès et puis surtout sur Twitter. C'est assez étonnant, si vous regardez le Twitter de Jean Robin, je le mettrai d'ailleurs en description, il y a des tweets qu'il écrit en chinois. Bon, je suppose que tu les fais traduire. Je ne sais pas si tu as appris le chinois en un an ou deux, ça me paraît incroyable. Mais en tout cas, parfois, tu as 500, 600, 700 likes en chinois. C'est assez étonnant. Voilà, est-ce que j'ai bien résumé jusqu'à présent? N'hésite pas à ajouter quelque chose si tu veux. Oui, pour les tweets en chinois, je fais traduire par des dissidents chinois avec lesquels je travaille, puisqu'on a le même ennemi. Mm-hmm. Et ils ont d'ailleurs traduit le premier tome, parce que je retranscris dans des livres une vidéo sur deux que je réserve à des souscripteurs. Et donc, ça permet à des gens qui ne sont pas vraiment sur Internet. Ou... Voilà, le livre, c'est une bonne manière, comme tu le sais, parce que tu es éditeur aussi, de transmettre ton travail. Donc, le premier tome de mes chroniques, j'en suis à 3 tomes là, de 500 pages chacun, a été traduit en chinois par ces dissidents chinois. C'est très important, d'accord, en fait, de comprendre qu'on n'est pas seul dans cette troisième guerre mondiale. D'accord. Très bien, on aura l'occasion de préciser et bien sûr d'en dire plus, même si le sujet du jour est la religion, mais j'ai des questions aussi qui ramèneront un peu à ce sujet. Alors Thomas Ferrier, donc tu es, j'aurais tendance à dire moi que tu es un penseur, un idéologue politique, tu es également le leader et le créateur d'un parti, le Parti des Européens, le LPE, voilà, depuis une dizaine d'années, il me semble, c'est ça ? Quelle est la date de création du parti ? Bah, en fait, le LPE en tant que tel a été refondé aux alentours de 2016-2017, mais avant il y avait une structure antérieure, mais en fait ça évolue en même temps que la pensée évolue, et qu'on gagne en notoriété et en qualité rhétorique aussi. Oui, d'accord. Tu es très actif sur Twitter, d'ailleurs j'ai mis un lien vers ton Twitter, ça permettrait à ceux qui ne te connaissent pas de découvrir ta pensée. Bon, on va la développer. En gros, toi tu es pour une Europe politique, une nation qui serait l'Europe, donc avec un dépassement du nationalisme pour un autre nationalisme qui serait un nationalisme européen. C'est le principe, majeur, je crois, de ta pensée. Par ailleurs, tu as été animateur d'une émission sur Radio Courtoisie pendant quelques années, le Libre Journal des Européens, qui était vraiment une émission de qualité, je tiens à le souligner. Et tu n'es pas le premier, tu n'es sans doute pas le dernier. Tu as fini par te faire... tu t'es fait remercier, non. Mais en gros, on t'a beaucoup censuré sur Radio Courtoisie, à tel point que finalement, dans une réaction très digne, je dois dire, et de fierté, et je ne dis pas ça pour te critiquer, au contraire, eh bien, tu as décidé de claquer la porte. Ce qui peut être de toute façon très arrivé. J'étais victime d'une remigration incitative, en fait. Voilà, c'est ça, exactement. Mais bon, t'as bien fait en tout cas de plier bagages. Alors déjà, je voudrais que vous nous expliquiez quelle est l'origine de ce débat. J'ai vu qu'il y avait un dialogue un peu corsé, une dispute sur Twitter. Je ne sais pas qui veut rappeler la situation, mais pourquoi en fait vous débattez l'un contre l'autre ce soir? Je peux peut-être résumer les choses, c'est qu'en fait, il y avait une émission dont je conseille la vue, qui est donc Le Soleil se lève, qu'on connaît bien, de notre ami Lucien Lachance. Mm-hmm. Et j'étais prévu à un moment donné de participer à cette émission dans laquelle Jean était l'invité principal. Et puis, en fait, toi, tu m'as proposé dans le même temps un live pur. Il y a eu des complications un peu partout. Et résultat, j'ai dû décliner ma présence. Et donc, Jean n'était pas très content. Il a considéré que je m'étais débiné. Et c'est ça qui a engagé une discussion à ce sujet. D'accord. Une discussion assez virile. Et après, c'est parti sur un plan plus philosophique, moral, religieux. Donc, c'était le but d'aller plus loin avec ce débat. Et donc, je te remercie, Daniel, de l'organiser, parce que il ne suffit pas d'avoir des débatteurs, il faut aussi avoir un organisateur de débat. Et puis, je félicite carrément Thomas d'accepter ce débat, parce que ceux qui me suivent savent que depuis longtemps, je propose des débats à tout un tas de gens de la pseudo-dissidence et qu'ils les refusent les uns après les autres, alors qu'ils se targuent d'être des grands idéologues, des gens qui ont tout compris. Mais je remarque qu'il y a souvent un point commun entre tous ces gens, que je n'aurais pas besoin de citer ici, c'est qu'ils sont souvent, ils se disent eux-mêmes catholiques. Mais moi, je les appelle papistes, en fait, et on fera la distinction pendant ce débat, j'expliquerai pourquoi. Voilà. Mais je remarque que dans les cercles conversaniens, comme je l'avais dit d'ailleurs à l'émission de l'équipe communautaire de Paris, on débat, on échange, même si on n'est pas d'accord, et c'est ça qui fait progresser. Donc,
ça montre aussi un manque de certitude dans ses convictions. Quand on débat pas, on reste dans sa... C'est facile, en fait. Mais c'est un peu lâche. Bon, écoutez, en tout cas, on s'est jeté des fleurs comme on le méritait. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet. J'ai oublié de dire, évidemment, mes chers spectateurs, web spectateurs, évidemment, je vais laisser la part belle à Thomas Ferrier et Jean Robin, mais dans une seconde partie d'émission, je lirai vos questions, si elles sont courtoises et intelligentes, et je les transmettrai à nos deux invités, évidemment, pour nourrir le débat et l'enrichir. Alors, déjà, donc, bon, ok, effectivement, au départ, il y a eu une dispute qui était un peu un quiproquo. D'ailleurs, involontairement, j'en ai été la source, parce que ça a donné l'impression que Thomas Ferrier ne voulait pas affronter Jean Robin. Ce n'est pas du tout le cas. Simplement, moi-même, j'ai mal compris Jean sur une question d'horaire. Enfin, tout ça ne vous intéresse pas tant que ça. Et on fait le match aujourd'hui. Mais quel était le désaccord sur le plan religieux, en fait, dans votre dispute sur Twitter? Quel était le fond du désaccord? Bah, en fait, le fond du désaccord, c'est que bon, je défends une vision païenne européenne des choses et que Jean défend donc une vision calviniste, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il y avait un désaccord sur de fond, on va dire, sur la spiritualité et la perception du divin, si on peut dire. D'accord. Oui, et donc, ça va plus loin parce que derrière, il y a la question de la vérité. Qu'est-ce que la vérité, etc. Puisque donc, Jésus prétend être la vérité, donc est-ce qu'il a menti ou pas ? Un débat important, mais bon, ça ne sera pas forcément le débat d'aujourd'hui parce que c'est un peu technique. Par contre, on avait parlé aussi de la morale, et donc on parlait de sujets très graves comme la pédophilie, par exemple, de l'homosexualité, etc., qui avait lieu tout à fait librement sous la Grèce antique, qui est un peu la période de référence de Thomas Ferrier et d'ailleurs d'Étienne Chouard, un peu leur seul point commun peut-être. Mais enfin, c'est intéressant de noter que ce sont les deux personnalités françaises dans la pseudo-dissidence qui défendent cette période de l'histoire comme étant la référence pour des raisons différentes aussi. Et donc, moi, j'en étais à dire, bah, Thomas, pourquoi est-ce que la pédophilie serait mal, puisqu'elle était pratiquée librement dans la Grèce antique et que c'est ton cadre de référence morale? Et le débat est parti de là. Donc, c'est ça qui est intéressant, parce que c'est lié à la religion, à la croyance, et derrière, il y a des conséquences réelles. Évidemment, la pédophilie, aujourd'hui, personne n'est pour. Mais alors, est-ce qu'on sait justifier pourquoi? C'était ça notre débat. D'accord. Et quelle a été ta réponse, Thomas? Moi, bah ouais, j'ai expliqué qu'en réalité, il y avait une exagération profonde de cet aspect dans l'Antiquité. Et que je ne suis pas du tout d'accord sur l'idée que c'était une pratique aussi libre et aussi répandue en Grèce classique que Jean ne l'évoque. Bon, moi, au contraire, on peut même se baser sur Platon et pas mal d'auteurs pour démontrer qu'il n'en est rien. C'est-à-dire que simplement, dans la nature humaine, comment dire, est celle d'un animal certes politique, et qu'il y a des comportements dans la nature, y compris chez d'autres espèces mammifères, qui s'apparentent à ce genre de pratique. Donc, simplement, nous, on est des êtres civilisés, donc à un moment donné, on essaie de sortir du cadre animal qui peut être le nôtre. Mais par exemple, l'homosexualité, pour prendre cet exemple, en prison, dans un rapport de force et de domination, est quelque chose d'assez proche de la vision la plus archaïque, on va dire, de l'humanité. Donc, ce qui est sûr, c'est que dans l'Antiquité gréco-romaine, les rapports de domination sous toutes leurs formes étaient très importants. Et donc, par exemple, à Rome, les pratiques homosexuelles, lorsqu'elles concernaient un homme libre en position de soumission, valaient la condamnation à mort de l'individu concerné, par exemple. Ouais. Donc, la vision du monde est très différente. Après, en latin, mos maiorum, c'est la coutume des ancêtres. Le fait est qu'en Europe, il y a un amour de la liberté de l'individu et du respect de la personne. Et que la civilisation européenne a estimé à un moment donné, y compris dans une vision païenne des choses, qu'il fallait respecter le libre choix des individus. Et que donc il y avait une atteinte contre la jeunesse de pratiquer ce genre de choses. C'est la liberté de l'individu, mais il y a d'autres civilisations qui n'ont pas du tout cette logique-là. Notamment en Afghanistan actuellement et dans certains de pays, il y a des pratiques répugnantes qui sont de fait institutionnalisées ou autorisées. D'accord. En fait, Jean, tu m'arrêtes si je me trompe, mais en gros, ton idée, comme beaucoup de chrétiens, c'est le fait que l'arrivée de Jésus a créé la morale. En fait, ton idée, c'est que la morale ne préexistait pas à Jésus-Christ. Est-ce que c'est ça, en fait? C'est vers là que tu as voulu amener Thomas? En fait, il y a toujours eu une morale. Jésus est la vérité, donc il a la vraie morale. Ça, c'est ce que pensent tous les chrétiens ou tous ceux qui se disent chrétiens. Après, il faut savoir comment est-ce qu'on définit qu'une morale est juste
ou qu'elle n'est pas juste. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des gens dans les années 70, donc il n'y a pas si longtemps, hein, je parle des années 1970, notamment à gauche, qui justifiaient et qui défendaient ouvertement la pédophilie dans les journaux comme Libération, Le Monde, il y avait des pétitions. Matzneff, qui a été l'auteur d'une de ces pétitions, vient seulement d'être rattrapé en 2019, donc c'est encore plus récent, et donc on voit, avec l'affaire Duhamel, là encore plus récente, là sur l'inceste, bon, toutes ces questions-là, une morale, c'est facile d'en avoir une, mais qu'est-ce qui permet de la justifier, cette morale? Et donc, moi je prétends, comme tous les chrétiens dignes de ce nom, selon moi, que les païens ne sont pas en mesure de justifier la condamnation de la pédophilie, de l'inceste, d'autres horreurs comme ça, le cannibalisme, sauf à prendre exemple sur Jésus et sur la morale chrétienne, en fait. Donc, ils empruntent la source, et c'est très bien, puisqu'on voit que les fruits sont meilleurs, mais ils oublient rapidement que quand il n'y avait pas Jésus qui était encore arrivé sur Terre, eh bien, le paganisme régnait, et le cannibalisme aussi, et d'autres pratiques, comme la pédophilie. Je suis désolé, en Grèce antique, la pédophilie était la norme. C'était dire le contraire, c'est franchement choquant, et ça montre la limite de l'idéologie. Ça, c'est tout à fait compréhensible. Mais c'est un fait. Tous les historiens sérieux ont reconnu que, par exemple, tu me disais que Socrate a été condamné parce qu'il était pédophile. Mais c'est faux. Il était condamné parce qu'il avait un démon qui lui parlait dans sa tête. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, tu as dû supprimer tes tweets. Non, il a été condamné pour corruption de la jeunesse. Et corruption de la jeunesse, c'est un mot codé. Corruption de la jeunesse, ça veut dire ce que ça veut dire. Il était condamné pour introduction de nouvelles divinités dans la cité et pour corruption de la jeunesse. Il y a le daimon, c'est vrai, mais c'est une des raisons, c'est le daimon de Socrate, qui d'ailleurs n'était pas un démon qui lui parlait dans sa tête, mais c'était une sorte de philosophie bizarre, et leur comportement vis-à-vis des jeunes, notamment Alcibiade et compagnie, où il avait été lié à quelques scandales de déprédation, notamment dans la cité, et de comportements moraux dérangeants. Mais alors pourquoi tu as supprimé tes tweets? C'est ça que je n'ai pas compris. Non, c'est parce que je fais, en fait, ça n'a rien à voir avec, ce que j'appelle l'hygiène de TL. La TL, la timeline sur Twitter, c'est-à-dire, en fait, comme je tweet énormément de tweets, trop d'ailleurs, je diminue ma qualité de retweetage des gens, c'est-à-dire que les gens me retweetent moins. Et donc, en fait, une fois qu'il y a un débat qui est lancé, mais où finalement j'ai très peu de retweets, etc., les gens râlent parce qu'ils disent, oh, on se perd dans ta TL, et donc je nettoie, en fait, c'est du nettoyage de TL. C'est pas du tout, tiens, j'enlève mon argument parce qu'il n'est pas fondé, c'est uniquement parce que quand il y a 330 000 tweets sur mon compte, bah, à un moment donné, c'est plus possible, quoi. Donc, je fais régulièrement. Quand je vois un message qui n'est pas d'une pertinence extrême, je l'enlève, voilà. Donc, c'était un débat contextuel avec toi, et donc je l'ai enlevé une fois que le débat a été fait. Très bien, très bien. Donc, admettons, moi, je ne veux pas te faire un procès en sorcellerie. Par contre, est-ce que tu admets que le paganisme, sous toutes ses formes, il y a eu différentes formes. Il y a eu la forme scandinave, il y a eu la forme romaine, il y a eu la forme gauloise, on peut parler de toutes ces formes-là. Oui. Est-ce que tu admets que ce paganisme est basé sur des morales, oui, qui différencient. On pourrait même parler, tiens, du paganisme ici, en Polynésie française, qui était cannibale, par exemple. Oui, alors moi, quand je parle de paganisme, moi, je ne parle pas de paganisme universel, je ne suis pas universaliste. Moi, je parle du polythéisme européen, de la tradition européenne. Je ne parle pas de ce qu'il y a ailleurs. Il y avait, chez les Aztèques, on arrachait le cœur des victimes sacrificielles sur les autels. Ouais. Ça n'a rien à voir avec la région que je défends. Hein. Moi, je ne me sens pas du tout lié avec les pratiques d'autres civilisations. D'accord. Donc, tu reconnais quand même qu'à Rome, il y avait des pratiques immorales, selon notre morale chrétienne actuelle. Comme dans l'Europe chrétienne, parce que l'Europe chrétienne pouvait bien être chrétienne, ça n'empêchait pas des comportements immoraux en son sein. Donc il y avait des lois à Rome qui interdisaient les pratiques sexuelles, provocatrices, etc. Simplement, après la morale romaine, la morale antique, et pas la morale chrétienne, c'est vrai, elle n'a pas les mêmes référentiels, parce que dans la religion ancienne, les questions de la pratique des gens n'est pas réglementée par la religion. Ce n'est pas la religion qui se mêle de savoir comment les gens se comportent chez eux. Il n'y a pas un dieu qui les regarde en disant « ça, tu te comportes mal, ça n'existe pas chez nous, ça ». Donc dans le paganisme, simplement, il y a des individus, de valeur, il y a des individus qui sont méprisables, il y a des individus qui respectent les lois, d'autres qui ne les respectent pas, et ça s'arrête là. Bon, et si les lois romaines interdisaient un certain nombre de choses, s'il y avait des gens qui se comportaient mal et qui ne respectaient pas les lois romaines, ils étaient punis. Voilà, c'est pas la religion. Pour moi, la religion n'a pas s'immiscer dans la vie personnelle, elle n'a pas regardé dans la chambre à coucher. Oui, je vais vous redonner la parole, mais c'est vrai que, Jean-Robin, on pourrait te donner un contre-argument qui est de dire que finalement, en fait, tu compares des périodes historiques différentes.
tu comportes pas des religions. Est-ce que les païens pratiquaient le cannibalisme parce qu'ils étaient païens, ou est-ce que c'est parce que c'était une époque où le degré de civilisation n'était pas aussi important? Je veux dire, il suffit de retourner 200 ou 300 ans en arrière, les Occidentaux faisaient des choses qu'ils ne font pas aujourd'hui, alors qu'ils n'étaient plus païens. Donc le rapport à la religion, il n'est pas prouvé en ce sens. Si, alors je pense qu'il y a des retours en arrière dans l'histoire. On l'a vu d'ailleurs, je vais aller un peu contre mon camp, moi je n'ai pas d'autre camp que la vérité, mais il faut reconnaître par exemple, et j'avais interviewé Thomas Ferrier à ce sujet en 2012, que quand le christianisme a remplacé, disons, le paganisme en Europe, eh bien les règles d'hygiène ont régressé pendant un temps, parce que les Romains, et ça donc Thomas sera d'accord avec moi, donc il y a des régressions dans l'histoire. Et il y a des accélérations. Si les fruits du paganisme étaient la crucifixion massive, comme on voit dans le film Spartacus, par exemple, ou les sacrifices humains qui avaient lieu dans la Rome antique, là, je ne parle pas d'exception, je parle d'Auguste, par exemple, qui a fait sacrifier 300 hommes sur l'autel de Jules César, ou Tite Live ou Plutarque qui ont attesté des sacrifices de couples, etc. Donc, l'usage des sacrifices humains chez les Gaulois, d'ailleurs, avait lieu aussi. Et donc, on les retrouve à peu près, il n'y a pas que dans l'Inde, ou qu'est-ce que tu as cité, chez les Aztèques. Non, mais en Inde, il n'y a pas de sacrifice humain. Hein. J'ai jamais entendu parler de sacrifice humain en Inde. Et par ailleurs, ce que tu évoques comme sacrifice humain, ce ne sont pas du tout des sacrifices humains. Ce que tu évoques, ça s'appelle la peine de mort. Donc, quand aux États-Unis, il y a un mec qui est sur une chaise électrique et qui fait venir un curé ou un pasteur pour accompagner dans ses derniers moments, et que le gouverneur de l'État invoque Dieu et compagnie, c'est pas un sacrifice humain non plus. Lorsque Auguste a fait tuer les 300 sénateurs, c'était des sénateurs qui étaient des ennemis, donc il les a fait tuer à la méthode où on tue des prisonniers de guerre, entre guillemets, ça, on peut trouver ça immoral, mais le XXe siècle ne donnera aucune leçon en matière de massacre de prisonniers. Il suffit de prendre les prisonniers russes de l'Allemagne hitlérienne, ou inversement, les prisonniers qui se retrouvent en Sibérie. Voilà, donc c'est sûr, ce sont des pratiques de massacre de masse, c'est pas un sacrifice humain. On ne demande pas, on dit pas aux dieux, voilà, on va tuer ces gens-là pour que vous nous donniez des récoltes abondantes. Le sacrifice, c'est ça au départ. Le sacrifice, ce sont des animaux d'élevage qui sont tués en respectant leur souffrance et qui sont mangés dans des banquets où on fait brûler les viscères mauvaises sur l'autel pour que les dieux accompagnent les citoyens dans ces gestes. C'est ça le sacrifice. Le sacrifice humain n'a aucun sens, puisque le sacrifice humain impliquerait qu'on mange les gens, donc le cannibalisme que tu évoques. Et le cannibalisme n'est absolument pas une pratique européenne attestée ni dans l'Antiquité, ni même au Néolithique, et encore moins à l'époque moderne. Donc concrètement, il n'y a pas de sacrifice humain dans le paganisme, ça n'existe pas. Par contre, il y a des adversaires du paganisme qui disent que ce sont des sacrifices humains. Moi, je t'explique, ce sont des massacres de prisonniers de guerre ou c'est l'application de la peine de mort pour des criminels. On a Pierre de Sedon qui nous dit « Chez les Vikings, il y avait tout de même des sacrifices humains ». Alors, il y a une tradition selon laquelle, tous les 9 ans, il y aura un sacrifice humain, mais la source historique qui atteste ça n'est pas fiable du tout. Ça a été repris dans un film, d'ailleurs, scandinave, je crois, qui parle de ça, où ça se passe à notre époque. Il y aurait une sorte de village païen en Suède ou je ne sais plus où, et en fait, ils chopent des touristes et puis ils les butent tous les 9 ans. Bon, mais voilà, c'est pas, historiquement, c'est très contesté. Mmh. Alors, on peut parler effectivement des Vikings parce que là, il y a quand même des pratiques. J'espère que tu le reconnaîtras, Thomas, parce que ce n'est pas une attaque contre toi. Ou il faut quand même. Oui, non, vas-y. Il y a des faits. Par exemple, une pratique comme l'aigle de sang. Tu connais ça? Le Bloodhound. Voilà. Donc, c'est une des pires tortures qui puisse être infligée à un être humain chez les Vikings. J'ai vu ça dans la série Viking, d'ailleurs, qui le dépeint de manière... Moi, j'ai pleuré, franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais l'être humain est vraiment capable d'horreur sur son propre sang. Donc là, c'est même pas vis-à-vis de l'étranger ou je sais pas quoi. Hein. C'est un jarl qui a trahi et qui se fait... Donc, alors, l'aigle de sang, c'est quoi? Je le dis quand même parce qu'il faut le savoir. C'est un supplice consistant soit à tailler un aigle sur le dos de la victime avec un couteau, à vif, hein, évidemment, soit à trancher ses côtes le long de la colonne vertébrale, puis à les déployer comme les ailes d'un aigle et à extraire les poumons de la poitrine, donc d'où le nom d'aigle de sang. Donc ça, oui. C'est ce à quoi le christianisme a mis fin, une bonne fois pour toutes, tout comme la crucifixion, puisque notre Seigneur Jésus-Christ a lui-même été victime, si tu veux. Donc la crucifixion, c'est quelque chose qui a été mis en place par la Rome antique à un niveau jamais vu dans l'histoire. C'est une des pires, là aussi, souffrances qu'on puisse infliger à un être humain. Et tu reconnais quand même
père que le christianisme a mis fin à cette pratique. Le christianisme n'a pas mis fin à l'aigle de sang, mais il y a eu d'autres pratiques qui étaient à peine plus sympathiques. Les instruments de torture au Moyen-Âge dans l'Occident chrétien sont quelque chose de très connu. D'ailleurs, le mot travail vient d'un instrument de torture qui s'appelait le tripalium. Donc, en fait, il y avait d'autres méthodes. Il y avait aussi les ordalies où on voulait que, pour prouver que quelqu'un était innocent, il fallait qu'il soit capable de mettre la main dans de l'eau bouillante ou de se faire couper la main pour prouver que quelque chose, comment dire, que Dieu lui donnait raison, etc. Ça, c'est complètement attesté aussi. Je pense que les 10 000 Turcs qui ont été empalés au sens littéral du terme par Vlad Tepes, que connaît forcément Daniel, puisque c'est un Roumain célèbre, chrétien d'ailleurs, pourrait attester les mêmes choses. C'est-à-dire que les horreurs, elles sont nées avec l'humanité, si on peut dire. Elles sont pas nées avec une religion en particulier. C'est-à-dire qu'effectivement, la religion, de toute façon, peut justifier n'importe quoi. On peut parfaitement justifier, comment dire, d'un point de vue chrétien, de massacrer ses adversaires. Il suffit d'interpréter les textes de manière biaisée pour, en ce sens. Ça s'est vu dans toute l'histoire. L'islam le fait, l'hindouisme le fait. Toutes les religions sont utilisées par le pouvoir politique. Il n'y a pas d'exemple historique où ce n'est pas le cas. Moi, le fait est, je ne dirais pas que l'époque païenne était de tout repos, c'est loin d'être le cas. Mais c'est vrai que, par exemple, on ne peut pas dire qu'au Moyen-Âge, il y a seulement les catholiques, gens qui commettaient qui se laissaient aller à la torture. Lorsque l'Angleterre est devenue protestante, il y a encore eu des exécutions assez, assez terribles, qui sont totalement inenvisageables aujourd'hui. C'est que moi, je reste vraiment focalisé sur la théorie selon laquelle, en fait, il y a une évolution en Occident, en tout cas, de l'humanité, que le prix de la valeur humaine n'a fait qu'augmenter et que ce qui nous paraît aujourd'hui impensable ne l'était pas il y a 200 ans. On pourrait dire aussi, regarde, aux États-Unis, la conquête de l'Ouest, je veux pas faire mon pro-indien primaire, mais enfin, quand même, il y a eu des horreurs, d'accord? Il y a eu des Indiens massacrés pour s'installer sur place. Et ça, c'était des protestants aussi. Donc tu vois, c'est si on cherche en fait des crimes, on en trouve quand même dans un certain nombre de religions. Tu es quand même d'accord avec ça? Alors, c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses là. Parce qu'il faut bien avoir conscience qu'on vit dans un monde, je suis désolé, mais catho-marxiste. La France est majoritairement, donc je devrais dire même papo-marxiste, puisque pour moi, catholique, je m'estime catholique moi. Alors pourquoi je m'estime catholique? C'est parce que le catholicisme, c'est la religion chrétienne au départ, jusqu'en 451. Et à partir de là, vous avez quelqu'un qui va se dire pape, qui va dire « Moi, maintenant, je suis le représentant de Pierre sur Terre, et je suis le vicaire du Christ, etc. » Et là, ça commence à empiler les hérésies, et on commence... Mais tout ça est progressif, et ça se passe sur des centaines d'années, ce qui fera quelqu'un comme Charlemagne, par exemple, était encore iconoclaste, donc contrairement aux catholiques actuels que j'appelle moi papiste, mais il a converti de force les Saxons. Ça, c'est normal qu'on en parle dans ce débat, par exemple. Donc, on voit là l'influence de l'hérésie papiste qui justifie la conversion de force, parce que dans l'idéologie papiste, on doit convertir les gens pour qu'ils n'aillent pas en enfer. Et ça part toujours d'un bon sentiment, hein, de toute façon. Sauf que dans le christianisme authentique, il n'y a pas de libre-arbitre humain. Le seul qui a un libre-arbitre, c'est Dieu, et donc il n'y a que lui qui peut convertir. Il est souverain. Et donc, la conversion de force n'a aucun sens. C'est criminel. Voilà. Donc c'est pour ça que quelqu'un comme Charlemagne, par exemple, représente un peu un carrefour avec son iconoclastie, et contraire à l'iconophilie que le pape de l'époque essayait de lui imposer, et la conversion de force qui est, comme a dit Thomas, ça vient d'une mauvaise interprétation de Luc 14, 23, contraint-les d'entrée, qui a bien été étudié ensuite par les protestants, et notamment Pierre Bayle, puisque on a voulu, les papistes, donc sous Louis XIV, avec la révocation de l'édit de Nantes et avant ça les dragonnades, ont voulu imposer la conversion de force à 400 000 protestants. Ils y sont arrivés. Donc, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'est-ce qui est moral? Qu'est-ce qui, dans le système de pensée païen, par exemple, permet de dire que quoi que ce soit est moral ou immoral. On en revient toujours là parce que, bon, quand on est musulman, on a parlé de l'islam, sur quoi est-ce qu'on base son système de valeurs? C'est Mahomet. Mahomet, c'est le modèle, c'est ce que dit le Coran. Tous les musulmans, j'en ai discuté avec beaucoup d'anti-islam et de musulmans, ils sont tous d'accord là-dessus. C'est Mahomet le modèle, selon la... combien. Et donc, il faut suivre cet exemple,
C'est pour ça qu'il y a beaucoup de violence dans l'islam. Que Mahomet était quelqu'un de violent. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de dérives selon un cadre moral chrétien. Okay ? Ensuite, sur quoi baser son système de valeurs quand on est chrétien ? Eh bien, c'est le Christ. Donc le Christ n'a jamais violé personne, il n'a jamais tué personne, il n'a jamais commis de violence, sauf une fois contre les marchands du temple, mais ça n'a créé aucun mort ni blessé. Donc voilà, quand on a le Christ comme modèle, eh bien, on donne ce genre de fruit. Maintenant, quand on est païen, j'aimerais que Thomas nous explique quel est le modèle, parce que si ce sont les dieux guerriers et orgiaques qui trahissent, mentent et tuent, eh bien, il ne faut pas qu'on s'étonne ensuite que ça donne ce genre de fruit. Et concernant le Moyen-Âge, je fais remarquer à Daniel donc, que le protestantisme date d'après le Moyen-Âge. C'est à partir de 1517. Donc, on ne peut pas mettre sur le dos des choses qui, selon moi, viennent de l'hérésie que j'appelle papiste et qui s'est développée avec le temps, à partir de 451 jusqu'au Moyen-Âge. Et c'est justement à cause de ces hérésies qui devenaient vraiment trop patentes que Luther et d'autres, ensuite, Calvin, etc., ont fait scission avec l'Église catholique en voulant d'abord la réformer et étant condamnés par excommunication. Ils ont vu que ce n'était pas possible. Ils se sont réfugiés, en tout cas pour Calvin, en Suisse, parce qu'il était persécuté, justement. Et il a pu y développer une théologie qui, ensuite, a donné bien, les États-Unis, par exemple, cette première puissance mondiale qui, aujourd'hui, est sous les assauts de la Chine communiste. Donc, est-ce que Thomas pourrait nous expliquer quel est son modèle, lui, païen? Est-ce que ce sont les dieux guerriers et orgiaques qui trahissent, mentent et tout? Alors, je vais répondre d'abord parce qu'il y a des points historiques qui sont intéressants et que pour lesquels j'ai envie de réagir. Alors, c'est intéressant cette date de 451. Alors, moi, je n'ai pas exactement les mêmes dates pour moi. Ça revient plutôt au cas fait au VIe siècle. Mais peu importe. Le pape, effectivement, l'expression pape, ça vient du mitraïsme. Le plus gros grade du mitraïsme, c'était le terme pater, le père. Donc, pape, c'est ça. C'est un terme mitraïque. Par ailleurs, la notion de souverain pontife, pontifex maximus en latin, est repris de la fonction suprême de prêtre païen à Rome, qui est donc le pontife suprême. Donc les expressions pour utiliser pour parler du pape sont des expressions païennes. Parce que sinon, c'est que l'évêque de Rome, c'est tout. Et évêque de Rome, il n'est rien qu'évêque de Rome. Après, il y a toute une mythologie derrière qui a été créée a posteriori pour expliquer que Jésus avait confié à Pierre le fait d'être le premier pape. Et tout ça, c'est légendaire. C'est effectivement, je suis d'accord sur l'analyse de Jean, la papauté est une invention, politique. Ou en tout cas, semi-politique. Mais par contre, ce n'est pas la papauté qui a inventé la conversion forcée. La conversion forcée, elle commence à partir du moment où l'Empire romain devient chrétien. Si à partir du moment où l'empereur Constantin fait le choix du christianisme, les païens commencent à être persécutés. Donc, ce n'est pas le pape. Les orthodoxes ont fait la même chose. Dans tous les pays où le christianisme s'est implanté, il a persécuté les populations païennes. Et la conversion des Européens s'est faite quasi systématiquement, mais sur un processus de plusieurs siècles, évidemment, par des lois qui interdisaient le paganisme, par des condamnations, par des conversions forcées, tout simplement par le déclassement social. C'est-à-dire que la première façon de favoriser la christianisation, c'est de dire « Bon, si tu ne deviens pas chrétien, tu n'auras pas le droit de travailler là, tu n'auras pas le droit d'avoir telle fonction, telle fonction, telle fonction. » Donc ça, c'est propre à la christianisation tout court. Par ailleurs, les luthériens, qui sont des protestants, ont imposé le protestantisme dans les États allemands pour lesquels le prince était luthérien. Il y a eu un combat religieux, c'est-à-dire que la règle qui a été édictée, c'est si tu es dans tel État et que le prince est protestant, tu dois être protestant, sinon bah, on te tombe dessus. Et si c'est prince français est un cas spécifique, effectivement, parce que la France était plus catholique que protestante, et parce que le roi de France était catholique. Mais Henri IV, lui, qui était plus ambigu, n'a pas persécuté les protestants. Parce que Henri IV se plaçait à un autre niveau. C'est surtout Louis XIV, d'ailleurs, qui est le persécuteur des Huguenots, et il le fait pour des raisons politiques classiques, c'est-à-dire qu'il considère que les Huguenots sont soutenus par les Britanniques, et que donc c'est un État dans l'État. Tout ça, c'est politique, c'est militaire, c'est tout ce qu'on peut analyser. Les sorcières de Salem, ce n'est pas des catholiques qui les ont tuées. Ce que Daniel évoquait sur le Far West, eh bien, la même chose. Les protestants américains ont théorisé par la Bible l'esclavage des Africains sur le principe du pré-adamisme, etc., etc., etc. Donc, ensuite, sur la question maintenant que tu me poses sur les valeurs des païens, tu te réfères à la mythologie. Or, les dieux de la mythologie et les dieux du culte peuvent porter le même nom.
peuvent être représentés de la même façon, mais ce n'est pas la même chose. Je prends un exemple très concret. Dans Homère, dans l'Iliade, Arès et Aphrodite sont présentés comme frères et sœurs. Dans l'Odyssée, Homère les présente comme amants, c'est-à-dire Aphrodite est l'épouse d'Héphaïstos, elle trompe son mari avec Arès, et les deux amants sont piégés par le dieu du feu en flagrant délit. Sauf que dans la pratique cultuelle religieuse des Grecs, Arès et Aphrodite étaient époux. C'est tout à fait la différence. Donc en fait, lorsque les dieux sont honorés en tant que figures divines religieuses, ils sont moraux. Ils ne se trompent pas, ils ne font pas tout ce que tu évoques. En revanche, dans la mythologie, on peut s'amuser à les présenter comme on a envie. Voilà. Il y a pas de, il y a une distinction dans l'esprit des anciens Grecs. On a le droit, Homère a le droit de s'amuser des dieux. Alors, Platon était indigné, Platon dit non, c'est pas bien ce que fait Homère, on ne doit pas se moquer des dieux, il présente les dieux sous un angle, comment dire, défavorable. Voilà. C'est comme ça que ça a été pensé, mais c'est deux choses séparées. Dans le culte païen, les valeurs de, comment dire, des dieux sont les valeurs saines de la société, y compris la société chrétienne postérieure, c'est à peu près les mêmes valeurs. Voilà, on prend modèle sur les dieux comme archétypes idéaux. Et pas dans la version mythologique où ils font n'importe quoi. Mais justement, ces dieux-là, ils ne sont pas des archétypes moraux. Si, bien sûr que si. Si, c'est l'idéal type dans chaque domaine spécifique. Le guerrier idéal, c'est Arès. Il a les caractéristiques parfaites du guerrier qu'on veut. Donc c'est le modèle de tous les guerriers, c'est Arès. Le modèle de toutes les épouses, c'est Héra. Le modèle de toutes les femmes qui sont sages, qui pratiquent la prudence, c'est Athéna, etc. Le modèle des bons rois, c'est Zeus. Donc si on est un bon roi, on prend Zeus comme modèle. Si on est un mauvais roi, on agit différemment. Les dieux, ce sont des archétypes moraux. Ce sont des idéaux à atteindre. Il faut leur ressembler. On ne peut jamais leur ressembler parce qu'ils sont parfaits. Ce sont des dieux, donc ils sont parfaits. Mais on doit tendre vers eux. C'est pour ça que je parlais d'asymptote. L'homme doit tendre vers la divinité. Il n'est pas un dieu, il ne peut pas devenir un dieu, c'est par sa nature même, mais il doit tendre vers ça. C'est un effort, c'est ce que Nietzsche appelle le surhumanisme, c'est-à-dire se dépasser, en sachant qu'on n'atteindra jamais le niveau divin. Ok. Alors, donc, par exemple, si tu as Arès comme modèle, ça veut dire que la guerre est justifiée, d'accord ? D'ailleurs, on ne sait pas trop comment, moi je n'ai pas creusé, si tu veux, philosophie derrière Arès, mais avec Jésus, les choses sont claires. D'accord ? Toute violence est condamnée. Toute violence est condamnée. Ce qui permet, dans les cas que tu as cités et qui sont en effet condamnables, d'avoir une manière de les condamner. C'est-à-dire, Salem, en effet, on les condamne parce que ce n'est plus la logique de Jésus-Christ. D'accord ? Donc on les condamne par rapport à ça. Comment est-ce que tu peux condamner Salem par rapport à Arès? Ah, je vais te dire que c'est une bonne remarque. Non, d'abord, je me place dans une joute. Dans la joute, tu m'opposes le protestantisme au paganisme. Moi, je dis, bon, si ce que tu reproches au paganisme, pourquoi pas, mais vu que dans ta religion, ça a eu lieu aussi, bon, eh ben, ça se neutralise comme argument. Oui, alors par exemple, on a quelqu'un qui nous dit comment ose Jean Robin, étant donné que Calvin n'était pas non plus un tendre. On pourrait rappeler par Michel Servet, alors je vous lis un passage, donc c'était un médecin. Arrêté, évadé et jugé par contumace, il est brûlé en effigie à Vienne par l'Inquisition. En fuite pour l'Italie, il fait halte à Genève. Il y est emprisonné puis jugé comme criminel par le Petit Conseil à l'instigation de Jean Calvin. Convaincu d'hérésie mais refusant d'abjurer, il est brûlé vif le 27 octobre 1553 dans des circonstances particulièrement cruelles. Il compte au nombre des martyrs de la liberté de penser. Qu'est-ce que tu penses de ça? Mais oui, c'est toujours le même exemple qu'on nous ressort parce qu'il n'y a que ça. Et donc c'est monté en épingle pour représenter quasiment, c'est la Shoah si tu veux maintenant. Michel Servet, c'est la Shoah lui tout seul. On dirait que parce que Calvin a été imprudent sur ce cas-là, mais il n'avait pas le pouvoir politique de faire condamner. Simplement, il n'y s'y est pas opposé. Voilà, donc c'est ce qu'il fait, et c'était certainement mal. Et moi, je condamne Calvin pour avoir laissé Michel Servet se faire voler. Mais de là à conclure que le calvinisme, que le protestantisme serait le satanisme sur Terre, parce que ça, c'est l'argument des papistes. Non que ça. Ils inventent souvent tout un tas de choses. Alors que, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a une croyance? Il faut, nous a dit notre Seigneur Jésus-Christ, en juger les fruits. On juge un arbre à ses fruits. Et donc, quels sont les fruits principaux
du calvinisme, c'est la sortie de la dictature, de la pauvreté et des castes. Et ça, évidemment, ça ne concerne pas trop les papistes parce qu'ils ont laissé pendant des siècles et des siècles les populations dans cet état, d'ailleurs, comme le paganisme. Et c'est pour ça qu'ils s'entendent aussi bien, paganisme et papisme, et que, comme l'a dit Thomas, il y a énormément de choses que reprend le papisme du paganisme. Ils s'entendent très bien les deux. Il y a une différence quand même fondamentale. Ce que tu oublies de dire, c'est que certes, il y a des convergences, mais le christianisme, le catholicisme papiste a interdit et détruit le paganisme. Donc, qu'il ait récupéré le paganisme sous-jacent pour, comment dire, se renforcer ou pour être compatible avec les Européens pour que les Européens ne rejettent pas l'ensemble, c'est une chose. Mais n'empêche que la christianisation, ça a quand même lieu, et c'est-à-dire que les temples ont quand même été détruits, les statues cultuelles ont été détruites, des œuvres d'art magnifiques, des temples, les Jeux Olympiques interdits, etc. Ça, on doit bien ça, comment dire, au christianisme. Et même pas au pape, c'est pas le pape qui a demandé est-ce qu'on arrête les Jeux Olympiques, c'est l'empereur Théodose. Bon, et les exemples sont multiples. Donc, d'une manière ou d'une autre, la question, c'est que l'individu qui est saint, quelle que soit sa religion, se comportera bien, parce que c'est un individu de valeur. Et quelqu'un de méprisable, dont la nature est méprisable, bah, t'auras toujours enrobé de religion, n'importe quelle religion d'ailleurs, ses propres turpitudes. La religion, ça sert d'alibi. La différence entre le paganisme et le monothéisme, que ce soit le judaïsme, le christianisme ou l'islam, c'est que les religions monothéistes exigent de l'homme plus que ce qu'il peut faire, et donc créent de l'hypocrisie, parce que les gens ne respectent pas les principes qu'ils prônent. Alors que les païens respectent essentiellement les principes qu'ils prônent. Et ça, c'est une grosse différence. Moi, les valeurs que je défends, je les applique tous les jours, et je ne cherche pas une excuse. Et ça, je ne parle pas de toi, Jean, hein, je parle d'une généralité. Et il y a beaucoup de gens qui se servent de la religion comme un alibi. Alors, ce n'est pas le cas de tout le monde, heureusement, mais c'est vrai. Et on se sert des textes parce que les textes se sont contradictoires, y compris les évangiles entre eux, y compris le Coran, qui a des textes complètement contradictoires entre le Coran de Médine et le Coran de la Mecque, qui sont contradictoires. Il y a un islam pacifique qui existe, même s'il est peut-être hypocrite, et il y a un islam conquérant qui existe dans le même texte. Et en fonction de l'individu, si c'est un musulman modéré qui a de l'empathie pour les autres, eh bien il va prendre les textes qui l'arrangent dans ce sens, et si c'est un fanatique, il va prendre les textes qui l'arrangent dans l'autre sens. Et c'est vrai de toutes les religions, encore plus des religions du livre, parce que les religions du livre s'appuient sur des documents, et ces documents permettent de tout justifier. Le Nouveau Testament peut servir à massacrer toute l'humanité comme à aimer tout le monde. Simplement, il suffit de l'interpréter comme on a envie, de prendre ce qu'on y trouve. Quand Jésus dit « je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais pour apporter le glaive », eh bien, si on l'interprète littéralement, on a le droit de tuer les gens qui ne sont pas chrétiens. Il a dit, de la même façon, Jésus, dans Matthieu, dit qu'il ne faut pas donner de perles aux pourceaux, et qu'il faut donner que des miettes aux petits chiens. Les chiens et les pourceaux qui sont cités dans Matthieu, ce sont les païens. Et quand l'esquin, que par ailleurs je dénigre régulièrement, dit avec sa phrase fétiche, est-ce que vous condamnez le texte machin qui dit que les non-juifs sont des animaux? Eh bien, dans Matthieu, l'évangile Matthieu, Jésus tient un propos qualifiant les païens de porcs et de chiens. Bon, c'est écrit. Après, ça ne veut pas dire que le Jésus historique l'a dit. On n'en sait rien, puisque de toute façon, on n'a rien écrit. Comme Socrate. Mais voilà, ça c'est un texte concret. Tu veux que je te cite un texte, Matthieu, il ne faut pas donner de perles aux pourceaux. Les pourceaux étant les païens. Ouais. Alors, peuvent persécuter les païens à ce titre. On est au cœur du sujet parce que, d'une part, les païens ont persécuté, tu le sais très bien, les premiers chrétiens. Hein, je parlerai de Blandine, je parlerai de Polycarpe et de tous ceux qui sont décapités ou jetés au lion, etc. Donc, quand tu dis « je fais ce qui est bien », mais tu ne peux pas justifier ce qui est bien. C'est ça, le problème du paganisme, c'est je peux t'expliquer très clairement. Là, tu parles de ce qu'on appelle la répression de l'Empire romain païen contre le christianisme. Je connais très bien ce sujet. Je peux en parler, évidemment. Je peux très bien te dire que ce n'est pas la conscience religieuse qui a été mise en cause. Ce qui s'est passé dans l'Empire romain est très simple. Il y a des traditions et des lois. Ces lois sont inspirées de la religion dominante traditionnelle. C'est logique. Dans la France chrétienne, certaines pratiques religieuses ou pratiques sociétales comme l'excision en compagnie sont interdites ou choquent l'opinion. Eh bien, c'est exactement la même chose dans la société romaine. C'est-à-dire que les Romains, ils se foutent de savoir si les gens croient au Dieu ou n'y croient pas. C'est un état politique. Donc, ce qui l'intéresse, ce n'est pas la conscience. Ils se foutent de savoir si les gens croient en un Dieu unique, en des dieux multiples ou tout ce qu'ils veulent. Ça ne les intéresse pas. Ce qu'on leur dit, c'est il y a des règles, il y a des lois, vous les respectez.
Et que disent les chrétiens? Ils disent « Ah oui, mais notre religion nous interdit de faire ci ou ça ». Alors, les Romains étaient comme par nature tolérants, donc par rapport vis-à-vis des Juifs, par exemple, selon les périodes, ils les ont persécutés en leur interdisant la circoncision. La circoncision a été interdite sous l'Empire romain, sous Hadrien, parce que c'était considéré comme une mutilation volontaire. Et sous Antonin, puis ensuite, cette pratique a été réautorisée. L'avantage qu'avaient les Juifs sur les chrétiens aux yeux des Romains, c'est que les Juifs se revendiquaient d'une religion identitaire, enracinée. Et ils disaient, bon, on n'est pas d'accord avec vous, mais c'est la religion de vos ancêtres. Donc à la rigueur, ce n'est pas notre problème. Dans le cas des chrétiens, c'était différent parce qu'ils ne pouvaient pas se dire héritiers du judaïsme et ils ne pouvaient pas se dire héritiers du paganisme puisque leur religion était un peu un mix des deux. Et que c'était des gens qui s'étaient convertis. Et à partir de là, l'Empire romain ne savait pas quoi faire. Lorsqu'il y a des juges romains qui demandent à un jeune chrétien « Fais le geste sacrificiel pour l'empereur qu'on te demande, sinon tu seras tué. » Et que le mec lui répond « J'en ai rien à faire, je serai à côté de Dieu, etc. » Et qu'au bout de 3 heures de débat, le juge dit « Si tu veux mourir, tant pis. » Tu vas mourir, c'est ça qui se passait. Quant aux chrétiens au Lyon, c'est un slogan de cirque. Les mecs sont dans l'amphithéâtre, il y a des problèmes de santé en ce moment, une grippe, une famine, j'en sais rien, un problème. Et qu'est-ce que dit la foule? C'est la faute des chrétiens qui emmerdent les dieux et ils disent les chrétiens au Lyon, Christiani ad Leones. Voilà. Et bien c'est tout. Il n'y a eu quasiment aucun chrétien qui a été bouffé par un lion. Les chrétiens qui étaient persévérants, je veux dire, ils étaient envoyés aux mines de sel, souvent. C'est un sort affreux, évidemment. Mais la plupart des chrétiens, qu'est-ce qu'ils faisaient devant le juge? Eh bien, ils faisaient le geste païen qu'on attendait, et puis ils allaient voir l'évêque du coin en disant « Oh là, j'ai plus mal comporté, j'ai péché, j'ai cédé. » Et 95% des chrétiens faisaient ça, parce que si les chrétiens avaient dit « On refuse systématiquement de le faire », eh bien, il n'y avait plus de chrétiens du tout. Ils auraient tous été repérés et tous été éliminés. C'est la preuve en est qu'ils ne l'ont pas été, puisque le christianisme a gagné à l'arrivée. Alors, je vais. Ça, c'est historique, ce que je dis. Bah, attendez, je me permets de. Je voudrais donner une direction au débat parce que là, c'est un peu. On fait un compte de victime d'un côté comme de l'autre. C'est pas assez constructif. Mais, il a fait un énorme tunnel, là. Il faudrait que je puisse répondre quand même, parce qu'il a dit des énormités. Comme les Romains. Pas des énormités, j'ai dit des choses. Attends, Thomas. Oui, je te laisse parler. Juste, Daniel, si tu me permets, 3 minutes. Allez. Et puis après, tu me poses des questions, mais. Je veux relever quand même l'énormité de Thomas. Les Romains étaient des gens tolérants, franchement. Donc, la religion, oui. Non, mais attends. C'est facile de dire que c'était jamais intolérant parce que c'était, je ne sais pas quoi. Mais quand tu mets quelqu'un sur une croix, d'accord, ce n'est pas la meilleure preuve de tolérance, d'accord. Donc ça, il faut quand même le reconnaître. Quand tu fais des chrétiens des torches humaines pour illuminer Rome dans la nuit, c'est pas... l'emblème de tolérance que je choisirais. Et donc, on en revient à notre problème. Il y a autant de systèmes de valeurs que de paganisme. Il y a le système de valeurs viking, romain, gaulois, grec, enfin tout ce que tu veux. Et alors, lequel on doit choisir? Lequel dans l'histoire on est perdu? Donc, la Grèce antique valorisait l'esclavage. Est-ce qu'il faut valoriser l'esclavage? Elle valorisait les orgies sexuelles, l'homosexualité, la pédophilie, comme on l'a dit, l'inégalité homme-femme. Les femmes n'avaient pas le droit de vote, par exemple, grande démocratie dont nous parle Étienne Chouard. Alors, qu'est-ce qui te permet, je pose pas la question, hein, c'est rhétorique, mais qu'est-ce qui te permet de dire ce qui est bien et ce qui est mal, étant donné que tu condamnes, dans certains cas, certaines pratiques qui étaient validées par les païens du temps ancien, selon la période à laquelle tu te réfères. Donc, c'est ça, c'est un relativisme, en fait, le paganisme. C'est ça, le problème, c'est que tu n'as rien pour justifier ce qui est bien et ce qui est mal. Ce qui nous a fait dire en débat, avant ce débat-là sur Twitter, tu n'es pas capable de dire pourquoi, par exemple, la pédophilie ou l'inceste serait mal. Parce que tu n'as pas une vérité révélée de Dieu, donc celui qui est parfait et qui connaît la vérité, pour te dire c'est bien ou c'est mal. Donc, le christianisme authentique, il n'a pas changé de valeur depuis 2000 ans. L'homosexualité est toujours condamnée, la pédophilie aussi, tu trouves ça dans la Bible, l'inégalité homme-femme aussi, les orgies sexuelles aussi, tout ça est condamné. Ça n'a pas changé depuis 2000 ans. Et donc, les chrétiens sont en mesure de savoir ce qui est bien et ce qui est mal, non pas parce qu'eux le croient ou parce que d'autres hommes, d'autres civilisations à un autre temps l'ont pensé, mais parce que Dieu leur a dit. Et donc, ça rend humble, ça. Parce que si on en vient à donner aux hommes la possibilité de dire ce qui est vrai et faux, ce qui est juste et bon, eh bien, on en arrive, par exemple, au totalitarisme, qui justifie tout dès lors que ça plaît au dieu qui est à la tête, à savoir Staline, Xi Jinping, Hitler, voilà.
Donc tu vois, c'est ça le relativisme et le paganisme. Oui, mais qui ne sont pas des dieux, ceci étant dit. Tu me cites des chefs politiques, c'est pas des dieux. Il y a des raccourcis qui sont assez importants. Moi, j'ai quand même tiqué quand tu dis l'égalité homme-femme, les valeurs chrétiennes, le droit de vote. Excuse-moi, c'est pas le protestantisme en tant que dogme moral qui a amené le droit de vote des femmes. Enfin, c'est une évolution de société qui a été très progressive, qui a dépendu des pays. D'ailleurs, c'était très tardif dans certains pays. Je veux dire, c'est pas... C'est la Turquie qui a commencé. La Turquie musulmane de Mustafa Kemal qui a instauré le droit de vote des femmes avant la France, qui avait peur que les femmes votent conservateurs. Mais ça, c'est, à la limite, ça, c'est des détails. Moi, je voudrais quand même dire un truc, c'est que la réaction des païens, lorsque le christianisme s'est propagé dans le pays, pour moi, Jean, c'est une réaction identitaire. Si j'avais été païen à l'époque, j'aurais fait la même chose. Puisque les païens romains ont considéré le christianisme comme nous, en France, nous considérons l'islam comme une religion étrangère. Donc après, la méthode, dire que ça a été extrêmement cruel, etc., ça dépendait de l'époque. Je rappelle qu'à l'époque, on a quasiment droit de vie ou de mort sur ses enfants. Donc là, on parle de quand même d'il y a 2000 ans. Mais le fait qu'un peuple se révolte contre une religion étrangère qui arrive et qui commence à convertir des locaux, tu comprends quand même qu'en fait, c'est une réaction nationaliste. Moi, ça ne me choque pas, en fait. Non, alors, je vais te répondre en citant Thomas Ferrier, qui est très fort. Donc, je l'ai interviewé en 2012, et voilà ce qu'il m'a déclaré. La table rase est plus forte dans l'islam que dans le christianisme. C'est aussi parce que le christianisme est devenu la religion des Européens. Les Européens ont été forcés de se convertir, là, je suis évidemment, mais voilà ce qu'il dit. Les Européens ont été forcés de se convertir, mais ce n'est pas sous influence étrangère au sens strict, alors que dans l'islam, c'est une implantation, il y a une conquête. C'est vrai, mais ça n'invalide pas ce que j'ai dit auparavant. C'est factuellement... Je répondais à Daniel sur le fait que ce soit... Ah oui, d'accord, excuse-moi. Voilà. C'est une belle citation. Je t'en prie. D'accord, ok. Donc tu as une autre question Mais non, mais parce que là-dessus, je veux dire, je crois pas que tu aies répondu sur le fond, c'est-à-dire en fait sur l'idée que toi, en fait, tu te passes de ton point de vue de chrétien. En tant que chrétien protestant, tu dis, on a la meilleure religion du monde, vous rendez compte, ces salauds de païens, ils ont voulu nous empêcher de convertir le pays. Mais en fait, c'est vu comme une agression, tu comprends? Il y avait déjà une réflexion. C'est une bonne question, tu as raison. Non, j'ai pas répondu à ta question, c'est vrai. Alors, le christianisme s'est répandu par l'évangélisation. Ça, j'espère qu'on sera d'accord parce qu'on a l'islam quand même pour comparer. L'islam s'est répandu par le glaive. Le christianisme s'est répandu par l'évangélisation. Il y avait au moment... Il s'est répandu par le glaive, mais pas par le même. Mais pas par le même. C'est pas le même glaive. Ah ben, mais c'est très important ce que tu dis. Je te laisse parler, je te laisse dire. Laisse-moi aller jusqu'au bout de ma réflexion. Va au bout de ton raisonnement. Je ne ferai pas un tunnel aussi long que le tien. Donc, quand Constantin se convertit, déjà, il ne se convertit pas de force. À ma connaissance, personne ne le force. C'est un choix personnel. Bon, il se trouve qu'il est empereur. Voilà. À ce moment-là, à peu près, tu me corrigeras si je me trompe, mais je crois que 10% de la population européenne était chrétienne. Donc, on a déjà 10%, c'est gigantesque, par l'évangélisation seule. Et je vais prendre un autre exemple. Donc, dans la foulée, Clovis, donc là, on est déjà 150 ans plus tard, il se convertit, donc ça veut dire qu'il n'a pas été converti de force non plus. Hein, donc, ça veut dire que tout le monde n'était pas chrétien au moment de Clovis. C'est bien son baptême qui a incité beaucoup de gens à suivre son exemple. Là aussi, par l'exemple et pas par la force. Et dernier exemple, c'est qu'en France, on le sait peu, mais entre 1517, qui est la date d'apparition officielle du protestantisme luthérien, jusqu'en 1560, c'est-à-dire à peu près 40 ans et même moins... À peu près 40 ans, il y a eu 12,5% de la population, donc c'était encore plus rapide, évidemment, parce que le christianisme était déjà plus implanté qu'à l'époque de Constantin, mais 12,5% de la population française s'est convertie par l'évangélisation, okay, au protestantisme. Et ça a fait tellement peur aux papistes qu'ils ont déclenché leur massacre, à commencer par François Ier, dès 1545. Donc il n'y avait encore que 5 ou 6% de la population qui était protestante, mais comme c'était des gens de la haute société, disons, eh bien, il a déclenché Mérindol qui a fait 3000 morts, ce que les historiens cathos, marxistes ou les deux ne rappellent jamais. Ce qu'ils appellent une guerre de religion était en fait un massacre des protestants par les papistes, qui a commencé en 1545 avec Mérindol et qui a suivi par un génocide, ou une tentative de génocide, si on veut être gentil, c'est à peu près au même. Ce qui fait qu'il y a aujourd'hui énormément
papistes, les millions, on les a vus manifester encore récemment, un million de personnes dans la rue, trois fois de suite, ça c'était bien des papistes. Les protestants, il n'y a qu'un reste, et c'est comme ça que fonctionne Dieu. Il fait le ménage, si vous vous rappelez le déluge, il restait 8 personnes sur l'arche, et c'est à partir de ces 8 personnes-là, parce que tous les autres n'étaient pas dignes, selon Dieu, de rester sur Terre, eh bien, on a reconstruit un monde plus humain. Et donc, c'est ce qui va se passer en France, je pense. Il n'y aura pas forcément un déluge, je ne sais pas quoi, mais on commence déjà de voir un certain ménage qui est fait, qui va continuer parce que Dieu n'est pas content qu'on l'ait abandonné, à commencer par les papistes et leurs alliés païens, les marxistes. Bon, c'est intéressant, ça. Bon, je vais te répondre très précisément. Alors, une première chose, c'est d'abord, l'évangélisation a échoué en Europe à l'époque du 3e siècle et 4e siècle. En fait, quand tu dis 10%, c'est 5%. Au moment de la conversion de Constantin, il y a 5% de chrétiens dans l'Empire romain. Mais je précise, dans l'Empire romain. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment personne en Europe qui soit chrétien. Les chrétiens, ils sont à Carthage, ils sont à Alexandrie, ils sont à Antioche, ils sont en Cappadoce, mais ils ne sont pas en Europe. En réalité, c'est bien la conversion de Constantin qui va christianiser l'Europe. Constantin va devenir chrétien, donc tous les mecs qui ont envie d'être bien vus du pouvoir vont se convertir de manière opportuniste. Il n'y a absolument pas une question de foi derrière. C'est juste, si je suis de la même religion que l'empereur, je vais avoir du pognon, je vais avoir des fonctions, etc. Constantin n'a pas persécuté les païens au sens strict, mais effectivement, il a montré l'exemple de dire « si vous me déchez le cul et si vous prenez ma religion, eh bien, vous serez bien vus. Et puis si vous restez fidèle aux anciens dieux, eh bien, ne comptez pas sur moi pour votre promotion professionnelle. » Bon, c'est comme ça que ça, plus ou moins que ça s'est fait. Lorsque l'empereur Julien est arrivé au pouvoir, les chrétiens ont paniqué immédiatement. Quoi, on a réussi à avoir un empereur chrétien et ça y est, il y a un empereur païen qui va tout foutre en l'air. Ils ont tellement eu peur que ça, que l'empereur Julien a été démonisé pendant 1500 ans comme le pire possible truc, parce qu'il a failli faire foirer le plan. Parce qu'il y a un chef religieux chrétien très important, c'est du 3e siècle, si je ne dis pas de bêtises, malheureusement son nom m'échappe au moment où je le parle, c'est un théologien chrétien de l'époque, qui a expliqué aux chrétiens qu'il fallait, selon le principe de Jésus, que le poisson pourrit toujours par la tête. Et que l'idée générale, c'est que s'ils arrivaient à convertir la tête de l'empire, c'est-à-dire l'empereur, alors ils gagnaient. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont réussi à convertir l'empereur Constantin par une manœuvre très élaborée, très subtile, qui a été mise en place et qui a fonctionné par le biais de sa mère, Hélène, qui était devenue dévote du christianisme, etc. Moi, je peux te t'expliquer. Alors, évidemment, ça va choquer certains, tant pis. Bon, l'empereur Constantin avait un fils qui s'appelait... Alors, malheureusement, j'ai un trou de mémoire. Crispus, voilà. Il s'appelait Crispus. Et il avait une femme qui n'était pas la mère de ce Crispus, qui s'appelait Fausta. Et la mère, la grand-mère, donc la mère de Constantin, a prétendu que sa femme couchait avec son fils. Donc il y avait un inceste. Qu'a fait Constantin à ce moment-là? Il a fait tuer son fils et ébouillanter sa femme dans une baignoire. Seulement après, il s'est senti un peu honteux. Alors il est allé voir les prêtres païens. Il dit « qu'est-ce que je peux faire pour rattraper le coup ?» Et les prêtres païens lui disent « bah non, c'est un crime, il n'y a pas de rattrapage. Hein » voilà. Et il va voir les chrétiens, il leur dit qu'est-ce que je fais? Il dit, ah bah écoute, si tu te repentis, si tu fais repentance, bah Dieu te pardonnera peut-être. Donc les dieux païens lui disent, t'as tué ta femme et ton gosse, bah tant pis pour ta gueule. Et d'autres lui disent, ah bah oui, mais tu peux te racheter. Donc le problème, c'est qu'en plus, Constantin a dû se dire un peu ce que tu disais sur les mœurs des païens. Il a dû se dire, oui, mais s'ils ont fait ça, si ma femme s'est mal comportée avec mon fils, c'est parce qu'ils étaient païens. Et donc, dans son raisonnement, il se dit, ben voilà, le paganisme amène à l'inceste et compagnie. Alors qu'en fait, rien n'était prouvé. Donc, ce que j'essaie de démontrer de manière un peu tordue, je veux bien le convenir, c'est que la conversion de Constantin ne doit rien au hasard et ne doit rien à un choix rationnel, pur, d'un individu. L'Empire romain était quasiment pas chrétien en Europe, 1% de chrétiens en Europe, ça n'avait aucun intérêt que Constantin devienne chrétien d'un point de vue stratégique, technique, tactique. Donc, simplement, effectivement, il y a une part de conversion sincère, je veux bien l'admettre, mais n'empêche que sa conversion était peut-être sincère. Quand il a rendu obligatoire, lui et ses successeurs, le christianisme, et que les païens qui ne voulaient pas se convertir étaient bien morts, eh bien, c'était quand même lui aussi qui était responsable. Ça, c'est son premier point. Le deuxième point est important, effectivement. Ce que tu dis sur les protestants... Essayons de faire court, parce que... globalement, les protestants qui ont été tués par... en France, ils ont été tués par le pouvoir politique, c'est-à-dire par Louis XIV, notamment, mais François Ier aussi, tu as raison, je suis d'accord. Et c'est comme Philippe IV le Bel a fait tuer les Templiers,
pour récupérer leur or. C'est le même principe. C'est même pas, c'est pas le pape qui est lui-même en cause. C'est Louis XIV qui a décidé ça. Comme Henri VIII a décidé de créer l'anglicanisme, de se séparer de l'Église de Rome parce qu'il il tuait ses femmes et puis il en changeait tous les quatre matins, etc. Tout ça, c'est complètement politique. Que ça soit scandaleux, tu as parfaitement raison. Mais comme je l'ai dit, les protestants en pays protestant persécutaient les catholiques aussi. C'était vrai dans les deux sens. Une guerre de religion, c'est dans les deux camps. Il n'y a pas eu de génocide catholique papiste dans les pays protestants. Hein. Ça, c'est la différence. Ah bah, les Prussiens luthériens ont massacré les Prussiens païens. Il n'y a pas eu de génocide. D'accord ? Aujourd'hui, il n'y a plus de catholique. Le génocide prussien, c'est réel. Est-ce que je peux en placer une, Thomas ? Oui, parce que si tu m'interromps. Laissons parler Jean et après, je passe à la question suivante. Oui, très bien. Parce que tu as dit beaucoup d'erreurs, là. Il y a eu un génocide des protestants en France. Il n'y a plus de calvinistes en France. Moi, je n'ai pas été converti par quelqu'un qui m'a dit voilà ce que c'est le calvinisme. J'ai été converti par Dieu, d'accord ? Il n'y a plus de calvinistes en France. Quelques centaines peut-être. Allez, quelques milliers si je veux être gentil. C'est tout. Il y a encore des millions de papistes. En Hongrie, qui est majoritairement catholique, là, ils ont respecté les calvinistes. Et donc, un gars comme Orban, par exemple, est calviniste. Et ils sont 15% à l'être. Et lui, il est marié avec une papiste. Donc, ce n'est pas la même chose. Tu n'as pas de catholiques qui ont été massacrés au point d'un génocide. Hein, il y a encore des catholiques en Allemagne, il y a encore des catholiques en Suisse, il y a encore des catholiques en Angleterre, n'est-ce pas ? Donc, ce n'est pas la même chose. Et ceux qu'on veut nous faire passer pour des protestants, en France, et qui croient au libre-arbitre humain, n'en sont pas, mais ça nous amènerait peut-être loin. Moi, je voulais revenir sur deux choses. Déjà, tu as dit une chose factuellement fausse, par exemple, sur le proverbe que tu as attribué à Jésus, le poisson pourri par la tête, c'est pas dans la Bible, c'est un proverbe chinois, mon ami. Donc déjà, c'est faux. Ensuite, il faut prendre conscience, et c'est peut-être une question que tu voulais poser, Daniel, donc peut-être j'anticipe un peu, mais peu importe. Moi, pour moi, le monde actuel est dominé par le paganisme. Et j'ai regardé plusieurs films ces derniers jours, justement, pour m'en imprégner, parce que les films païens, par exemple, je sais que Daniel, tu parles beaucoup de films en ce moment, donc, pas étranger, tout ce que je vais dire là. Dans les années 60, où il y avait encore une culture chrétienne à Hollywood, par exemple, il y avait des péplums païens et chrétiens. Bénur, mais il y avait aussi les 10 commandements. Mais depuis les années 90, disons, ça a commencé avec Conan le Barbare, mais voilà. À partir des années 90 et surtout 2000, là, on a vu une myriade de films païens, à partir du 13e guerrier, par exemple, qui est inspiré de Beowulf, Brocéliande, Agora, 3, tout ça c'est 2003-2004, et après ça s'est encore accéléré, et je pourrais citer des dizaines, mais attends, des dizaines de films. Bon, attends, je te laisse finir et après je te dirai ce que j'en pense. Allô, on t'a perdu ? Allô ? Ah, je pense que ça a planté. Hein. Ah, genre, ben, il est revenu. Il est revenu. Allô, allô ? Ouais, ça oui, t'avais bon. Déconnecté. Mais je te laisse finir, après je te dirai un truc. Ah, ok. Donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, donc il y a des tonnes de films païens, mais de séries païennes aussi. On ne pense pas à Kaamelott, mais ça a quand même... Viking, on est à la 6e saison. American Gods, Last Kingdom, Britannica, Spartacus, tout ça, c'est des séries qui sont entièrement basées sur l'apologie de cette période-là. Et Hollywood, ça lui convient très bien, parce que Hollywood dénonce le christianisme quasiment dans chacun de ses films. Quand il en parle, c'est pour le diaboliser. La sexualité qui est représentée de manière de plus en plus graphique, sa personne, je pense. C'est difficile maintenant de trouver une actrice à Hollywood qui n'est pas posée nue ou dans une scène de sexe. Donc voilà. Quand on pense que Louis de Funès, par exemple, qui était catholique, ça je veux bien le reconnaître, refusait d'embrasser sur la bouche ses partenaires, même si le script lui demandait. Il refusait. Donc là, on a quand même basculé entre les années 60 et aujourd'hui. Donc il y a un retour du paganisme en force, y compris dans les jeux vidéo, avec God of War, avec Skyrim, et les valeurs LGBTQ qui reviennent avec, je suis désolé de le dire. C'est-à-dire, c'est un retour au paganisme grec, qui promouvait la pédophilie, tu peux le nier, mais c'était ça dans les années 70 en France. Donc, c'est quand même choquant parce que je ne vois pas, on revient toujours là, mais je ne vois pas comment le paganisme peut condamner moralement, sur quelle base elle peut condamner moralement. Des choses comme la pédophilie, l'inceste, ou les sacrifices humains. Je suis étonné que
Je suis étonné que Thomas n'ait pas répondu ça. Enfin, moi, je vais te donner une réponse alors que je ne suis pas un croyant païen. Enfin, je ne suis pas même un païen du tout. Mais de ce que j'ai compris du paganisme, c'est qu'en fait, les païens n'ont pas besoin justement du support moral d'une figure, que ce soit Jésus, Dieu ou Mohamed, en fait, pour avoir une morale. Des auteurs comme Aristote ou Platon n'avaient pas besoin de s'inspirer des dieux, en fait, pour faire la distinction entre le bien et le mal. Enfin, ton paradigme, il est vraiment lié à ta croyance religieuse, Jean-Robin. C'est-à-dire qu'en fait, on peut... Bien d'ailleurs, bien. Kant l'a expliqué. Kant a bien dit qu'on peut avoir une sensation. La moralité n'est pas forcément liée à la croyance en Dieu. C'est pas forcément... tu vois ce que je veux dire? C'est en fait, tu pars d'un prédicat et tu dis, bah, du coup... Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il y a des fausses déductions, quoi. C'est-à-dire, en gros, il n'y avait pas de figure païenne symbolique et moralement pure. Donc, en fait, les gens n'étaient pas moraux. Mais parce qu'en fait, on n'a pas besoin de ça, en fait. C'est ça le principe, quoi. C'est que les gens moraux le sont profondément et peuvent l'être par eux-mêmes. Je veux dire, quand par exemple, Léonard de Vinci, je prends un grand génie de l'humanité, il a l'intuition donc à l'époque où il vivait donc voilà au Moyen Âge enfin c'était on parle vraiment de des siècles et des siècles et il dit un jour les gens seront végétariens parce qu'ils se rendront compte que tuer des animaux c'est une forme de laideur qu'on amène dans le monde et tu comprends bien que là c'est un sentiment moral qui dépasse la croyance religieuse qui est lié à tout un chacun. Tu vois, c'est le premier truc que je voulais dire. Le deuxième par rapport à la mode des films païens. Alors là je te donne un argument de jeunes enfin, je suis plus si jeune que ça, mais on va dire d'ex-jeune que j'étais. En fait, simplement, les histoires païennes sont plus motivantes pour un jeune. Troie, c'est la guerre. Rome, c'est la domination, c'est l'empire. Les Vikings, c'est la sauvagerie, c'est la virilité. Et en fait, ça, c'est un truc dont l'homme blanc aujourd'hui manque. Et c'est justement parce qu'il ne trouve pas dans le christianisme, qu'il soit protestant d'ailleurs ou catholique, les référents nécessaires, à part pendant la période des croisades qui a déjà été qui s'est essoufflée et qui maintenant en fait vu que en fait on voit bien avec l'essoufflement de la religion chrétienne que en réalité les croisades étaient le fruit d'une époque plus que d'une religion et en réalité c'est pareil pour le paganisme sauf qu'il y a dans le cinéma il y avait des histoires des mythes païens eh bien qui donnaient envie aux jeunes d'aller voir ça et de s'en inspirer pour trouver la vitalité qu'ils n'avaient pas dans leur vie de tous les jours. Et d'autre part, voilà, et pour terminer, après, je te laisse répondre, parce que c'est vrai que du coup, j'ai relancé un peu j'ai remis une pièce dans le jukebox. Nous faire passer les Romains d'antan pour des militants LGBT, faut pas exagérer, quoi. Je veux dire, tu crois que les armées qui ont marché sur le monde, la Grèce et puis Rome, étaient un défilé de drag queens. Enfin, faut arrêter les conneries, quand même. Attends. Ouais, non, mais ça, c'est une caricature. Parce qu'on peut être, par exemple, le viol. D'accord ? Il y a des militants LGBT qui justifient le viol. Ça, il faut le savoir. Alors, c'est vrai que ce n'est pas la majorité, mais c'est toujours. Voilà, on peut tout justifier quand on n'a pas de système moral qui est basé sur des principes moraux. Donc, on peut tout à fait conquérir des tas de territoires et pratiquer la partouze, si tu veux, l'orgie. Et c'est pour ça que, par exemple, comment tu condamnes la pornographie ? Dans ce système-là, qu'on voit aujourd'hui de plus en plus répandu, au cinéma, sur Internet évidemment, comment tu la condamnes si tu n'as pas un système moral, comme la Bible par exemple, qui te dit « il faut condamner l'impudicité ». Bien, tu ne peux pas. Donc tu peux la justifier si ça t'arrange, ou la condamner si ça t'arrange. Et ça s'appelle le relativisme. C'est ce qui fait que quelqu'un comme Hitler, par exemple, pouvait dire « eh bien, les Juifs sont des sous-hommes, donc on va les éradiquer ». Voilà. Qu'est-ce qui lui interdisait de dire ça dans son système moral ? Rien. Mais les chrétiens, qui ont résisté notamment contre lui, lui disaient non, nous sommes tous égaux devant Dieu et nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Donc il ne faut pas mettre des gens dans des camps de concentration. Comme par hasard, oui, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui en Chine communiste. Alors, juste un truc que je voulais rajouter, c'est que sur ton exemple des films, c'est intéressant. Est-ce que il y a des films sur Hercule ? Oui, plein. Conan le Barbare, etc. Mais tu as l'équivalent, par exemple, dans l'Ancien Testament avec Samson. Est-ce que tu as déjà vu un film d'Hollywood sur Samson ? Eh bien non. Pourquoi ? Je connais, moi. Non, mais il y a Samson et Dalila. Un film récent fait par Hollywood. Ah, récent. Non, il n'y en a pas. Or, en 2014, il y a eu Hercule. Tu as Thor dans les... Alors ça, c'est intéressant aussi, c'est avec les Avengers, etc. C'est-à-dire que la grande machine hollywoodienne aujourd'hui, soumise d'ailleurs à la Chine communiste, par ailleurs, parce que tout se rejoint,
produisent des films entiers, des séries sur Thor, sur Loki. Là, il y a un film qui va sortir sur Loki, qui est quand même le dieu. Alors, tu vas me dire, voilà, qu'est-ce que justifie Loki ? C'est le dieu du mal, non ? Si j'ai bien compris. Eh bien, il y a un film entier qui est fait sur Loki et qui va le présenter comme quelqu'un d'exemplaire, qui se bat, qui est courageux, qui, etc. Donc ça, il faut arrêter de nous prendre pour des débiles. Le christianisme aujourd'hui est persécuté un peu partout dans le monde par l'islam, mais aussi par le communisme, par exemple, alors que le paganisme règne. Et c'est pour cela qu'on voit tout ça. J'aurais des dizaines d'autres exemples à vous donner, mais enfin, j'en ai déjà donné suffisamment. Est-ce que Thomas, tu veux réagir avant que je passe à autre chose ? Oui, alors, d'abord, il y a des films chrétiens qui sont sortis. Il y a le film que j'ai vu, d'ailleurs, qui était assez difficile à supporter sur la mort du Christ par, comment s'appelle-t-il, ce grand acteur américain, Mel Gibson. Voilà, il y a des films. Il y a eu un Ben-Hur, il y a eu un reboot de Ben-Hur qui est sorti il y a quelques années également. Après, des films païens, de vrais films païens au sens strict, j'en connais très peu. Il y a des films qui se passent dans l'Antiquité où il y a des dieux, oui, mais... Par exemple, dans 3, les dieux, on ne les voit pas, ils sont invoqués, mais il n'y a pas de dieu du tout présent, physiquement. Alors que dans des péplums des années 50-60, les dieux pouvaient apparaître dans des films italiens. Hein. Et il y a très peu. Thor et tout ça, c'est un très bon exemple. La communauté païenne, donc Azathrus, qu'on appelle les païens scandinaves d'aujourd'hui, ont été choqués quand un dieu scandinave qui s'appelle Heimdall, qui est appelé l'As Blanc, a été joué par un acteur noir. Bon, donc d'une certaine manière, il y a aussi une dénaturation du paganisme européen par les films américains, lorsque par exemple dans Les Immortels, on fait jouer certains soldats grecs par des Africains. Il y a quelques personnages qui sont africains, qui sont en tenue d'hôpital grec, etc. Donc là, c'est une dénaturation du paganisme européen, de ce point de vue-là, si on se met dans la même logique. Mais Agora, par exemple, est un film intéressant, puisque le film Agora, qui était interdit par le pape en Italie, il a fait pression pour ne pas le diffuser. Agora raconte la vie d'Hypatie. Hypatie, c'est une philosophe et mathématicienne grecque d'Alexandrie, qui a été tuée par la foule chrétienne, découpée en morceaux, et son corps a été baladé dans les rues. Ça, c'est un fait historique. Hein. Et donc, le film montre, d'une certaine manière, que le christianisme, du point de vue des Romains, ressemblait à l'islam, du point de vue des Européens modernes. C'est le principe, en tout cas, du film Agora, dont je veux bien reconnaître qu'il est aussi caricatural. Bon, les choses, pour moi, sont plus compliquées. Je ne vois pas en quoi Gladiator, par exemple, est un film païen. Il n'y a pas un moment donné où il honore les dieux, quasiment. Et par contre, on voit une scène, dans la version longue, où des lions sont envoyés contre les chrétiens. Bon, je ne vois pas en quoi c'est un film païen. Bon, je me permets de dire qu'on piétine un peu. Ce n'est pas que ce n'est pas intéressant, mais en fait, on n'avance pas l'un répond à l'autre. Mais voilà, sur un sujet. Façon, peu importe. Alors, si le paganisme revient, c'est une bonne nouvelle. Mais c'est pas que ça soit le vrai, alors. On va dire, dans la définition de Jean Robin, ce qui n'est pas... je ne crois pas me tromper, d'ailleurs. Pour un chrétien, tout ce qui n'est pas chrétien... En plus, protestant, en l'occurrence, parce que Jean-Robin est calviniste, protestant calviniste, est païen, par définition. Païen, ça veut dire ça aussi, au sens strict. Ça ne veut pas dire forcément ta religion. Polythéiste. Polythéiste. Alors, une question qui est revenue souvent pour toi, Thomas, qui est une question finalement assez technique, même de langage. Mais quand on dit France païenne, est-ce que ça a un sens dans la mesure où ce qui est la France. La France est chrétienne, historiquement, et c'est la Gaule qui est païenne. Est-ce que tu es au moins d'accord avec ça ? Tu ne contestes pas ça, tout de même. En fait, c'est compliqué, parce que ce que je conteste, c'est surtout de faire naître la France avec Clovis et sa conversion. C'est ça que je conteste. L'idée de France est apparue progressivement, à partir surtout du XIIIe siècle, et quand elle est apparue au XIIIe siècle, la France était chrétienne, comme l'Allemagne, comme tous les peuples d'Europe de l'époque, sauf les Lituaniens et quelques autres dans le Nord-Est. Donc, la France n'est pas née, comment dire, avec Clovis. La Gaule était païenne, elle est devenue progressivement chrétienne par un processus de plusieurs siècles, notamment de persécution des païens. Et ensuite, à un moment donné, il y a une construction nationale qui s'est faite. Voilà ce que je pourrais dire. Donc, la France est-elle païenne ? Si on admet la définition de Jean, d'ailleurs, vu qu'il n'y a plus de calvinistes, la France est païenne, selon cette définition. Et selon d'autres définitions, la diffusion des catholiques à la Bozzi, la France est intimement catholique. Moi, j'aurais tendance à dire, personnellement, que moi, j'ai du respect pour les Européens chrétiens, qu'ils soient orthodoxes, catholiques ou protestants, dans la mesure où ils défendent leur identité et le caractère européen de l'Europe. Je préfère un catholique qui prône la remigration à un païen Wicca qui pense que toute la planète entière peut être païenne. Voilà, concrètement. Bon, c'est ça qui m'intéresse. Quand j'ai des amis catholiques qui vont à la messe et qui en ont marre de voir des curés africains,
Bah, je suis solidaire d'eux. Et je comprends pourquoi, ils ont raison. Est-ce que tu es d'accord pour dire, tout de même, Jean-Robin, c'était une question pour avancer, hein, qu'il y a un attachement, excusez-moi, à l'identité ethnique qui est plus forte chez les païens que chez les chrétiens. Est-ce que tu es d'accord pour dire que le christianisme, qu'il soit d'ailleurs catholique ou protestant, est un universalisme et qu'à ce titre, en fait, l'attachement à la préservation raciale n'est pas du tout une priorité pour les chrétiens? Non, alors ça, c'est une vision effectivement plutôt papiste, encore une fois de plus. Il faut savoir, quand on se plonge dans l'histoire, par exemple, du protestantisme, il y avait quelqu'un comme Jan Hus, par exemple, qui a défendu sa langue, et donc sa culture, et la Bible, qui sont les premiers à avoir traduit les Bibles en langue vernaculaire, c'est-à-dire de leur pays, ce sont des protestants. Et souvent, ils ont été brûlés pour ça par les papistes. Et ça, c'est souvent mis de côté par l'historiographie catho-marxiste, on comprend pourquoi. Parce que ça ne va pas dans leur sens. Mais concrètement, les patriotes, et on le voit aujourd'hui, là, il suffit de regarder qui est le plus patriote dans le monde. Par exemple, Orban, qui est calviniste, Trump, qui est calviniste, et qui lutte contre les forces du mal, comme la Chine communiste, pour résumer. Donc, non, ça, c'est une erreur de penser cela. Tu omets volontairement les contre-exemples, par exemple la Pologne, typiquement. Mais justement... C'est pas parce que, si tu veux, un pays est majoritairement papiste, il ne peut pas être identitaire par ailleurs. Moi, j'ai jamais dit le contraire. Simplement, dans l'histoire, c'est vu et revu, et personne ne pourra jamais dire le contraire. Les langues nationales, que ce soit en Allemagne avec Luther, que ce soit en français avec Calvin, que ce soit en Tchécoslovaquie avec Jan Hus, en Angleterre avec Wycliffe, etc., etc., tous ces gens-là sont les premiers à avoir traduit la Bible dans leur langue, et avoir établi ce qui constitue, si tu veux, le socle d'une identité, à savoir la langue. Hein? Donc, on ne peut pas accuser, je pense, les protestants de vouloir faire venir toutes les nationalités du monde pour profiter de je ne sais pas quoi. Ils veulent, les protestants, on prend l'exemple de Trump, par exemple, Trump n'a déclenché aucune guerre, il est protestant. Il veut simplement que les peuples s'autodéterminent. Mais pour revenir à ta question sur l'histoire de France, est-ce que la France est chrétienne? Moi, c'est quelque chose, l'historiographie française est vraiment... Du côté catholique, on a Bainville, par exemple, qui est un peu la référence, et qui justifie le massacre des protestants. Donc ça, c'est quand même hallucinant. Quand on lit, il faut lire son histoire de France et se rendre compte de ça. Et de l'autre côté, on a les marxistes, ou les païens, je ne sais pas comment les appeler, mais souvent, ils sont marxistes, et eux, ils nient les racines chrétiennes de la France. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit un livre. Je me suis vraiment plongé, parce que ce n'était pas ma spécialité du tout. Je ne m'intéressais pas à l'histoire. Mais ma conversion m'a obligé à m'y intéresser, parce qu'un peuple ne sait pas qui il est s'il ne sait pas d'où il vient. Et ça, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Donc, j'ai écrit un livre qui s'appelle « L'histoire chrétienne de la France », dans lequel je me plonge justement dans l'histoire de France depuis son début. Alors, effectivement, je suis d'accord avec Thomas, c'est pas pour moi le baptême de Clovis qui est le début de France, pour moi, mais c'est pas non plus le XIIIe siècle. Donc pour moi, la France est née avec Jésus. Et donc la France a 2021 ans, si on veut. Et c'est pas Vercingétorix, pour moi, le premier héros français, puisque c'était un perdant. Il a perdu, donc quand on est patriote, on aime plutôt les vainqueurs. Et j'ai aucun problème à faire de César. Un des premiers de ceux, alors c'était pas encore la France, hein, personne n'était français, mais je préfère m'appuyer sur César que sur Vercingétorix. Bon. Et ensuite, j'analyse toute l'histoire de France sous le prisme chrétien, parce que le christianisme a infusé la France à partir des années 50, 100, jusqu'à 150, et au premier martyr de chrétiens. Et ensuite, elle a pris le pouvoir avec Clovis, mais si on regarde la religion de Clovis, elle était beaucoup plus proche de ce qu'est le protestantisme actuellement, calviniste, que de ce qu'est le papisme actuellement, et même conciliaire, ou non conciliaire, enfin je me perds dans leur histoire, mais sans reconnaître Vatican II. Hein. Donc Clovis ne croyait pas dans toutes les hérésies qui ont été ajoutées après lui, et notamment au pape qui représente quelqu'un d'important et de puissant, et qui a lancé d'ailleurs les gens dans les croisades. Les croisades ne sont pas chrétiennes selon moi, et je le développe dans le livre, ne sont pas chrétiennes parce que Jésus n'est pas de ce monde, et donc on n'a pas à libérer des endroits où Jésus a été, ça relève de l'idolâtrie. Et même si ça repousse l'islam, on peut le repousser sans pour autant justifier ça de manière chrétienne. Je revois toute cette histoire de France, et j'invite les gens qui veulent savoir
réellement quelle est l'histoire de France, à lire mon livre, parce que c'est le seul que vous trouverez de ce genre. Bon, d'accord, là on est vraiment parti loin, parce que moi j'avais une constatation qui oui. était empirique, ce qui était de dire qu'au sein des milieux nationalistes que tu as quand même fréquenté à une époque, Jean-Robin, je ne dis pas que tu étais nationaliste, mais en tout cas, voilà, t'as de la main d'or à Guillaume Fyfe, tu as connu un peu ce milieu-là. En fait, c'est simple. Quand je vais dans à des conférences de mouvements plutôt chrétiens ou catholiques, je vois des noms blancs. Quand je vais à Terre et Peuple, je n'en vois pas. C'est tout. C'est ce que je disais. C'est que pour ceux qui sont attachés à l'identité ethnique de la France, qui, selon moi, est un pays blanc et a vocation à le rester, le paganisme semble un outil plus cohérent. C'est ça que je voulais dire, en fait. Voilà. Est-ce que tu es déjà allé dans une église calviniste ? Non, je suis jamais dans une église calviniste. Donc, tu ne sais pas qui est... donc, vas-y, et tu me diras quelle est la couleur de peau majoritaire là-bas. Non, mais attends, je veux pas... C'est pas une attaque personnelle, mais c'est un exemple. C'est que toi-même, tu n'es pas avec une femme blanche. Donc, on peut dire... Thomas Ferrier ne ferait jamais ce choix de vie de par ses convictions identitaires et païennes. C'est un fait. Et tu n'es pas le seul à l'Action française. On a pas mal de gens qui sont en couple avec des non-blancs parce qu'ils considèrent que la France, c'est le catholicisme, la France, c'est le christianisme. C'est pas être blanc. Oui, mais alors, justement, c'est une bonne question parce que la couleur de peau, vous faites vraiment une fixette là-dessus, mais moi, ma femme, effectivement, vient d'Algérie. Je ne l'ai jamais caché. Elle a rejoint la France par amour de la France, d'accord ? Elle a abandonné sa nationalité algérienne, elle a abandonné son nom algérien et son prénom algérien. Elle s'appelle aujourd'hui Marie Robin. Donc, si on va refuser ces gens-là qui veulent s'intégrer chez nous par amour pour notre culture et qu'eux-mêmes nous disent « la France n'est plus la France, vous êtes en train de vous faire islamiser, soumettre par la Chine communiste, ce que tu veux », alors là, on se tire une balle dans le pied. Donc ça, c'est du suicide. Et la France a été en Algérie, pour le bien et pour le mal. Il y a des gens qui se sont mariés avec des Algériens, etc. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire de ces gens-là ? Les harkis, qu'est-ce qu'il faut en penser de ces gens-là qui se sont battus jusqu'à la mort pour la France ? Est-ce que tu vas cracher ? Est-ce que les identitaires français sont prêts à cracher sur des centaines de milliers de gens qui ont mis leur vie en jeu pour la France ? Moi, il ne s'agit pas de ça. Parce que là, évidemment, si vous allez jusqu'au bout de votre logique, vous verrez que c'est du suicide. C'est une question vachement intéressante quand même. Ça nous a écarté un peu du sujet, Daniel. J'aimerais bien lui répondre. Vas-y, je t'en prie. Ça dépend de la vision du monde. Moi, je ne suis pas universaliste du tout. C'est-à-dire que ce que tu expliques, Jean, c'est que des gens qui sont d'Afrique du Nord peuvent se sentir français, aimer la France, vouloir nous rejoindre. C'est le témoignage que tu nous indiques. Mais ça, ce n'est pas un discours identitaire. Qu'est-ce qu'un discours identitaire ? C'est pas de dire à quelqu'un « notre civilisation est meilleure que les autres, venez vers nous ». C'est exactement le contraire. C'est-à-dire que si quelqu'un, je prends un terme hypothétique, mais dans l'idée, quelqu'un me dit « je suis algérien, je suis marocain, je suis tunisien, j'aime la France, je veux devenir français ». Eh bien, moi je lui dirais « mais pourquoi vouloir devenir ce que tu n'es pas, au lieu d'essayer d'être le plus possible ce que tu es ?» C'est ce que j'appelle l'assomption identitaire. Assume qui tu es. Pourquoi est-ce que les gens voudraient être autre chose que ça ? Moi je suis né de parents, entre guillemets, pour dire français de ce point de vue, juridique, de parents européens, je suis européen ethniquement, j'assume mon européanité. Je ne vais pas aller m'installer en Chine en me disant j'aime la culture chinoise, j'ai envie de devenir chinois. Voilà, donc ça, c'est un choix identitaire, c'est-à-dire c'est une question de pérennité de ce que l'on est. Et effectivement, les harkis auraient dû se battre pour l'Algérie indépendante et ne pas écouter l'armée française qui les a recrutés souvent de force d'ailleurs. Et je considère là-dessus que c'est la France qui a fait une faute. Dans cette affaire, c'est la France qui a fait une faute en recrutant des troupes coloniales. C'est une faute en 14-18 d'utiliser des troupes africaines contre les Allemands. C'est une faute morale. C'est une faute morale d'utiliser des Algériens pendant la guerre d'Indochine, ce qui a d'ailleurs ramené l'indépendantisme, algérien derrière, puisqu'il y a un film comme Les Centurions qui le montre très bien avec Alain Delon et Anthony Quinn, où on voit des combattants algériens qui se battent avec les Français contre les Indochinois et qui reviennent marxisés, pour reprendre un peu d'une expression à toi, et islamisés, en Algérie pour mener la guerre contre la France. Donc l'utilisation de troupes coloniales par la France est une faute, et c'est encore pire, je dirais, d'avoir utilisé des maghrébins contre d'autres maghrébins. Donc je ne blâme pas les gens-là, je ne blâme pas les harkis, etc. Je blâme la France par son universalisme de les avoir recrutés.
Moi, je veux que les gens soient ce qu'ils sont, donc qu'ils soient fiers de leur identité, qu'ils ne cherchent pas à changer d'identité. Il y a des gens qui pensent, alors qu'ils sont hommes, qu'ils peuvent devenir femmes, et je condamne ça. Je ne vois pas pourquoi, en matière de nationalité, ça ne serait pas pareil. Si quelqu'un est chinois et il veut devenir français, je dis, reste chinois, n'essaie pas d'être ce que tu ne seras pas. C'est la vision identitaire. Après, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, il n'y a pas de problème. Mais la vision identitaire, elle est claire. C'est nous voulons que l'Europe reste européenne. C'est pas qu'une question de langue, c'est pas qu'une question de religion, c'est une question d'ethnicité. Nous sommes des Européens, nous voulons rester entre Européens, ce qui n'est pas du tout de la haine pour les autres. Nous n'avons aucune haine pour les autres. Nous respectons les civilisations à égalité, mais nous voulons rester nous-mêmes. Ça, c'est la vision identitaire. Que tu la partages ou pas, c'est un autre débat. Alors, on va passer à la question. Rapidement. Est-ce que, donc d'une part, moralement, tu ne peux pas justifier, on en revient toujours là, mais tu ne peux pas justifier pourquoi ce serait bien d'être identitaire. Tu ne sais pas le justifier de manière certaine, puisque toi, comme on en a discuté avant, la vérité n'est pas sûre et on doit toujours en douter. Donc finalement, tu n'es rien, donc, y compris de cela, si tu veux être cohérent. Et d'autre part, moi j'ai juste une question pour toi, rapide. Hein. Est-ce que tu te sens plus proche d'un Bulgare musulman ou de ma femme anti-islam qui a rejoint la France par amour? Mais déjà, un Bulgare ethnique musulman, il faut te lever de bonheur déjà, pour en trouver un. Attends, on a perdu tout le monde là ? Je n'entendais plus rien. Ah d'accord, moi d'accord. Ça va être okay. Déconnecté ? Ok, Thomas, à toi. Tu as entendu la question ou pas ? Attends, on t'entend très mal, Thomas. Je sais pas ce qui se passe, mais... Oui, non, mais on m'entend. C'est moi qui parle. Oui, c'est toi qui parle. C'est toi qui dois parler. Là. Est-ce que j'avais fini ma question ou ça a déconnecté là ? Non, mais on a cru comprendre. Est-ce que Thomas Ferrier préfère un Bulgare musulman ou ta femme ? Non. Elle était bonne, celle-là. Mais oui, mais grosso modo, c'est ça. C'est bien résumé. Ah, j'ai pas compris la question. T'as toujours pas compris ? Qu'est-ce qui me demande ? C'est quoi la question ? Mais en fait, en gros, est-ce que tu préfères... Bon, vas-y, Jean, je te laisse répéter. Est-ce que tu te sens plus proche ? Parce que tu as accusé Asselineau, à juste raison, à mon avis, de se sentir plus proche d'un Africain subsaharien que d'un Lettonien ou un Estonien. Je sais plus quelle connerie il avait dit, celui-là. Donc ça, oui, je suis d'accord, c'est n'importe quoi. Oui. Mais est-ce que toi... Voilà. Est-ce que tu te sens plus proche de... Alors, je vais pas prendre ma femme, c'est trop polémique. Alors, on va dire Majid Oukacha, ok, d'accord, qui a été un de mes auteurs, qui se bat contre l'islam, qui est né en France, d'origine algérienne, qui risque sa vie, qui vit personne ne sait où, parce que oui. Voilà, il risque sa vie, concrètement. Est-ce que tu te sens plus proche d'un Bulgare musulman, okay, ou de Majid Oukacha ? Alors, les Bulgares musulmans m'embêtent parce que c'est souvent des Turcs, et c'est pas vraiment des Bulgares. Donc, il y a tout un débat sur les POMAC, savoir s'ils sont vraiment bulgares ou si vraiment c'est pas des Turcs. Donc pour être moins polémique, je me sens plus proche d'un Albanais musulman, pour prendre un autre peuple, ça va faire rigoler certains, je me sens plus proche d'un Albanais musulman, parce que c'est un Européen, et que je me sens plus proche des Européens que des autres. Comme l'a dit Napoléon Bonaparte avec ses mots de l'époque, « blanc, je suis avec les blancs ». Et ben moi j'applique cet adage, un Albanais musulman est plus proche de moi qu'un hindou païen, qu'un indien hindou ou qu'un autre. Ben, voilà, c'est l'ethnicité qui prime. C'est l'ethnicité qui, pour moi, prime sur la religion, clairement. Voilà. Donc, clairement, on voit ton choix. Et moi, je me sens infiniment plus proche de Majid Oukacha, qui est français, ton Albanais, là. Hein, il n'est pas français. Donc, c'est de la folie. Il est européen. Pour moi, c'est pareil. Européen égale français. C'est ça qui compte chez moi. J'ai bien compris. Donc, ça montre, pour moi, ta déclaration, là, est aussi délirante que celle d'Asselineau. Parce que moi, je me sens beaucoup plus proche de Majid Oukacha, évidemment, qu'un Albanais musulman. Hein. Non mais Asselineau ne justifie pas sa théorie, moi je la justifie, je t'explique pourquoi. Je t'explique que c'est l'ethnicité qui prime sur toute autre considération. Asselineau fait le contraire. Asselineau il met la langue, il met d'autres critères dans son réflexion. Moi je te donne le critère réel. Le critère réel c'est il y a les Européens et ceux qui ne sont pas. Bon, ceux qui ne sont pas sont des gens respectables, c'est pas la question. Mais ce ne sont pas des Européens. Daniel, est-ce que tu te sens d'un Albanais musulman ou de Majid Oukacha? D'un Albanais musulman ou de Majid Oukacha? Mais alors moi c'est différent, c'est que moi je n'aime pas l'islam. C'est-à-dire qu'en fait je considère que les... Alors c'est mon désaccord avec Thomas Ferrier, je considère que les peuples qui ont en majorité, qui même les peuples blancs qui ont désavoué, enfin plus exactement qui ont embrassé l'islam, sont sortis de l'histoire de l'Europe. Donc là c'est entre guillemets une question piège. Mais de manière générale,
Préféré, c'est, si tu veux, c'est un mot qui ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'en fait, des individus comme Machi du Kasha, je considère que c'est un héros. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas peur de se faire tuer alors qu'il, un apostat de l'islam risque sa vie. Donc je trouve qu'il a un courage extraordinaire. Mais ce n'est pas que je l'aime plus ou que je le préfère. C'est que pour moi, un Français blanc de gauche est plus français que Machi du Kasha. Je suis désolé. C'est, en fait, l'identité, la nationalité et la race n'est pas indexée sur la morale d'une personne. Est-ce qu'elle est gentille, est-ce qu'elle est méchante? Marc Dutroux est un blanc, d'accord? Et c'est pas parce qu'il est Marc Dutroux qu'il est moins blanc que Majid ou Kacha. Ça n'a rien à voir. Si tu veux, je comprends pas ces degrés de comparaison. Pour moi, ça ne fait pas sens. En fait. C'est de la rhétorique, c'est un jeu rhétorique, de toute façon. Non, parce que ce que dit Asselineau, tu l'as critiqué à juste titre, parce que c'est du délire, et ça montre bien ce qu'il pense. Et ce que tu as dit, excuse-moi Thomas, mais c'est du délire, et je me sens plus proche là de ce que vient de dire Daniel, parce qu'évidemment, Majid est un héros, il risque sa vie, par définition, pour libérer la France d'une idéologie qui est en train de nous tuer. Petit feu, la Chine communiste, c'est plus rapide. Donc voilà, c'est tout ce qui compte. Mais c'est une autre définition. C'est une autre définition du jeu. Bah, moi, je ne nie pas le courage du Kasha non plus, hein, je précise. Hein. Je me place dans le point de vue identitaire. Mon point de vue identitaire, il est simple. La nationalité, c'est celle qu'on hérite de ses parents. Et on n'en change pas, on ne peut pas en changer et on ne peut pas la choisir. En termes clairs, on est ce que l'on est. Je n'ai pas choisi d'être français ou européen. Je suis français selon la nationalité du droit du sang et je suis européen selon l'ethnicité. Bon, eh ben, j'assume ce fait et je ne veux pas être autre chose. Et c'est ça, le discours identitaire, il est très clair. C'est le discours de la permanence. Tu es ce que tes ancêtres sont. Le phrase des Spartiates, nous sommes ce que vous fûtes, nous serons ce que vous êtes. Donc c'est la continuité des générations à l'identique. Si j'épouse une femme albanaise musulmane, il est d'abord tout à fait possible qu'elle abandonne l'islam, parce que ce n'est pas une permanence, la religion. Beaucoup d'Albanais n'en ont d'ailleurs rien à foutre de l'islam, de toute façon, même ceux qui sont éduqués à l'origine dans la foi musulmane. Bon. Et mes enfants seront des Européens. J'épouse une Africaine chrétienne, mes enfants ne seront pas des Européens. Ce n'est pas plus compliqué que ça, et c'est ça qui m'importe. Après, la religion, ça peut changer. Il y a effectivement des Européens de souche qui sont aujourd'hui musulmans. Qui te dit que dans l'Europe unie, de demain, à la tête de laquelle je serai, par exemple, hypothétiquement, qui te dit qu'il n'y aurait pas une propagande pour qu'ils abandonnent cette religion? Rien du tout. Simplement, je considère que l'ethnicité doit primer. Ça ne veut pas dire qu'il y a une permanence de la religion. Si les Albanais cessent d'être musulmans, tant mieux. Il y en a... Je pense que cette question... Ouais. Pardon. Non, juste pour dire que la question de l'ethnicité, malheureusement, pour moi, est une impasse, parce que ce que je préfère à l'apparence, c'est le mérite. Si quelqu'un... Et c'est pour ça que le projet d'un pays ne doit pas être différent du projet d'un individu. Si un individu a une qualité parce qu'il est blanc, excusez-moi, mais c'est le niveau zéro. Alors que s'il a une qualité parce qu'il est méritant, c'est mieux. Donc, un pays voudrait attirer à lui les meilleurs, théoriquement, même s'ils ont une autre apparence physique, sans pour autant oublier qui ils sont. Donc là, évidemment, il y a un dosage. Mais moi, ma politique, elle est juste libérale, c'est-à-dire qu'en coupant toutes les subventions et allocations, on fera repartir de notre pays la plupart des gens qui en profitent. Et donc, ça fera un tri. Et elle fera venir les gens qui sont de qualité. Moi, je suis ici en Polynésie, on a un système libéral. Parce que c'est peu connu, mais il y a peu de subventions et d'allocations. Il y a quasiment pas d'allocations familiales ici. Et donc, les gens qui viennent, déjà, sont très peu nombreux. Et les gens qui sont ici, comme ils ont été christianisés, eh bien, ils sont très gentils. Voilà, comme on le voit partout dans le monde, si je reviens à notre débat, la Scandinavie était barbare, pratiquait des rites barbares, des sacrifices humains, on a parlé d'un différent nombre. Ceux qui veulent s'y intéresser peuvent regarder la série Viking. Hein. Ça, je pense qu'elle est assez historiquement juste. Bien, la série Viking, ça reste une série sensationnaliste. Hein. L'aigle de sang, c'est un truc qui n'est même pas attesté par les historiens. Moi, j'ai lu un ouvrage de plus grands historiens allemands sur la question, et il dit que l'aigle de sang n'a jamais existé, par exemple. Voilà. Moi, j'ai plein d'ouvrages sur le paganisme germano-scandinave et sur les traditions germano-scandinaves qui disent que l'aigle de sang, c'est un mythe. Ça a été écrit par des gens qui ont dit qu'il y a un truc comme ça, mais ça n'a jamais été fait. Mais peu importe, on ne va pas rentrer dans le débat historique sur la question. On repart en arrière. On va pas revenir là-dessus, ça, tu as raison. Oui. Moi, je comprends ce que dit Jean, mais justement, je pense que Jean, parce qu'il est protestant, parce qu'il est chrétien, reste une
universaliste et donc raisonne sur une question de mérite. Moi, comment ça se passe le mérite aujourd'hui ? Eh bien, c'est simple, les chercheurs français les meilleurs partent aux États-Unis et on a les chercheurs africains qui viennent les remplacer en France. C'est comme ça que ça se passe. Chacun pique les élites des autres. Il y a autre chose, moi, je suis pas d'accord. Il y a autre chose qui m'a fait un petit quai dans ce que tu as dit, Jean-Romain, c'est que tu dis, moi, je juge pas l'apparence. L'appartenance ethnique n'est pas une apparence. Être blanc, c'est pas seulement une couleur. D'ailleurs, on n'est pas blanc, on est beige. Une fois, ma fille m'a dit ça, d'ailleurs. Je lui ai dit, tu sais, nous, on est les blancs. Elle m'a dit, c'est pas vrai, on est beige. C'est très juste. On est rose. On est rose. Mais alors, certes, ça dépend lesquels. Moi, étant plutôt du sud, je suis plutôt beige. C'est vrai que les Européens du Nord sont parfois roses. Pour le coup, les Finlandais sont vraiment très, très blancs de peau. Bref, non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a, aussi une... la couleur, c'est évidemment une réduction, une facilité de langage pour exprimer un concept, celui de civilisation. Blanc, ça veut dire européen. Autrefois, on disait jaune, ça veut dire asiatique. Noir, ça veut dire noir d'Afrique. C'est pas une apparence. T'as quand même conscience de ça, Jean. C'est pas qu'on aime les blancs parce que c'est blanc. C'est parce que c'est notre civilisation. Tu comprends? Tu crois quand même au caractère. Le caractère lié en fait au groupe ethnique, c'est-à-dire un type de comportement, un type de caractère, que tout ça a au moins ethno-culturel, pas seulement culturel et religieux. Mais si tu veux, ça c'est le fruit d'une politique. Quand la politique donne des allocations familiales à tout un tas de gens qui vivent mal dans leur pays, eh bien ces gens viennent, voilà, c'est tout. Et donc quand on coupe ça, ils repartent. C'est pas le cas aux États-Unis. Aux États-Unis, il n'y a pas d'allocation, il n'y a rien, et les Blancs seront minoritaires en 2042. Je ne vois pas le lien. Je parle de la France, déjà. Les États-Unis, on vient de voir récemment quelque chose. Moi, j'ai suivi les élections américaines de très près. J'ai vu que ceux qui étaient le plus en mesure de défendre la liberté aux États-Unis, la liberté qui est attaquée très durement aujourd'hui, c'était souvent des fils d'immigrés ou des immigrés directs de Cuba notamment, des gens qui ont vécu le communisme. Et donc ça m'a fait chaud au cœur parce que les États-Unis, c'est quand même un projet. Alors voilà, on pourrait le qualifier d'universaliste, donc cosmopolite, et donc Henri de Lesquin va nous dire que. Mais je m'en fiche d'Henri de Lesquin, c'est un guignol. On s'en fout d'Henri de Lesquin. Bon, eh bien, c'est sa critique, elle est invalide parce que les États-Unis sont devenus la première puissance du monde en 3 siècles. Ils le sont depuis 1 siècle, et c'est parce qu'ils sont de moins en moins protestants qu'ils sont en train d'être conquis, et non pas pour des raisons raciales. Par ailleurs, ici en Polynésie, je suis entouré de non-blancs, des gens qui étaient cannibales avant, souvent, parce que païens, je suis désolé, et quand ils ont été christianisés, bizarrement, ils n'étaient plus cannibales. Alors, il reste encore des choses, ça mange les chiens, d'accord ? Mais voilà, c'est jamais parfait. En tout cas, la Polynésie fait aujourd'hui de la France la deuxième puissance maritime mondiale. Et ça, quelqu'un comme Thomas Ferrier, qui prône quoi, ne le voit pas parce qu'il ne voit pas la puissance de la France qui est aujourd'hui, en théorie, je dis bien avec les guignols qu'on a au gouvernement, heureusement ce n'est pas le cas, mais en théorie, la France est plus puissante que l'Union européenne. Je dis bien, l'Union européenne n'a pas d'armée, elle n'a pas de défense, elle n'a rien, elle n'a que des guignols, des commissaires, des marxistes à sa tête. La France... S'il y a quelqu'un digne de ce nom qui prend sa tête, elle est présente tous les fuseaux horaires. Je veux dire, la Polynésie, c'est stratégique dans le 21e siècle parce que c'est le Pacifique qui va être stratégique. Et donc, mettre ça de côté parce que les Polynésiens ne seraient pas blancs, c'est de la folie. Voilà, c'est tout ce que je dis. On aurait pu garder le Sahara sur le même principe. Il y a des richesses chez les autres. Après tout, les richesses de Polynésie, elles appartiennent aux Polynésiens. La Polynésie devient indépendante, ce seront les richesses des Polynésiens. Finalement, ça sera un beau cadeau. Puisque c'est une grande richesse, je pense qu'ils seront très heureux que la France arrête de les piller, selon cette logique-là. Et puis, je suis pour que... Je suis pour l'indépendance de tout ça, de toute façon. Non, mais j'ai bien compris. Mais tu es contre la puissance de la France, puisque derrière, l'identité, c'est la Chine. L'identité avant la Polynésie. Ah oui, bah, peut-être, même en Afrique. Mais l'identité avant la religion, l'identité avant l'économie. L'économie, ça passe après. Restons des Européens, de toute façon. Quand on est Européens, on est les meilleurs, de toute façon. En parlant d'économie, Jean-Robin, tu idéalises un peu la Polynésie. Et je te rappelle que le taux de chômage en Polynésie est énorme. Un habitant sur deux seulement a un emploi. Donc, pays libéral, ça va, mais il faut dire... De combien est le taux de chômage, puisqu'il n'y a pas d'allocation chômage ? Ça m'intéresse. 52%. On va regarder. Il n'y a pas d'allocation chômage. Allô, Didier. Oui.
Daniel, pardon. Non, Daniel. Ah oui. T'as trop lu ma page Wikipédia. Ils disent que Didier est mon nom de naissance, qui est faux. Mais ça me fait rire. Ah oui, c'est faux, hein. Tu confirmes que c'est faux. C'est aussi dans le bouquin qui vient de sortir, là. Bon, tant pis. Tu as un nom éminemment chrétien, Daniel. Ça, c'est important. Ah ben, c'est sûr. Oui, juif même. Mais même juif, même juif, carrément. Daniel, c'est juif. Le deuxième prénom de mon... Le deuxième prénom de mon père, c'est Joseph. Donc, bien sûr, bien sûr. Mais en fait, là, je vais dans le sens. Tu renies pas ton identité, Daniel. Non, mais je renie pas mon identité. J'ai jamais dit. D'ailleurs, avant qu'on commence le live, je te l'ai dit. Il est évident que dans l'histoire de France, il y a un morceau de christianisme qui est énorme et qui dure des siècles. C'est une réalité. C'est pas ça qu'on conteste. Moi, je suis plutôt un homme de l'instant et j'aurais plutôt tendance à dire que finalement, tout ça n'a pas tellement d'importance par rapport aux enjeux actuels. Et d'ailleurs, ça me permet d'enchaîner, on va dire, sur la suite. Une question qui est revenue souvent quand j'ai annoncé qu'il y avait ce débat. Est-ce que vous pensez, donc Thomas et Jean, est-ce que paganisme culturel ou vraiment spirituel et christianisme sont conciliables aujourd'hui ? Qui commence ? Ben, je veux bien commencer. Ben, vas-y. Pour moi, donc, comme je l'ai expliqué, hein, il y a une vraie doctrine chrétienne et une fausse doctrine chrétienne. La fausse doctrine, c'est le papisme. Et donc, elle est compatible tout à fait avec le paganisme. D'ailleurs, on le voit bien. J'ai cité des films. Je pourrais vous citer les saints patrons hein, qui reprennent les dieux païens. Par exemple, je ne sais pas si tu connais ça, Thomas, la dénommée Agathe, la cité hellénisée de Catane en Italie. Elle fut martyrisée par ablation des saints. Et dans sa chronique des derniers païens, Pierre Chuvin relate comment la déesse Isis, protectrice de Catane, considérée comme la bonne déesse, fut, dès que le christianisme devint la religion dominante, remplacé par Sainte Agathe. Et on peut trouver oui, ça aussi. Ça ne me surprend pas. Il y a un livre magnifique de 1910 qui s'appelle « Les saints successeurs des dieux » qui raconte très bien tout ça. Ouais. Il y a un autre livre qui s'appelle « Des dieux civiques aux saints patrons », si les gens veulent creuser. Donc les prénoms chrétiens, on vient d'en parler, sont souvent dérivés des dieux grecs. Par exemple, Denis, c'est pour ça que Denis, c'est dérivé du nom de Dionysos, le dieu grec de l'ivresse. Et les dieux romains aussi, Jules, et c'est dérivé comme Julien, ça vient du dieu Jupiter, mais ça tu le sais Thomas. Oui, ensuite tu as les cathédrales et les basiliques qui reprennent souvent le paganisme. À Marseille, il y a Notre-Dame de la Garde, souvent surnommée la Bonne Mère par la Vierge Marie. Le titre de souverain pontife, on en a parlé, donc ça vient des Grecs, des Romains, ou de la Rome antique. La Rome païenne. Donc, pour moi, la vraie doctrine chrétienne, et donc protestante réformée, qui revient au christianisme authentique, donc au catholicisme selon moi, eh bien, respecte la liberté de conscience, donc le droit des gens à être païens. Les protestants se sont battus pendant des siècles pour avoir la liberté de conscience, avec les juifs d'ailleurs. Elle leur était niée par les papistes. Il a fallu attendre la Révolution française, hein, que détestent les papistes, pour que juifs et protestants obtiennent ces libertés de conscience. Donc, je ne vois pas pourquoi on la nierait à des païens, dans une limite, effectivement, que je trouve, c'est la même qu'avant, c'est les idoles. Bon, là, j'ai un vrai problème, moi, avec les idoles païennes, parce que ces grandes statues-là, c'est vraiment contraire aux 10 commandements, tellement ouverte que peut-être, moi, je n'autoriserais pas ça. Mais je me limiterais à ça, et le reste, vous pourrez faire tous vos cultes que vous voulez. Partout. En fait, Jean, c'est un peu comme Adrien Bozzi qui ne supporte pas un buste d'Athéna dans son émission, quoi. Même si tu n'es pas catholique, tu as un peu la même répulsion. C'est quelque chose de grave. Il ne faut pas minimiser ça. Et depuis que je suis chrétien, je le comprends. Avant, ça me paraissait débile. Et j'ai été converti à 36 ans. Donc Thomas, d'ailleurs, a été témoin de cette conversion puisque je l'ai interviewé. Donc là, il y a des poules. Elles viennent de faire un œuf, je vous rassure. Mais Thomas a vu quand j'étais anti-chrétien. Je l'ai interviewé 4 fois pour ça, parce que lui, il tapait bien sur le christianisme, justement, et ça m'intéressait. Et donc, depuis, je vois les choses différemment. Et les bustes d'Athéna ou d'autres me dérangent, évidemment, beaucoup plus qu'avant. Et ça, c'est du fait de ma foi. J'admets volontiers. Thomas, tu veux réagir là-dessus ? Si tu avais les pleins pouvoirs, voilà, est-ce que tu interdirais le christianisme ? Ah, Thomas. Excusez-moi, ça a coupé. Voilà, bon, vas-y. Est-ce que tu as entendu ma question ? Ce que je disais à Jean, et ça a coupé malheureusement entre temps, c'est que notre éloignement mutuel est antérieur à sa conversion. J'ai découvert sa conversion par le biais de la vidéo qu'il avait réalisée sur YouTube, assez longue, où il évoquait le jour critique. Voilà. Sinon, pour le reste, pour la question donc effectivement reste valable, à savoir est-ce que dans une Europe à tonalité païenne, les chrétiens seraient tolérés et respectés dans leur foi, bien entendu.
Parce que j'ai dans le programme du Parti des Européens, c'est très clairement dit, reconnaissance à égalité du christianisme et du paganisme comme religion constitutive de l'Europe et de l'islam, mais uniquement dans les zones concernées, c'est-à-dire Balkans-Caucase, pas ailleurs, et évidemment du judaïsme aussi par le fait que depuis l'époque romaine, il est toléré. Et par ailleurs, je peux rassurer Jean sur la question des statues, puisqu'il ça lui fait peur, qu'il sache bien que dans le paganisme, les dieux vivent dans le ciel, ils ne vivent pas dans des statues. Donc les statues, ce sont que des représentations culturelles intermédiaires, mais ce ne sont pas des dieux. Aucun païen de l'Antiquité n'a pris les statues pour des dieux, heureusement. Bon, nous, les dieux, ils sont sur l'Olympe, ce sont les célestes, voilà. Ils sont ni faits de pierre, ni faits de bronze, ni faits de bois, et ne vivent pas dans les temples. Ça, c'est clair. L'accusation d'idolâtrie, elle ne tient pas. Le veau d'or de Moïse, ça, c'est de l'idolâtrie, parce qu'il croit que le veau d'or, la statue, est un dieu. Mais ça, ça n'a rien à voir avec nous. D'accord, mais d'une part, les papistes ont le même argument. Ils disent non, mais on se plie pas, on plie pas le genou devant Marie, devant la statue de Marie, mais devant Marie qui est au ciel. C'est le même argument. C'est vrai. Après, quand on prête à Marie, Marie qui pleure des larmes de sang parce qu'il y a des choses comme ça, ça c'est de la superstition. Ça, je suis bien d'accord. Mais moi, je verrais une statue de Zeus qui commence à pleurer, je me poserais des questions aussi. Donc, concrètement, pour moi, ça c'est plutôt de la superstition, je dirais. Je ne parlerais pas d'idolâtrie, je parlerais de superstition. Alors, justement, comme tu mentionnes Zeus, Thomas, permets-moi de te mettre un peu en difficulté parce que les gens me reprochent d'être quand même un peu trop de ton côté. Alors, justement, j'avais une contradiction à t'apporter, enfin, plus exactement, une question à te demander. Tu dis... Sur Twitter, tu as dit aujourd'hui, qui peut me démontrer que Zeus n'existe pas sur un plan historique ? Tu as conscience que... En fait, c'est le même argument qu'un croyant en Dieu qui nous dirait « prouvez-moi que Dieu n'existe pas ». Par définition, quelque chose qui est... Explique-toi. Il y a une petite feinte. Il y a une petite feinte. C'est pas si simple que ça. En fait, je demande à quelqu'un « prouve-moi que Zeus existe ». J'attends... pas que la personne me prouve que Zeus existe. C'est pas, parce que je n'attends pas cette réponse-là. En fait, le mec malin va me dire quoi ? Je vais donner la réponse à ma question. Il va me dire, ouais, bah, le Zeus pater grec, il vient du Zeus pater indo-européen, qui veut dire le ciel père de jour. Ok. Et je dirais, oui, effectivement, Zeus pater vient du Zeus pater. Donc maintenant, est-ce que Zeus pater a été inventé par les hommes, ou est-ce que c'est le nom d'un dieu réel ? Et là, la réponse me dira, j'en sais rien. Et je dirais, absolument. On peut pas prouver que le politisme est faux, on peut pas prouver qu'il est vrai, mais on peut pas prouver qu'il est faux. Donc le doute est autorisé. Alors que malheureusement, le monothéisme est une invention datée, située géographiquement, et qui peut être démontrée par les historiens, et ça a été le cas. Donc d'un côté, moi, je peux prouver, d'un point de vue historique, que le monothéisme est une invention humaine, mais on ne peut pas prouver, à contrario, que le polythéisme est une invention humaine. On peut pas dire que c'est vrai, mais on peut pas prouver le contraire. D'accord, mais d'une part, ça peut être parce que le paganisme est antérieur, donc il y avait moins de sources. C'est-à-dire, en fait... Absolument mais tout à fait. Oui, mais bon, c'est une pirouette. Ça laisse le doute. Ça laisse le doute. Le doute existe dans un cas, il n'existe pas dans l'autre. Oui, alors qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que le monothéisme a été inventé par un athée ? Non, pas par un athée. Ça a été inventé, ça a été daté. Daté, pardon, j'avais pas compris. Daté, situé géographiquement et dans un contexte spécifique. Bah, je vous conseille une lecture, je ne vais pas aller trop loin là-dessus. Il suffit de lire L'invention de Dieu par un historien spécialiste de la Bible qui s'appelle Thomas Römer, R-O-M-E-R, c'est un Allemand, reconnu d'ailleurs par tout le monde. Ça s'appelle L'invention de Dieu et il explique très bien d'où ça vient. Il explique d'où vient le monothéisme et quand il a été inventé. D'accord, mais que ce soit daté ne prouve pas. Avec une évolution, il explique qu'on part de telle situation, il y a tel changement, jusqu'à arriver à telle situation. Il y a toute la démonstration de l'évolution, parce que c'est jamais un phénomène, comme on dit, tac, en une demi-journée. Dans le chat, on nous dit, Mademoiselle Chloé nous dit inversion de la charge de la preuve. C'est-à-dire, en fait, c'est pas à nous de prouver que Zeus existe, c'est à toi de nous prouver. Qui n'existe pas. Sauf que je ne cherche pas à prouver que Dieu existe. Je cherche à prouver que vous ne pouvez pas prouver qu'il n'existe pas. C'est pas pareil. Je n'affirme pas son existence. J'y crois personnellement. Mais je n'affirme pas son existence. Je laisse en moi-même la place au doute. Je ne suis pas quelqu'un qui croit à une religion révélée. Donc moi, je considère qu'en permanence, ma religion, je la mets en doute. Je ne suis pas, comment dire, fermé. Si quelqu'un me dit, non, mais tes dieux, c'est des inventions qui peuvent me prouver que c'est une mécanique mentale qui a inventé les dieux, ben, je serais obligé de le reconnaître. J'ai dit une phrase à Jean tout à l'heure sur Twitter. J'ai dit, lorsque les faits, F-A-I-T-S, s'opposent à la foi,
choisir les faits. Alors, Pierre de Sedan nous demande, selon toi, si Thomas Ferrier, Jésus a-t-il existé ? La mode actuelle dominante de l'historiographie est de dire oui. Moi, je fais partie, peut-être un homme du 19e siècle, je laisse la place à l'hypothèse qu'il n'ait jamais existé. Même si, effectivement, beaucoup de gens me disent, ici, regarde, c'est pas possible autrement. Je pense à 80% qu'il a existé, et je pense à 20% qu'il a été inventé. Je suis honnête là-dessus, je ne peux pas prouver qu'il n'a pas existé, mais les sources qu'on m'indique pour me dire qu'il a existé ne sont pas fiables. Alors, je vais passer à une autre question. Avant ça, je voudrais vous remercier. On est presque 1300 visionnages en cours alors qu'il est 23h30 en France. Et en plus, demain, c'est le week-end. Donc, merci à vous tous. Et merci à Marine. Alors, Marine, je ne sais pas, je n'ai pas son nom de famille. Marine Le Pen, peut-être, je ne sais pas. J'ai reçu donc un mail qui accompagnait un abonnement à l'année Super Dany Live de Marine. Marine m'a dit par mail, « Salut, je viens de m'abonner à un an de Super Dany Live. Ça me titillait et j'ai très envie de te voir en slip. » Parce que j'ai dit pas de bol, hein. J'ai dit que s'il y avait 3 abonnements à l'année au cours de cette émission, eh bien, je me montrais en slip, puisque hors champ, vous ne le voyez pas, mais je suis vraiment en slip, plus exactement en boxer. Alors, merci à toi. Même si j'ai que toi comme abonnement, eh bien, je t'envoie ces grosses bises, cette grosse bise. Et envoie des photos aussi, Marine, par mail, ça peut être intéressant. Si tu es blonde, ça nous intéresse aussi. Ouais, exactement. Alors, pour revenir à du sérieux, le monde d'aujourd'hui a-t-il besoin d'une religion ? Je pose la question aux deux, je vais commencer par Jean-Robin, parce que ça fait un petit moment qu'on l'a pas entendu. Sois un peu plus spécifique. À pas mal de spectateurs qui me suivent régulièrement ne sont plus croyants, ni chrétiens, ni païens, le moins du monde. Et ils vivent très bien comme ça. Ils se disent finalement, c'est une évolution de la société technologique nous a amené à un point de civilisation où nous n'avons plus à nous référer à des dogmes religieux. Donc, est-ce que le monde d'aujourd'hui a vraiment besoin d'une religion ? En l'occurrence, la tienne, c'est le protestantisme chrétien. Voilà. Alors, donc moi, j'ai été athée jusqu'à l'âge de 36 ans. Donc, je pensais que non, le monde n'avait pas besoin de religion. Très bien. Et j'ai été converti contre mon gré par Dieu, parce que ça, il a tous les droits. Et donc, maintenant, je sais que sans le christianisme, donc, puisque c'est la religion, la seule religion, il n'y a pas de vérité. Là, je rebondis sur ce que vient de dire Thomas. Il a dit, voilà, c'est le doute et je n'ai pas une religion révélée. C'est ça la différence entre lui et moi, fondamentale. C'est que soit on croit que la vérité existe et que donc la seule manière qu'elle existe, c'est qu'elle puisse être révélée par un être parfait qui est tout sachant, tout connaissant. Soit elle n'existe pas, en effet, et donc on est obligé d'être dans l'absurdité et le doute permanent. C'est-à-dire que tout ce que tu as déclaré, par exemple, Thomas, depuis le début, peut être faux, selon toi. Si tu, effectivement, doutes de tout. Donc moi, non, je sais maintenant que Dieu me l'a révélé, qu'il y a une vérité, que c'est Jésus, qu'il y a un système moral basé sur l'exemple de Jésus. Bon, alors, je ne vais pas m'attarder sur le débat sur la vérité, ça serait un peu long, mais quand même, sur la morale, on en a déjà parlé. Et un pays, il ne se base pas sur juste des individus. Un pays, il doit se baser sur un système de valeurs qui est partagé par ses habitants. Et donc, il y a des pays musulmans, par exemple, dont le même système de valeurs est l'islam. Donc on voit les fruits. Donc c'est le fatalisme qui est à l'opposé du déterminisme protestant. Et donc là, on voit les fruits, par exemple, des pays protestants. Moi, j'avais fait, il y a quelques années, une étude sur des classements internationaux, 40 classements internationaux des pays dans le monde selon leur culture. Et j'avais vu que les pays protestants majoritairement encore aujourd'hui, ou qu'ils l'ont été suffisamment comme la Scandinavie pendant 400 ans et exclusivement, c'est-à-dire qu'ils avaient interdit même le papisme, ce qui peut paraître intolérant pour certains, voilà, ils voulaient défendre leur culture, eh bien, ce sont les pays qui ont donné les meilleurs fruits dans l'histoire de l'humanité, en termes de tolérance, justement, si on veut parler d'égalité homme-femme, et de beaucoup d'autres domaines, même l'écologie, même tout ce que vous voulez. Donc, je sais, et c'est, en fait, c'est pas une preuve que mon Dieu existe et qu'il est le seul, parce qu'on ne peut pas prouver, en fait, par des preuves que Dieu existe. Par contre, on sait que sans Dieu, rien n'est possible, ni la vérité, ni la logique, ni rien du tout. On doute de tout, on est amené à être dans l'absurdité permanente, on peut tout justifier, donc c'est ça le relativisme. Et donc,
Ça, c'est la meilleure preuve que Dieu existe, parce que on ne serait même pas capable d'avoir cette discussion si Dieu n'existait pas. Ça, c'est ce que j'ai compris grâce à ma conversion. Alors, Jean, tu as cité l'exemple des pays scandinaves qui sont protestants, et donc tu salues leur tolérance et leur égalité, enfin leur science de l'égalité, mais est-ce que justement, ce sont des pays qui sont aujourd'hui devenus extrêmement gauchistes, notamment la Suède, un des pays les plus immigrationnistes qui soit. Alors certes, il semblerait depuis quelques mois qu'il y a un rétropénalage, mais enfin, on n'a pas le sentiment que le protestantisme des Scandinaves les ait protégés du gauchisme en l'occurrence. C'est un très bon exemple que tu prends avec la Suède, puisque c'est aujourd'hui le pays en Europe qui résiste le plus contre la Chine communiste. Ça, ce sont mes enquêtes. La Chine, la résistance politique à la Chine n'a pas de rapport avec la résistance à l'immigration en provenance du tiers-monde. C'est deux sujets différents. Ah oui. Si tu veux. Non, mais c'est vrai qu'en Suède, notamment à Malmö, par exemple, il y a des zones de non-droit, que la Suède, là, a été trop tolérante. Mais c'est pas impossible qu'elle fasse. Elle a commencé d'ailleurs ce rétropédalage. Mais moi aujourd'hui, c'est pour ça que ma priorité, ce n'est pas la lutte contre l'islam, parce que c'est une lutte à 40 ans, alors que la lutte contre la Chine communiste est une lutte à quelques années seulement. On est dans une troisième guerre mondiale et c'est pour ça que, de ce point de vue-là, la Suède est le pays en Europe qui résiste le mieux, mieux que la Suisse même, mieux que la Pologne. Donc c'est la seule à avoir fermé tous ses instituts Confucius, à avoir virer Huawei et à ne pas avoir pratiqué le confinement. Et donc, ça, ce sont des preuves. Et puis, bien d'autres choses. Elle a condamné la situation à Hong Kong, etc. Donc, il y a quand même des preuves. Et les autres pays scandinaves n'ont pas fait bien pire. Ericsson et Nokia sont les concurrents directs de Huawei et ce sont, comme par hasard, des sociétés scandinaves. Donc, nous, en France, on est 10 fois, 20 fois plus nombreux que dans certains pays scandinaves. On n'est même pas foutus d'avoir un équivalent d'Ericsson ou de Nokia. Donc ça montre bien, on juge un arbre à ses fruits, je reviens toujours là. Donc pour moi, la Scandinavie, c'est un modèle. Ils vivent dans des pays très froids. Alors les païens vont dire que c'est parce que c'est leur racine païenne, évidemment. Et moi, je dis non, c'est depuis les 400 ans qu'ils ont passé sous le luthérianisme pur et dur, je suis d'accord, mais c'était pur et dur, avec aussi des désavantages, aucun système n'est parfait. Eh bien, ça a donné les meilleurs, parmi les meilleures sociétés au monde. Alors concernant, vas-y Thomas, je t'en prie. Oui, alors je vais réagir. Bon, d'abord je vais taquiner un peu Jean. Si les pays scandinaves sont les meilleurs modèles, indépendamment de la question de l'immigration qu'on a évoquée, c'est amusant parce que ce sont les pays scandinaves qui sont les premiers à être les promoteurs du néopaganisme scandinave. L'Islande, en 73, qui était protestante, a reconnu officiellement la religion donc païenne islandaise, qui vient d'ailleurs de se voir construire un temple à Reykjavik. Donc c'est bizarre, c'est les pays scandinaves sont les plus pro-païens actuellement, et pourtant ils ont été protestants. L'Estonie, la Lettonie, pareil, la Lettonie catholique aussi, mais ça c'est pour des raisons plus récentes. Donc voilà, donc effectivement, la société protestante scandinave a permis l'essor du néopaganisme, donc d'une manière, c'est une bonne nouvelle. Par ailleurs, sur la question fondamentale que tu posais, Daniel, et je vais y répondre rapidement, bon, j'en dis que je doute, oui, parce que le doute fonde la science. Les pays musulmans, par exemple, croient une religion révélée. Ils pensent que tout vient de Dieu, et bien ils ne sont pas civilisés. Donc il y a bien la preuve que la science a besoin du doute. La science n'a pas besoin d'une vérité révélée. La vérité révélée lui dit, t'as tout pas commun, tu cherches à rien. Nous, on cherche la vérité. On ne nous la donne pas, on a besoin de la chercher. On la cherche et ça nous oblige à nous dépasser. Si on l'avait clé en main, on ne foutrait plus rien. Et on n'avancerait plus. Et sur la question, effectivement, faut-il une religion? C'est un vrai débat. Moi, je n'ai jamais été athée, je le dis clairement, parce que ça pourrait surprendre des gens de dire, ouais, Thomas, il était athée, puis il est devenu païen, c'est un effet de mode, etc. Bon, non, moi j'ai toujours cru un dieu barbu lanceur de foudre. Et alors, un jour, j'ai compris qui c'était. Et quand j'ai compris qui c'était, ce dieu auquel je croyais, eh ben, j'ai assumé mon paganisme, puisque c'était le dieu du ciel foudroyant, Zeus, Jupiter ou tous ses équivalents. Donc il y a une foi sincère, moi aussi, mais je dirais pas qu'il y a une conversion. Je pense que j'ai toujours été païen, mais c'est bon qu'il y a un moment donné où je m'en suis rendu compte. Ce qui n'est pas pareil. Et puis, je pense qu'effectivement, comme le disait le philosophe Sénèque, il est bon qu'il y ait des dieux, c'est-à-dire qu'il est bon qu'il y ait un sens à notre vie et un sens à l'univers. Pourquoi existons-nous? Pourquoi pourrions-nous pas ne pas exister? Je pense qu'il y a une raison qui fait qu'on existe sur Terre et qu'on a un rôle à jouer, qu'on appelle ça le destin, l'ambition, ce qu'on veut. Et cette idée-là implique pour moi la croyance dans les dieux de l'univers. Voilà, il y a un cosmos, il y a un sens du cosmos, nous existons parce que nous devons exister et nous sommes dans un système où il y a du divin partout. Voilà, je pense que
On existe, on n'est pas juste un amas de cellules, né par hasard de deux parents et puis destiné à se faire bouffer par les vers à l'issue de notre vie. Et qu'on n'a servi à rien et que quoi qu'on fasse, de toute façon, ça n'avait pas de sens, puisque de toute façon, on est une somme de hasard historique. Voilà, je ne crois pas à ça. Je pense qu'on a un destin. Et donc, s'il y a un destin, il y a des dieux. Bon, là, on allait dans la théologie, en l'occurrence. En l'occurrence. Non, c'est intéressant. Ouais. Est-ce qu'il en est sûr ? Tu en es sûr ? Mais en tout cas, moi, je crois à ces dieux. Et pour moi, si on me demandait, il y a une différence entre avoir le principe du doute comme principe de vie. Je pense qu'il est nécessaire de douter et que c'est bon pour la santé de douter. Par contre, si on me demande personnellement, et je me suis encore posé la question aujourd'hui, et d'une certaine manière, c'est, l'introspection, c'est très bon. Le doute pousse à l'introspection. Tous les jours, je me pose la question de savoir si je crois au Dieu. Et tous les jours, la réponse que je fais, oui. Voilà. Mon analyse personnelle, mon ressenti personnel, tout m'amène à dire qu'ils existent réellement. Et pour moi, ce sont des amis. Même si je ne les vois pas, évidemment, je ne les vois pas, je ne leur parle pas comme je vous parle à tous les deux. Mais pour moi, ils existent et ils ont un rôle bénéfique. Et je pense, pour conclure sur ce sujet-là, que l'avenir de l'Europe passe par la signature d'une pacte qui a été signée dans l'Antiquité entre les hommes et les dieux. Les dieux ont accepté que nous devenions chrétiens pour nous punir d'une certaine manière ou pour nous accepter nos propres choix. Voilà. Les dieux ont accepté qu'on devienne chrétien. C'est-à-dire, vous faites vos choix, vous assumez, vous verrez les conséquences. Aujourd'hui, les conséquences, c'est que la civilisation européenne risque de disparaître dans les 50 ans à venir. Donc moi, je propose qu'on signe avec les dieux un nouveau pacte pour que les dieux nous protègent du grand remplacement et de tout cela. Signons un pacte avec les dieux, aidez-nous, sauvez-nous. Alors, Jean-Robin, tu... Le problème, c'est que... Oui. Vas-y. Non, je voulais dire juste les... Vas-y. Les dieux de Thomas sont assez égoïstes puisqu'ils gardent pour eux tout ce qu'ils pensent. Donc c'est pas très sympa. Moi, mon Dieu, il m'a révélé sa vérité, ça s'appelle la Bible, et tout le monde peut l'ouvrir et entendre Dieu ou lire Dieu. Et donc ça, c'est quand même la différence. Donc quant à la science, elle n'est pas fondée sur le doute. Elle n'est pas fondée sur le doute, la science. Elle est fondée sur la démarche scientifique, ce qui n'a rien à voir. La démarche le doute est la base de la démarche scientifique. Hein. Moi, j'ai un père mathématicien dans Valsupul, mes compagnies, et il m'a bien expliqué, t'inquiète pas. Hein. Non, mais je ne t'ai pas coupé. Bon. La science est fondée sur la démarche scientifique qui intègre le doute. Donc, si tu bases la science sur le doute, tu en viens à douter de la science. Et donc, ça ne marche pas, tu comprends ? Donc, mais tous les scientifiques doutent de ça. La science les païenne, scientifiques doutent de la science. La science païenne, c'est la science quand même, dans son enfance, dans son état infantile, qu'on apprend au collège ou au lycée aujourd'hui. C'est la science fondée par les chrétiens. Apprend à l'université, en doctorat, etc. Ça, il faut arrêter de nous mentir là-dessus. Ah bon ? Parce que Isaac Newton, hein, la science moderne a été fondée par les chrétiens, non pas par les païens. Isaac Newton, il n'était pas païen. Michael Faraday, il n'était pas païen. J'ai une liste. Leibniz, il n'était pas païen. Mais oui, mais, voilà. Mais c'est, Jean, je sais pas, on a opposé cet argument qui est celui de l'avancée. Il était homme de l'époque. Mais oui, voilà, l'avancement de la civilisation. Est-ce que Elon Musk, il est protestant ? Tu crois que Elon Musk, le matin, il prie comme ça ? Je veux dire, c'est parce qu'à l'époque, à l'époque dont tu parles, on était dans une époque où tout le monde avait la même religion. Mais il y avait également Aristote, à son niveau, était un petit scientifique. Simplement, il jouait avec les connaissances de l'époque. Pythagore était scientifique. Pourtant, ce n'était pas un protestant. Enfin, voilà. C'est la science. À l'école, on apprend Pythagore et Thalès, ça reste valable. Hein. Pythagore et Thalès, ça reste valable. Hein. Au collège et au lycée, c'est bien ce que je dis, c'est la science. Il n'y a aucune honte à être une science dans son état infantile. Le paganisme a duré des milliers d'années. Pourquoi est-ce qu'il a fallu quelques dizaines d'années aux protestants pour révolutionner la science et la faire passer de 0 à 1? Ça, faut arrêter de nous c'est faire au 16e c'est pas ils l'ont pas fait passer 0-1. On avait déjà le débat, genre. Torricelli, 16e siècle, c'est pas un protestant. Descartes, il n'était pas protestant. Mais évidemment. Il y a des tas d'exemples. Mendeleïev qui a révolutionné la table de chimie, c'est un russe orthodoxe. En musique classique, Mozart, Beethoven, Bach, est-ce qu'ils étaient doués parce qu'ils étaient chrétiens ? Quand Mozart était franc-maçon quasiment, il n'était pas tellement chrétien, etc. Je comprends ce que tu Bach, dis. Laisse-moi parler. Bach était luthérien et il a été financé par un calviniste. Donc ça, tu ne connais pas le sujet apparemment. Je ne vais pas à ce niveau de détail. Tu cites Bach. Est-ce que tu sais que Bach est considéré comme le fondateur de la musique classique, moderne ? Bien sûr, et qu'il je a suis d'accord. Influencé. Ben voilà. Et ben on passe de 0 à 1 quand on est Bach. Oui, et ensuite, on copie. Il a écrit... Je finis ma phrase.
on améliore et on copie quand on est Mozart. C'est tout. C'est ça la différence. Si tu ne vois pas la différence entre 0 et 1, il faut lire le livre de Peter Thiel. Mais Bach n'est pas parti de rien. Bien sûr. Je n'ai pas dit qu'il est parti de rien. Mais je dis qu'il a révolutionné sa pratique. Il est passé de 0 à 1. Avant ça. Non, il n'est pas passé de 0 à 1. On est passé de charpentier à Bach. Oui, mais enfin, charpentier. C'est énorme, charpentier, Lully, etc. On peut pas. Bach, c'est un moment clé, je suis d'accord. Ensuite, Mozart a révolutionné la musique, Beethoven a révolutionné la musique, Wagner a révolutionné la musique. Et tout ça, ça vient de la musique médiévale. La musique médiévale vient de la musique antique vient de la musique préhistorique. Enfin, tout ça, c'est un circuit. Tchaïkovski n'était pas protestant. Bon, on va. Enfin, peu importe. Non, mais peu importe. On se perd un petit peu, puis on est fatigué tous. Non, mais si, on est un petit peu fatigué tous. Non, ce que tu dis sur la science, c'est le doute. Moi, je vais le résumer simplement. Je suis d'accord avec ta définition, mais Pythagore et Thalès, ça s'applique toujours, et c'est pas qu'à l'école. Thalès et Pythagore, quand tu l'appliques en université, quand tu fais un doctorat de mathématiques, tu respectes simplement, au lieu d'écrire AB plus BC égale machin, tu l'écris avec des forces, avec des machins, avec des flèches au-dessus et compagnie, mais c'est la même, le théorème de Pythagore, il est enseigné de manière scientifique en bac plus 10 à la fac de sciences. Hein. Et c'est juste la façon dont on l'apprend à l'école, mais c'est quelque chose qui... Non. Il y a eu des bonnes intuitions, d'accord, dans le paganisme, mais c'est resté au niveau infantile, c'est comme dans le judaïsme. C'est révolutionnaire, l'atome, Démocrite. L'atome, Démocrite, le principe d'Archimède. Honnêtement, on en revient un peu au concours de quéquettes Non, mais c'est vrai. Mais Eratosthène qui découvre le caractère circulaire de la Terre et qui compte et qui arrive à trouver la circulaire de la Einstein Terre. Einstein était juif et le plus grand mathématicien actuel, il est russe et peut-être orthodoxe. Non, mais c'est vrai. Oui. C'est pas grave. C'est pas des arguments. Vous nommez l'Occident pour reconnaître quand même que l'Occident est devenu le phare du monde. Non pas à l'époque de la Grèce antique, mais à l'époque d'après la Renaissance et d'après le protestantisme, parce qu'il y a eu la révolution industrielle qui est due quasi exclusivement au départ à des protestants, y compris le français Denis Papin, donc Cocorico, il était réfugié en Angleterre parce qu'il était persécuté par les papistes, et les États-Unis, c'est la première puissance mondiale depuis un siècle, qui nous a emmené Internet, et il n'y a pas eu, moi je cherche, je n'ai pas trouvé d'autres révolutions ces 30 ou 50 dernières années, qu'Internet. Et Internet, ça vient quasiment exclusivement des protestants, avec la Suisse d'un côté, le CERN, et les États-Unis. Donc, je veux bien... Mais on ne dit pas que ce que tu dis est faux. On dit que c'est parcellaire, c'est-à-dire, en fait, tu ne sélectionnes que ce qui t'arrange. Par exemple, Christophe Colomb n'était pas protestant. Voilà, c'est l'Europe catholique qui a découvert en fait d'autres continents. Et à l'époque, l'Occident, en tout cas l'Europe, puisque l'Occident c'était l'Europe autrefois, dominait aussi. Enfin, ce que je veux dire, c'est que si on cherche des exemples qui précèdent le protestantisme ou qui le suivent, parce que je pense que la majorité des scientifiques actuels ne se définissent pas comme protestants. Certains se définissent comme déistes, on va dire par un peu agnosticisme. Mais voilà quoi. On avait déjà eu cette discussion quand on avait fait notre débat ensemble, Jean. Oui, et il y a quelque chose que je peux ajouter à ce que tu as dit, c'est que l'apport du protestantisme est souvent nié. C'est pour ça que j'appuie autant dessus, c'est que si vous lisez, je crois que Hassen en avait parlé à un moment, du livre de Harari, hein, Sapiens. C'est un livre que tout le monde doit lire, parce que d'une part, il fait l'apologie, c'est un des best-sellers dont toute l'oligarchie nous fait la promotion, là, je parle de l'oligarchie mondialiste. Hein. Alors ce n'est pas parce que l'auteur est un juif, parce que lui-même critique le judaïsme dans son livre. Mais il enseigne à l'université de Jérusalem. Par contre, il fait l'apologie il critique le monothéisme, d'accord. Il dit 2 millénaires de lavage de cerveau monothéiste. Et il fait l'apologie du polythéisme. Il dit l'intuition fondamentale du polythéisme est propice à une profonde tolérance religieuse. C'est quand même fort. Et donc, dans ce livre, il cite pendant 100 pages des choses qui ont changé le monde, selon ses propres termes. L'inventeur du premier microscope, il cite Newton, etc., sans jamais dire que c'était des protestants. Et c'est ça, en fait, que j'aimerais que les gens comprennent. Je l'ai fait comprendre à mon père, qui lui-même m'a fait découvrir ce livre, en croyant que, voilà, et mettre à mal ma croyance. Et au contraire, ça l'a renforcé, puisqu'on s'est rendu compte que la plupart de ces gens dont parlait Harari, lui, l'anti-chrétien, hein, c'est un anti-chrétien rabbi, faisait, en fait, l'apologie du protestantisme sans le dire. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment, on cache cette vérité,
Et il faut se demander pourquoi, il faut se demander qui est aux commandes. Est-ce que c'est le complot judéo-protestant talmudo-sioniste machin, comme veulent le faire croire un certain nombre de débiles, ou est-ce que ce sont d'autres forces plutôt catho-marxistes? Voilà. Oui, bon, d'accord. Moi, ce que je voulais te dire, c'est toujours une question de point de vue, parce qu'on pourrait dire que toutes les personnes que tu as citées sont des blancs à ce moment-là. Alors moi, je pourrais dire le critère qualifiant, qu'est-ce qui a révolutionné le monde? C'est les blancs, c'est pas les protestants. Et on avait eu cette conversation déjà, en fait, quand on avait débattu. Par ailleurs, un petit... pas vraiment dans le sujet, mais ça vient de tomber, en fait. Apple a dit qu'il allait censurer Parler, donc l'alternative, le concurrent de Twitter, en tout cas qui travaillait à cette censure, c'est-à-dire qu'en fait, si vous avez un iPhone, un iPad, vous ne pourrez pas aller sur Parler, vous ne pourrez aller que sur Twitter. Évidemment, le but, ils ont fait un chantage, ils ont dit si vous ne... En gros, si vous n'enlevez pas les discours de haine, ça veut dire quoi en fait, les discours de droite et même les discours pro-Trump, eh bien, on permettra pas aux utilisateurs d'iPhone, eh bien, d'utiliser Parler. Donc, c'est une pure censure. Bon, on peut dire ce qu'on veut de la Chine. La Chine censure évidemment à tout va chez elle, mais on va dire, t'as un Samsung, en l'occurrence, c'est la Corée. Mais ce que je veux dire, c'est quand t'as même un Huawei, tu n'as pas ce genre de censure. Ce que je veux dire par là, c'est que là où j'étais pas d'accord avec toi, Jean, c'est quand tu disais vraiment que c'était la Chine qui était responsable de la défaite de Trump aux États-Unis. Les médias américains, les réseaux sociaux sont responsables à 100% là-dedans, en tout cas bien plus que la Chine elle-même, qui pratique la censure, mais pas sur le sujet de l'identité, sur le sujet de la race. Voilà, c'est ils s'en foutent là-dessus. Ils s'en foutent complètement. D'ailleurs, bon, je sais pas si tu as une réponse là-dessus, mais ça m'amène de toute façon une question sur l'Asie, qui était pour moi importante. Selon vous, est-ce que les Asiatiques aujourd'hui ne sont pas un exemple de la réussite d'un athéisme politique, d'un rationalisme qui peut s'accompagner de certaines, ils ne s'embarrassent pas de sentiments, mais le Japon et surtout la Chine, pour moi, sont en réussite. Or, ce sont plus des pays croyants. Ils l'étaient autrefois, mais ils ne le sont plus. Est-ce que, en fait, l'Europe et l'Occident ne se posent pas des questions dépassées sur, finalement, des sentiments religieux et mystiques qui nous ralentissent plus qu'ils nous élèvent? Parce que finalement, c'est ça la vraie question. Quel est l'outil qui nous permettra de rivaliser avec les grandes puissances de demain? Est-ce que c'est la religion? Est-ce que c'est pas la rationalité scientifique, le travail minutieux, le bon sens? Je vais peut-être commencer. Sur le Japon, les Japonais ont beaucoup de sens religieux. Au contraire, ils ont une religion nationale qui s'appelle le shintoïsme, qui est un paganisme, qui est un polythéisme, auquel ils sont attachés d'un point de vue historique, culturel, d'autant plus que l'empereur du Japon est descendant de la déesse solaire Amaterasu, sur la tradition. Après, ils se posent des questions, ils mélangent ça avec du christianisme, du bouddhisme. Ils se posent beaucoup de questions, les Japonais. Ils ne sont pas du tout athées. Hein. Au contraire, c'est une société qui est assez libre-penseuse au sens général, c'est-à-dire qu'ils se posent des questions, mais il y a beaucoup de sentiments religieux au Japon. Dans le cas de la Chine, c'est plus compliqué. Alors là, je vais faire un peu du Jean Robin, un petit peu, mais un peu différent. C'est que Jean, il a raison de dire quand même que la Chine est menaçante. Je ne suis pas forcément d'accord dans la façon dont il le voit, mais pour moi, la Chine est une menace pour l'Europe, c'est clair. Et c'est une menace, mais pas à 2 ans. C'est une menace à 40 ans, là aussi. Ou à 50 ans. C'est-à-dire, pour moi, la Chine, c'est pas compliqué. Le communisme chinois s'est mélangé avec le confucianisme et les traditions ancestrales chinoises. Le parti communiste chinois, c'est exactement comme l'empereur de Chine avant. Ça a changé de couleur, mais c'est le même principe. La civilisation chinoise est une civilisation d'ordre et d'obéissance. C'est une civilisation, complètement enrégimentée, si on peut dire. Et ça date pas du communisme. Et pour moi, c'est simple. L'Europe risque de se faire bouffer par qui on sait. Et le jour où l'Europe se sera fait bouffer par qui on sait, les Chinois viendront ramasser la mise. Ils attendront que l'Europe s'effondre dans un magma cosmopolite et ils nous envahiront et ils prendront nos terres. Moi, je crois qu'à terme, la Chine s'emparera de l'Europe si l'Europe succombe. Mais moi, je suis tout à fait d'accord, mais c'est pas ma question. Réelle. Je rappelle que c'est pas ma question. Ma question, c'est est-ce que la Chine n'est pas plus efficace parce qu'elle est débarrassée de ses croyances religieuses d'un autre temps? La Chine n'est pas efficace, la Chine est comme un peu comme les usines dans Tintin chez les soviets qui fonctionnent alors qu'ils mettent du blé derrière qui flambe. En fait, il y a 750 millions de pauvres en Chine, donc personne ne parle, la paysannerie est pauvre, elle est maintenue dans les campagnes, il y a interdiction de venir dans les villes. En fait, les Chinois nous pompent notre pognon, c'est-à-dire qu'en fait nos entreprises vont créer de l'emploi là-bas, nos entreprises font fabriquer à bas coût des marchandises qui détruisent notre économie.
Et donc, nous sommes trahis par nos dirigeants, de ce point de vue-là. Donc, moi, la Chine, pour moi, c'est un tigre de papier. La Chine, si demain l'Europe décidait de s'en sortir, si l'Europe rapatriait ses entreprises et si l'Europe faisait du protectionnisme économique contre la Chine disparaît en 20 ans. C'est notre faute. C'est nous qui enrichissons la Chine, elle s'enrichit en nous pompant. Elle nous pompe et nous bouffe. Parce que nous le voulons. Parce que nos dirigeants, pour de l'argent, préfèrent les Chinois aux travailleurs français et européens. Jean ? Ah oui, alors, donc ta question, c'est les Asiatiques qui s'en sortent mieux que nous sur les questions migratoires, ne sont-ils pas des athées après tout, non ? D'une part, et même au-delà de la question migratoire, c'est qu'il y a, en fait, ces pays se portent mieux, même économiquement. Et est-ce que ce n'est pas depuis qu'ils ont fait un virage rationaliste ? D'accord. Alors, le Japon, déjà, comme l'a dit Thomas, donc, c'est une culture païenne. Moi, j'ai vécu au Japon, bon, un mois et demi, j'ai appris le japonais, etc. Donc, je me suis vraiment. J'ai pris cette culture sur moi et je l'ai trouvée très intéressante sous certains aspects. Mais le Japon, quand il était païen, une fois de plus, a massacré tout un tas de gens au Japon et à l'extérieur du Japon, notamment en Chine, avec l'occupation de la Mandchourie. Là, c'est parmi les pires massacres du XXe siècle. Et donc, il leur a fallu deux bombes nucléaires sur la tronche pour, de la part de protestants, pour arrêter leurs conneries et se lancer dans quelque chose de plus constructif. Et je rappelle que le Japon a été occupé par les États-Unis, c'est un des rares pays, voire le seul, à ma connaissance, qui a été occupé, c'est-à-dire avec un général MacArthur à la tête du Japon. Il n'est pas resté longtemps, mais voilà, ça leur a permis de repartir sur de bonnes bases, qui sont les bases protestantes. Désolé, mais tout ce qu'on voit aujourd'hui comme fruit du Japon, c'est à l'opposé de ce qu'avait donné le paganisme. Ensuite, tu veux réagir à ça ? L'ère Meiji qui a développé le Japon, qui a permis aux Japonais de foutre une branlée aux Russes, qui étaient des Européens en 1905, ce n'étaient pas les Américains. Ils ont imité les Européens. Ce qu'ils ont fait, c'est revenir là, ça va dans ton sens. Ils ont fait venir des ingénieurs allemands et compagnie qui ont montré comment ils travaillaient. Les Japonais, ensuite, ont imité ce que faisaient les ingénieurs allemands et c'est comme ça qu'ils se sont développés économiquement. Mais d'une certaine manière, ça va dans ton sens. Si ça va dans mon sens. Ensuite, des Allemands protestants. Des Allemands protestants. Voyons, oui. Ingénieurs allemands protestants qui vont au Japon. Et donc, le reste... Non, mais c'est pour te dire que ce n'est pas les Américains, voilà. C'était avant. Non, mais d'abord, je parlais de leur protestantisme, que ce soit les Allemands ou les Américains. C'est l'influence. Oui, d'accord, non, bien sûr. Vas-y, je te laisse finir, t'inquiète pas. Ensuite, bon, la Chine, voilà, c'est tellement un énorme sujet, mais je pense que Thomas se trompe quand il pense que ce n'est pas une menace directe. Il y a eu 60 000 morts, là, français, récemment. J'aimerais bien qu'on nous montre combien il y a eu de morts par même les attentats islamistes. Il y en a eu 300, 5 ou 6 ans. Voilà, il me semble que c'est légèrement. On n'est pas dans le sujet parce qu'on ne serait pas d'accord avec ça. Non, tu penses que les Chinois ont fait exprès de balancer le virus partout et ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc c'est voilà, une autre question. C'est ce que mes enquêtes m'amènent à dire. Maintenant, j'en reviens au fait qu'il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. Et donc, si on ne connaît pas, comme c'était mon cas pendant que j'étais athée, que le protestantisme a levé l'Occident, et y compris donc la France, eh bien, et donc les États-Unis, qui sont la meilleure preuve, on ne sait pas pourquoi on a besoin du protestantisme et donc de la religion. Et l'Asie a toujours été, je veux dire, la remorque du monde. Ils n'ont jamais été... Voilà, la Chine n'innove pas du temps des communistes ou avant. Elle copie, ça oui, elle vole, tout ce que tu veux, elle hack. Mais elle n'innove pas. Elon Musk, dont tu parlais tout à l'heure, il a créé une usine à Shanghai. Il est en train de se faire voler toutes ces technologies. Et les Chinois sont en train de créer une usine à 500 km qui va refaire des Tesla copiés. Et il aura tout perdu le marché dans quelques années. C'est ça la stratégie des Chinois. Donc ça ne marche pas. L'innovation est profondément... c'est ce qui change tout, si tu veux. Et une société communiste, évidemment, n'innove pas. L'innovation est interdite en situation... société communiste. Donc, c'est ce qui est en train de bouffer l'Europe, bien plus rapidement que toute invasion islamique ou autre, parce qu'ils ne sont pas divisés, eux, et ils ont la volonté, d'ailleurs, ils viennent d'imposer leur candidat aux États-Unis. C'est un séisme, ce qui vient de se passer, c'est un coup d'État, et c'est la Chine communiste qui est derrière, et je le dis depuis avril, hein, publiquement, que j'ai pas dit que Trump allait perdre, parce que ça, je me suis trompé, malheureusement. C'était aussi une volonté... personnel, je voulais que Trump soit élu. Donc ça, je pensais pas que l'État profond était aussi profond, pour le dire en des termes clairs.
Mais ils ont réussi. Parce que... Alors, maintenant, je pense que les États-Unis vont partir en guerre civile parce qu'il y a encore des protestants là-bas et qu'ils ne vont pas laisser se faire imposer la dictature, contrairement à ce qui s'est passé en France à d'autres périodes. Oui, alors certains dans J'avais le chat, je vais te laisser la parole Thomas, mais certains relèvent la contradiction de Jean-Robin qui nous a dit au début, mais en fait le, par rapport aux païens, les protestants sont beaucoup plus sages, calmes et tout. Et après tu te réjouis qu'ils ont balancé des bombes atomiques sur la gueule des Japonais, quoi, qui étaient des civils quand même, quoi. C'est quand même formidable. Oui, on pourrait en discuter de ça aussi. Oui, je voulais juste réagir parce que Jean a dit des choses très intéressantes. Jean a dit des choses très intéressantes là. Bon. Juste sur les bombes nucléaires, vas-y. J'ai une phrase. C'est que sans les bombes nucléaires, le Japon, il faut creuser l'histoire, mais le Japon avait une arme bactériologique, justement, des sous-marins, des machins qui voulaient balancer sur les États-Unis notamment. Il faut creuser parce que c'est ce qu'ils avaient prévu. Et seule la première bombe nucléaire n'a pas suffi. Hein. C'est pour ça qu'ils en ont envoyé une deuxième. C'est que les Japonais étaient des fous furieux, hein, les mecs avec leur empereur, là. Les kamikazes, etc., il faut se rappeler un peu. Donc, je ne me réjouis pas qu'il y ait eu deux bombes nucléaires, mais même Maurice Dantec reconnaissait, alors qu'il est catholique, qu'ils avaient bien fait de balancer la bombe, parce que ça a empêché un nombre considérable de morts supplémentaires d'avoir lieu. Je voulais réagir. Jean a parfaitement raison sur la première bombe nucléaire. Ça, c'est clair que c'était nécessaire. Je crois que c'était 150 000 soldats américains, voire 300 000 soldats américains qui risquaient de perdre la vie s'il y avait une invasion au sol du Japon. Par contre, la deuxième bombe nucléaire, je suis pas d'accord. La deuxième bombe nucléaire a été envoyée pour faire peur aux soviétiques. Parce qu'en fait, ils se sont dit, si on n'en envoie qu'une seule, on va dire, les Russes vont dire on n'en a qu'une. Si on en envoie deux, ils vont penser qu'on en a plusieurs. Et donc là, la deuxième bombe atomique est une bombe purement stratégique vis-à-vis de la diplomatie soviétique. Ça, il faut le savoir, c'est une spécificité. La deuxième bombe était inutile. L'empereur du Japon était déjà en train de préparer la reddition. Sur l'affaire très importante sur les Chinois, tu as raison. C'était un mec de chez Lesca qui m'a dit ça, j'ai vérifié, c'est vrai. Le mot créer n'existe pas en chinois. Le mot créé en chinois, c'est le mot copier. Ça ne s'invente pas. Il n'y a pas de mot créé en chinois. Donc ça va complètement dans ce que dit Jean là. Par contre, la différence entre Jean et moi, et on revient sur le sujet tout à l'heure de l'identité, mais très brièvement, c'est que Jean impute à la religion le développement de l'Occident. Moi, je pense que l'Europe a dominé parce qu'elle est indo-européenne ou aryenne, et que c'est son génie propre. Et que les Chinois, qu'ils soient communistes ou impérialistes ou autres, n'ont jamais été créateurs depuis 2000 ans. Voilà. Moi, je pense que c'est l'appartenance ethno-civilisationnelle qui a fondé la supériorité scientifique de l'Europe, et pas les questions de religion. Alors, on a eu une question d'un homme que pas mal de dissidents connaissent. Enfin, je ne sais pas si ça lui plaira que je le mette dans ce sac, mais c'est Laurent James. Je ne sais pas si tu connais Laurent James, Jean-Robin. Ouais. Eh bien, Laurent James dit quelque chose. Non, Laurent James, c'est plutôt un esprit libre, catholique, amateur de littérature, souvent rattaché à NAB, parce que c'est un ami de. Enfin, en tout cas, ça a été un ami de Marc Edouard NAB. Et en fait, il a un commentaire, plus qu'une question, mais qui est assez audacieux. Il dit : le protestantisme est au christianisme ce que Daesh est à l'islam. Oh putain, voilà. C'est dur. Ça, c'est côté catholique. Est-ce que tu veux réagir, Jean ? C'est tellement con, si tu veux. Et Laurent James, moi, je l'ai connu. Je ne vais pas raconter des choses personnelles. Parce que quand tu connais le gars, donc, c'est le gars qui lit du NAB à poil dans un spectacle qui me fait cette remarque. Je veux dire, c'est lui qui est beaucoup plus proche de Daesh que n'importe quel musulman. Quel rapport avec Daesh, ce que tu viens de dire ? Ben, c'est lui qui parle de Daesh. Oui, mais, on parle de Laurent James. On parle de Laurent James, oui. Mm-hmm. Lui, il est beaucoup plus proche de Daesh, d'accord, que n'importe quel musulman. Voilà. S'il raconte ce qu'il raconte. Ben oui, moi, je le connais dans le privé, il se trouve. Donc, c'est pas un terroriste. Mais, je veux dire, montrer sa queue à tout le monde, c'est un exhibitionniste dérangé du ciboulot. Comme beaucoup de papistes, là, il faut vous poser des questions, franchement, parce qu'il y en a beaucoup, comme Papacito, par exemple, qui va jurer, qui va insulter, qui va dire des grossièretés, et que Abosi trouve un modèle, alors qu'il est catholique, enfin papiste. C'est quoi cette morale ? C'est bien la preuve, mais c'est pas chrétien. Bon, ça a dérivé sur du personnel. Là, en l'occurrence, c'était l'idée, selon lui, qui est catholique, le protestantisme. Je ne comprends pas très bien ce qu'il veut dire par là, d'ailleurs. Le protestantisme est tout christianisme. Il veut dire que c'est des fondamentalistes. Il veut dire que le protestantisme est un fondamentaliste. Oui, mais ça me paraît tellement... comme Daesh. Ouais.
Bon. Mais c'est pas vrai d'ailleurs, Jean l'a bien expliqué, on n'est pas d'accord forcément sur la religion, mais il a bien dit qu'il était pour que les gens puissent être libres de leurs croyances, donc ça n'a rien à voir avec Daesh. Julien Dominier. Ça montre bien par contre le délire d'un certain papisme. Alors Laurent James, Laurent James répond, et là ça devient un autre clash. Jean Robin me connaît dans le privé, je ne l'ai vu que 10 minutes dans un bar. Faux. Ah, il ment en plus. Ah bah c'est bien ça. Alors Laurent James, on n'était pas ensemble dans une soirée organisée par David Kersan à Marseille, où tu t'es illustré par ton comportement franchement déplacé. Chacun pourra vérifier. Laurent. C'était en 2006. Ouais, bon, écoute, Laurent, si tu veux parler avec Jean Robin, on va pas faire ça ce soir, mais on peut discuter sur Telegram. C'est bien que les gens sachent qu'il ment, ouais, parce qu'il m'attaque personnellement. Voilà. Bon, d'accord, mais en tout cas, il attaquait pas sur ta personne, hein, il attaquait sur le protestantisme, sur ta croyance. Bah, c'est ça, quand on a une croyance, on le prend un peu personnellement. Hein. Comparé à Daesh, ça veut dire que je suis un terroriste. Hein. Ça veut dire que je suis c'est un terroriste, non mais c'est pas faux. Non, mais c'est vrai. Ouais. Oui. Alors, ce que ça veut dire en tout cas. Julien Dominier nous demande, la Bible est-elle sans erreur pour Jean Robin? Alors c'est une bonne question. La Bible est inspirée par Dieu, donc à des hommes imparfaits, mais Dieu est parfait. Donc il peut écrire droit avec des crayons cassés. Voilà la métaphore qu'on peut... Et donc oui, moi je crois que tout ce qui est écrit dans la Bible est juste et que ceux qui ont des interprétations différentes... long parce que, comme l'explique très bien Jésus lui-même, ils n'ont pas l'esprit ouvert par Jésus. Donc moi, quand j'étais athée, je croyais qu'en effet, la conversion de force était justifiée puisqu'il est dit contre un lait d'entrée. Très clair, littéralement. Et c'est ce que croient notamment les papistes et c'est ce que croyait saint Augustin. Donc ils s'étaient trompés. Mais une fois qu'on est converti, on voit les choses différemment. Et on comprend avec l'aide de l'esprit. Alors, c'est vrai que ça peut paraître discriminant, et aujourd'hui, on n'a pas le droit de discriminer. Mais je peux dire qu'aujourd'hui, la Bible est vraie de la première lettre à la dernière. D'accord. Bon, Laurent, après, ça part sur un autre débat. On pourrait faire un débat catholicisme. Je pense que ce serait très intéressant. Alors là, même oui, une opposition plus frontale, oui. Catholicisme, protestantisme, Laurent, si tu veux, avec... Je pense que ça serait plus méchante. Je pense peut-être. Que ça serait plus méchant. Peut-être. Bien sûr, parce que... S'il y avait, à la limite, si j'étais prêt à une critique sur le ton qu'il a employé, je dirais que le protestantisme est au papisme ce que le chiisme est au sunnisme, parce que les chiites, dans l'islam, reviennent à la source, et non pas tout un tas de sourates là, qui rajoutent en plus du Coran ou je ne sais pas quoi. J'ai oublié tout ça parce que maintenant l'islam c'est plus ma priorité. Mais voilà à la limite la comparaison qu'on pourrait faire. Mais moi je suis prêt à débattre avec Laurent James si ça part pas en sucette. Mais je n'ai trouvé aucun papiste jusqu'à présent pour débattre avec moi. Donc s'il le veut, eh bien si Daniel veut organiser, moi je suis prêt. Moi ce sont les papistes qui refusent de. J'ai cité Papacito, il a refusé. Abosi refusé. Lesquin refusé. Tous ces gens-là sont dans leur tour d'ivoire, du vrai, du beau, du juste. Mais ils ne sont pas prêts à défendre leur foi. Alors je croyais qu'en 1 Pierre 3,15, il fallait être prêt à défendre sa foi. Et comme ils ne lisent pas la Bible, ils ne le savent plus. Alors Blanche de France demande à Thomas, est-ce que tu peux demander à Thomas Ferrier de nous expliquer en quoi consiste la foi païenne ? Oui, alors déjà, c'est très difficile comme question, mais je vais essayer d'y répondre rapidement. Déjà, la notion de foi païenne, ça laisse penser que le paganisme et le monothéisme reposent sur la même logique générale et que donc, finalement, c'est qu'une question de personnes qui changent. Il n'y a pas de foi païenne au sens strict, il y a, comment dire ça ? La foi, ça veut dire la bonne foi, en fait, c'est-à-dire la sincérité de la conviction. Mais qu'est-ce que c'est la foi païenne ? Non, mais c'est, voilà, alors je vais essayer de le dire avec mes mots facilement. Bon. L'idée générale, c'est qu'être païen, ça veut dire croire à l'existence de Dieu au pluriel. Il faut être polythéiste, hein, le païen est polythéiste. Il croit à l'existence de Dieu pluriel qui représente les forces du cosmos et de l'univers, qui sont donc les garants, on va dire, de l'ordre cosmique. Et qui ont chacun un rôle spécifique. En fait, il y a le dieu du ciel, qui est le père de tous les dieux, qui est donc Zeus, par exemple, etc., qui est une sorte de roi des dieux et qui pilote un peu tout le monde, qui organise tout. D'en haut, et puis il y a chacun dans son domaine. Donc il y a le dieu de la guerre, bah, lui il ne va pas s'occuper de l'amour, la déesse de l'amour ne va pas s'occuper du commerce, etc.
Et donc, là, je parle de sentiments humains, mais en fait, ces sentiments humains sont des transpositions de forces de l'univers. Par exemple, le dieu de l'orage et dieu de la guerre. Pourquoi ? Parce que l'orage, bah, c'est un peu le tumulte des nuages dans le ciel, et la guerre, c'est un peu le tumulte sur le sol. Donc, pour nos ancêtres, le dieu de l'orage est aussi dieu de la guerre. La déesse de l'aurore, qui ouvre le matin avec sa belle couleur rose, c'est la déesse de l'amour, du sentiment, etc. Donc voilà, la foi païenne, d'abord, c'est de dire il y a des dieux, et ces dieux, ce sont des êtres qu'il faut honorer, et que si on les honore, eh bien, en échange, ils nous protégeront contre le mal, et nous accompagneront pendant la vie jusqu'à la mort, pour nous aider. Voilà, ce sont des... Je pense que c'est des sortes de grands amis, des amis qu'il faut respecter, qui sont plus puissants que nous, ils sont immortels, etc. Donc il ne faut quand même pas les chercher non plus, hein, parce qu'ils peuvent nous punir. Mais si on se comporte bien avec eux, ils se comportent bien avec nous. Et voilà, pour moi, c'est ça. Il y a des dieux, et ces dieux sont des êtres supérieurs, positifs. D'accord. J'essaie d'aller à l'essentiel. Oui. Avant qu'on revienne au départ lui-même, une autre question pour Thomas Ferrier. Que peut-on penser de l'empereur Julien et de la politique religieuse qu'il a conduite dans l'Empire romain ? Bon, c'est un peu détaillé. Est-ce que tu peux être bref là-dessus ? Bah, je vais aller très vite alors. Bon, l'empereur Julien a été contraint d'être chrétien de façade. Il a été converti de force. Mais il se sentait païen de cœur. Et il a compris à un moment donné, un jour, qu'il était païen. Donc il connaissait très bien le christianisme et il connaissait très bien les raisons du succès du christianisme dans l'Empire romain. Notamment l'aide aux pauvres, etc. Donc Julien, une fois qu'il est devenu empereur et qu'il était officiellement païen, il a commencé à créer des hospices, des hôpitaux, des trucs pour les personnes âgées et compagnie. C'est-à-dire qu'il a commencé à saper la politique sociale du christianisme qui en faisait le succès. Et en faisant ça, les chrétiens ont eu très peur parce qu'ils ont dit « Merde, il a compris comment on fonctionnait, et si ça marche, on est cuit ». Donc l'empereur Julien a fait une faute, c'est qu'il n'a pas su s'appuyer sur les milieux sénatoriaux païens de Rome. Il a préféré s'intéresser aux formes de paganisme un petit peu plus ésotériques, Mitra, etc. Donc là, il s'est coupé de son principal soutien, c'est-à-dire les païens traditionnalistes. Je pense que c'est une erreur de la part de Julien de ne pas s'être appuyé sur eux. Par contre, Julien avait compris quelque chose, et c'est ça qui est assez magnifique et triste en même temps. Julien s'est dit, si je triomphe de l'ennemi traditionnel perse, c'est-à-dire si je triomphe des Perses et que je reviens vainqueur, ce que les empereurs romains précédents n'ont pas réussi à faire, alors tout le monde aura bien compris que les dieux existent, puisque je les adorais et qu'ils nous ont donné la victoire. Constantin est devenu chrétien parce que le dieu chrétien lui a donné la victoire au Pompilius. Julien vainqueur revenant, vous pouvez dire, voyez, le faux dieu, c'est le dieu du christianisme, les dieux sont là et ils nous ont donné la victoire. Le problème, c'est que Julien a été tué lors de la bataille face aux Perses, et que les chrétiens de l'époque ont revendiqué la mort de l'empereur Julien en disant que c'était un des leurs, soldats chrétiens de l'armée romaine, qui l'avait tué. Dans le dos par un javelot. On ne saura pas si c'est vrai, mais les Perses n'ont pas revendiqué la mort de l'empereur Julien. L'empereur Julien, à mon avis, a été le pire ennemi du christianisme, parce qu'il était le seul capable de le vaincre. Et c'est pour ça qu'il est mort. Laurent, James, c'est pas que je te censure, hein, je vais dire ta phrase, mais en fait, c'est comme si je faisais un débat avec toi qui écris dans le chat et Jean-Robin. Donc Laurent James a écrit « Historiquement, le protestantisme a été une vague de terrorisme sous Charles Quint. Robin est un ignorant fondamentaliste. » Mais c'est vrai de Laurent James ou quoi ? Ça me paraît un peu extrême, là. Je connais pas cette affaire de Charles Quint. Bon, en l'occurrence, là, ça s'adressait à Oui, je sais, mais c'est bizarre, quoi. Non, Charles Quint, je vois pas pourquoi il parle de Charles Quint. En fait, il parle de Charles Quint parce qu'il parle pas, il peut pas parler de la France où les protestants ont été persécutés, massacrés, où tous leurs droits ont été niés. La meilleure preuve, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de protestants calvinistes, ça n'existe plus. Je suis un des rares, et j'ai été converti par Dieu, non pas par évangélisation, comme je disais tout à l'heure. Donc le seul massacre de catholiques par des protestants qu'ils ont, c'est 40 morts, alors que de l'autre côté, vous avez la Saint-Barthélemy, vous avez Mérindol, vous avez Richelieu, le massacre de 20 000 personnes à La Rochelle, et quand on ajoute tout ça, et tout ce qu'a fait Louis XIV derrière, eh bien ça mène à un génocide, voilà, c'est tout. Donc ils le nient parce que ça les arrange, et parce que ce sont des gens, justement, si on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va, et donc malheureusement, j'ai voulu par exemple faire un débat avec Papacito, il m'a répondu par la Saint-Barthélemy, comme quoi apparemment c'était très bien. Donc voilà le genre de niveau de réponse qu'on a, et Laurent James ne fait pas exception, franchement c'est du délire. Alors parlons un peu pragmatisme, soyons un peu pragmatiques plus exactement, même si tu es persuadé, Jean-Robin, que la solution, une des solutions est spirituelle, est-ce que tu prends en compte le fait qu'en Europe, notamment, de moins en moins de gens sont croyants, de moins en moins d'autochtones européens, de blancs sont croyants, que ce soit catholicisme ou protestantisme.
Je ne connais pas les chiffres, mais je ne suis pas persuadé que le protestantisme gagne du terrain et qu'il y a une foi comme ça, acharnée, comme ça, protestante, en Europe actuellement. Donc, partant de là, est-ce que tu n'as pas le sentiment, finalement, d'être le résistant d'un vieux monde sur ce point ? Ben, d'une part, ça prouve que je ne l'ai pas fait par intérêt, parce qu'aujourd'hui, c'est pas rentable d'être protestant, calviniste, réformé et de le dire, surtout en France. Tout le monde te crache dessus, pour les païens un peu moins. Là, j'ai un débat, je trouve, de bon niveau avec Thomas et je l'en remercie. Mais avec un catholique, on voit bien, enfin, papiste, c'est tout simplement impossible. J'ai débattu avec Arnaud Dumouche, c'est vrai, ça s'est plutôt bien passé, jusqu'à ce que je parle de la pédophilie dans l'Église, là, il a arrêté. Mais donc, on a un problème en Occident, c'est qu'on a oublié d'où on venait et d'où on vient, c'est le christianisme. Donc, plus l'Occident s'éloigne de ce christianisme qui est la vérité, eh bien, plus on se fait dominer par des puissances étrangères. Et ça me paraît clair comme de l'eau de roche. Donc, oui, il y a de moins en moins de christianisme en Europe, et il y a de plus en plus d'invasions étrangères, comme par hasard. Donc moi, c'est ce que j'appelle les anticorps. La France a tué ses anticorps protestants, et avant cela, elle persécutait souvent les catholiques, donc, avant le catholicisme arrive au pouvoir avec Clovis. J'espère que tout le monde me suit bien sur les termes, hein, parce que je parle bien du papisme à partir de 451. Et donc, la France a été grande quand le christianisme authentique était au pouvoir, jusqu'à Charlemagne, etc., même s'il y avait déjà de l'hérésie qui était mêlée. Et dès lors qu'on a commencé à nous imposer le papisme, la France a commencé à baisser, et aujourd'hui, elle est très loin de son rang, qui serait la première puissance mondiale s'il n'y avait pas eu toutes les persécutions par Louis XIV, ça j'en suis absolument convaincu, puisque tous ces protestants-là, qui ont été convertis de force, ont donné ensuite les armées d'athées fanatiques qui ont donné Robespierre et tous ces tarés. Ouais, bon, encore une fois, c'est cette corrélation entre immigrationnisme et perte de foi, elle est très contestable. En Europe, on a un pays comme la République tchèque qui est un des pays les plus athées du monde, qui n'est pas immigrationniste. Tout à l'heure, j'ai posé à dessein une question sur la Chine. Quoi qu'on pense de la Chine se protège des invasions extérieures, alors qu'elle n'est pas du tout protestante ni croyante. Donc, je vois pas pourquoi... un peuple peut évoluer, un peuple peut avoir été croyant et ne plus l'être, sans forcément après se perdre dans le stupre, l'immoralité ou bien l'immigrationnisme. Enfin, je ne vois pas trop le rapport, en fait. Mais c'est intéressant que tu parles de la République tchèque, parce que j'ai parlé tout à l'heure de Jan Hus, qui est donc ce protestant. Voilà. Il a traduit la Bible en langue vernaculaire. Donc les peuples, ce n'est pas comme les individus. Les peuples, ils mettent des centaines d'années à changer. C'est pour ça que moi, je ne crois pas au grand remplacement. C'est une colonisation. Mais le peuple français, il est là, comme le peuple européen, si on veut. On croit à ça, moi je n'y crois pas, mais Thomas y croit. Et donc, il suffit d'un embrasement pour que tout s'inverse. Et par contre, ce qui est plus compliqué pour moi, c'est quand on a une puissance comme la Chine communiste qui nous prive de toutes nos libertés et qui nous empêche de voir même la réalité. C'est ça le but du communisme, c'est de nous faire perdre la logique, de nous faire perdre la vérité et de nous faire perdre la foi. Voilà le triptyque que je dirais. Et ça, ça tue un peuple. Alors que la colonisation, on peut se débarrasser des colons. Comment ça vient beaucoup quand même. Alors, j'aimerais avoir l'optimisme de Jean sur cette question. Hein. Alors, une critique formulée par des spectateurs à Thomas Ferrier. Le paganisme n'est plus une croyance. N'est-ce pas une position de principe au fond ? Est-ce que tu ne sais pas de la pose de ton côté ? Est-ce que tu ne fais pas semblant d'être païen ? Ah ben, j'ai répondu un petit peu tout à l'heure, hein, mais bon, je vais revenir à l'essentiel. Quand Alain de Benoît, qu'on présente comme le pape, entre guillemets, du paganisme, dit qu'il est ridicule de croire en Jupiter, je ne suis pas d'accord avec lui. Très concrètement, je suis d'accord qu'il y a des gens, ce que j'appelle des athées paganisants, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont athées, mais qui trouvent utile de mettre en avant une coloration paganisante, donc païenne, même s'ils n'y croient pas. En fait, ça fait joli, quoi. Et c'est un peu idéologique, c'est-à-dire qu'ils disent, ce qui est vrai d'ailleurs, ils disent le paganisme c'est la religion des Européens, c'est la religion des Indo-Européens, des Aryens, donc c'est notre religion ethnique, donc c'est bien qu'on la mette en avant. Ils le font pour des raisons pragmatiques et identitaires, ce qui est bien. Mais après, il y a une étape supplémentaire qui pour moi fait défaut à certains d'entre eux, mais pas à tous, c'est d'aller plus loin, c'est-à-dire ils disent c'est bien d'être païen, voilà ce qu'ils disent eux.
Et moi, je dis, c'est bien d'être païen, mais c'est mieux encore de l'être vraiment. Et moi, je suis un vrai païen. Alors après, on peut être d'accord ou pas avec moi, mais moi, je suis un païen croyant. Alors, c'est certains pourront dire, c'est ridicule, comment on peut croire à des dieux, etc., blablabla. Moi, j'y crois. Je ne suis pas un athée qui joue aux païens. Mais je sais qu'il y en a qui le sont. Je veux bien le reconnaître. D'accord, très bien. Alors, une question qui s'adresse à nos deux invités. Les gens ne sont plus séduits par l'idée de s'en remettre à Dieu ou à des dieux. En fait, non, ça s'adresse plus exactement à Thomas, mais Jean-Robin peut intervenir. Si déjà les gens ont du mal à revenir à la religion de nos ancêtres proches, comment feraient-ils pour revenir au paganisme ? C'est-à-dire, ils sont déchristianisés, voilà, pourquoi ils retourneraient au paganisme ? Est-ce que ça ne paraît pas complètement fou, en fait ? Parce que d'abord, il y en a qui le font, déjà. Je ne parle pas d'une option qui n'est pas faite. Il y a le paganisme renaissant et reconnu dans une dizaine de pays européens aujourd'hui. Mmh. Et donc, je parle de structures sérieuses, là, qui sont organisées en association culturelle, hein. Donc, c'est le cas en Islande, en Arménie, en Grèce, en Espagne, au Danemark, en Lettonie, Lituanie, il y a des temples à Moscou, etc. Donc ça, déjà, la Renaissance païenne, elle est là. Maintenant, cette Renaissance, elle est balbutiante, elle est faible, c'est pas des millions de personnes, je veux bien l'admettre. Mais il y a cette Renaissance païenne qui est là, c'est-à-dire qu'il y a besoin. En plus, on a accès quand même à énormément d'éléments culturels, et même des mauvais vecteurs. Jean parlait du cinéma américain, mais si même en regardant le film Thor, ça peut amener des gens à se tourner vers le paganisme scandinave, à s'intéresser, à aller chercher ce que c'est derrière la propagande américaine, mais regarder la réalité derrière, tant mieux. Moi, je suis convaincu qu'effectivement, la renaissance païenne du cinéma évoquée par Jean, même si elle ne lui plaît pas pour les raisons qu'il a exposées, ça amène au paganisme. Le paganisme est in, le paganisme est à la mode. Prends le métal, par exemple. Si tu écoutes les jeunes qui écoutent du métal, il y a de plus en plus de groupes païens en matière de métal, de black metal, enfin de métal musical. Hein. Il y a une mode païenne quand même aujourd'hui qui existe. Donc je pense que la réponse, elle est dans les actes des gens. Aujourd'hui, un jeune Européen peut porter un marteau de Thor et se revendiquer des dieux scandinaves, oui. C'est le cas. Je suis d'accord avec ça. Hein. Moi, je dis que le monde actuel européen est majoritairement païen, même si on peut le qualifier aussi de catho-marxiste, comme je le fais. Mais ce n'est pas incompatible. Et ces super-héros-là, qu'on nous vend, bon, qui viennent des États-Unis, mais c'est déjà décadent des États-Unis, ces super-héros-là sont des ubermensch du genre qu'on mettait en avant dans la Grèce antique et évidemment en Allemagne nazie et plus tard. Donc ce sont des demi-dieux, en fait, si on ne veut pas parler de dieux, mais ce sont des gens qui... résistent aux balles, qui résistent, qui ont des super pouvoirs, etc. Donc on nous vend en fait du paganisme parce que c'est de l'idolâtrie et que ça, la Bible le condamne depuis le début, mais que c'est la nature humaine qui est pécheresse de toujours revenir à l'idolâtrie. Et c'est comme ça, le chien revient à son vomi. Hein. J'avais envie de te poser une question, Jean, parce que moi, je commence à fatiguer malheureusement, je crois qu'on est... On va bientôt finir, pas de problème. Voilà. Il y a quand même un argument qui va en sens contraire. Tu prenais l'exemple de l'Allemagne nazie en parlant du côté héroïque. Je pense que tu penses au statut d'Arno Breker et tout ça. Électoralement, lorsque les analystes d'aujourd'hui analysent les élections en Allemagne, ils font marquer que le national-socialisme a réussi beaucoup plus électoralement en pays protestant qu'en pays catholique. Que les catholiques ont été plus rétifs au national-socialiste que les protestants en Allemagne. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, j'avais étudié cette question-là et j'ai trouvé la réponse avec quelqu'un que j'aime pas d'habitude, mais qui est Emmanuel Todd, qui avait dit sur Europe 1, et c'était très juste, qu'en fait, Hitler avait été élu majoritairement grâce aux voix des Länder où le protestantisme avait disparu, non pas là où il était présent. Donc j'ai pu vérifier ça par ailleurs et j'invite chacun à faire ses enquêtes. D'accord, donc pour toi, ça veut dire que concrètement, les pays catholiques ont été rétifs, ils l'ont prouvé, mais les pays protestants n'ont été rétifs que parce qu'ils étaient plus déchristianisés que les pays catholiques, finalement. Alors, ça c'est une autre question, mais l'Église catholique... J'essaie de traduire ce que tu as dit en explication scientifique. Non, mais Hitler a fait un concordat avec le pape, c'était en 1932. 34, l'année... oui. 34. C'était pas 32 ? C'était l'année d'avance. Il était pas au pouvoir. Il était pas au pouvoir en 32. Voilà, et c'est ce qui lui a permis d'arriver au pouvoir, juste. Donc, non, il était en 34. Non, c'est... Alors, tu as raison et tort à la fois. C'est-à-dire qu'il arrive au pouvoir entre 33 et 34,
pour être très technique. Mais effectivement, pour avoir sa majorité parlementaire, il avait besoin des voix des députés du parti chrétien Centrum, qui était le parti catholique de Bavière. Et effectivement, pour avoir ses voix, il a signé un concordat, et ainsi le pape a dit « Ok, donc tu as raison et tort en même temps. » Voilà, pour être précis historiquement. Mais c'est vrai, ce concordat a été signé. Et puis après, l'Église catholique donc, a soutenu à bout de bras Pétain, tous les archevêques et de dizaines d'archevêques qui soutenaient Pétain à bout de bras, contre le catholique de Gaulle, c'est ça qui était marrant, qui lui s'est réfugié en terre protestante, et donc ce sont les protestants majoritairement, donc Angleterre, États-Unis, qui ont créé la coalition des alliés contre les marxistes. Oui, mais avec les marxistes pour écraser le nazisme. Ils ont été alliés aux soviétiques. Oui, mais les soviétiques étaient alliés aux nazis au début, c'est ça qui a permis... Oui, et puis après, ils se sont fait de la guerre. Oui, mais après, donc, il n'y a pas eu tout ça. Bon, peu importe, Staline, il y a plein de livres qui sont sortis à la mode en ce moment sur Staline, Hitler, le pacte germano-soviétique. Il y a des dizaines de bouquins actuellement qui sont disponibles sur ce sujet, qui sont intéressants d'ailleurs, vu par des différents angles. On ne peut pas dire qu'il y avait une amitié idéologique entre l'Allemagne hitlérienne et l'Union soviétique, ce n'est pas vrai. Et c'est une alliance tactique contre d'autres ennemis. Oui, mais quand même, dans les années 20, en Allemagne, l'URSS... Les communistes, en tout cas en Allemagne, se sont alliés avec les nazis pour faire tomber la social-démocratie. Ah oui, à un moment donné, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est ce qu'on appelait le social-fascisme. Ils dénonçaient le social-fascisme de la gauche, oui. Tout à fait. Okay. Après, bon, là, on est parti très loin. Hein. On est parti trop loin. Une dernière question. Enfin, toujours pareil, on revient un peu au compteur de mort pour Jean-Robin, et après, je ferai une conclusion et je vous laisserai y aller. On nous dit la Michelade. Pourquoi tu ne parles pas de la Michelade, Jean-Robin? C'est un événement, un massacre au cours duquel 90 catholiques ont été tués par des émeutiers protestants le jour de la Saint-Michel, le 29 septembre 1567. Oui, mais j'en ai parlé, donc la personne soit est arrivée plus tard. D'accord. J'ai parlé de moins de 40 morts, hein, c'est le chiffre général avancé par les historiens. 90, non. Même 90, c'est combien de fois moins que la Saint-Barthélemy, que Mérindol, que le massacre de La Rochelle, que les 400 000 convertis de force ou les milliers, dizaines de milliers d'envoyés aux galères par Louis XIV, persécutés, tués. Enfin, je veux dire, il y a eu un génocide, et ça, personne n'en parle. Génocide des protestants, je ne suis pas là pour battre la coule de qui que ce soit, mais c'est un fait historique. Donc c'est bien, moi je parle du génocide de Vendée, sauf qu'il y a eu beaucoup moins de morts catholiques au génocide de Vendée que de protestants tués par les papistes. Donc la Michelade, on nous ressort que ça, parce qu'ils n'ont que ça. Voilà. Et je suis désolé, mais c'est risible. Les historiens, d'ailleurs, de l'historiographie française, mettent au même niveau la Michelade que la Saint-Barthélemy. Franchement, j'ai déjà entendu des historiens le dire publiquement, dans une librairie calviniste. C'est ça qui est hallucinant, hein, la librairie Jean Calvin à Paris. Et voilà, on invite un historien, il vient balancer ça, et les protestants, soi-disant, qui gèrent cette librairie, ne disent pas à cet historien, « Monsieur, c'est honteux de mettre au même niveau 40 morts ou même 90 et des centaines de milliers, voire plusieurs millions de l'autre côté. » Donc, voilà où on en est aussi du protestantisme français. Il est complètement bouffé par ce qu'on appelle l'arminianisme, c'est un autre débat, mais c'est la croyance dans le libre-arbitre humain qui rejoint la croyance païenne et la croyance catholique. Et la réforme s'est bâtie contre la croyance dans le libre-arbitre humain, puisque si le libre-arbitre humain existe, Dieu n'est pas souverain, donc il n'est pas Dieu. Donc, je suis d'accord. Il y a eu des protestants qui ont tué des catholiques, mais d'après Jésus, on peut condamner ces massacres, alors que les païens ne peuvent pas condamner leurs propres massacres d'après leur propre système de valeurs. Sujet tout à fait. Oui, et juste, je vais faire rigoler un peu Jean, enfin rigoler ou lui donner une info amusante. J'ai un ancêtre protestant. C'est mon ancêtre allemand, était protestant, et il a dû fuir l'Allemagne au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, parce qu'il était protestant en pays catholique, c'est-à-dire qu'il était en Bavière, il était protestant en Bavière, et il a dû foutre le camp, parce qu'en Bavière, on n'avait pas le droit d'être protestant, et c'était à l'époque de Bismarck. Et donc, il est allé se réfugier en France, dans le sud-ouest. Alors, je ne sais pas si c'était calviniste ou luthérien, a priori, il était plutôt luthérien, mais c'est indiscutable qu'être protestant en pays catholique, c'était quand même pas la panacée, même au 19e siècle. Hein. Alors, Angel, sûrement, insiste. Hein. Les protestants ont détruit des milliers d'églises, ravagé des villages, le fondamentalisme du 16e siècle. Bon, bref, après, on part sur autre chose. Honnêtement, le sujet du jour, c'était... Il faudrait être expert de ça. Sujet du jour, c'était paganisme ou christianisme d'hier et d'aujourd'hui. C'était pas l'opposition entre protestantisme et catholicisme. Voilà. Il est tard. À la limite, on pourra faire
une autre session sur ce sujet, il n'y a pas de problème, quoi. Moi, je veux bien conclure, si tu le veux bien. Bah oui, je vous propose tous les deux de conclure. Je vous remercie d'avoir voulu débattre et puis n'hésitez pas à conclure à chacun. Donc, merci à toi d'avoir animé ce débat et à Thomas d'y avoir participé. Je pense que c'était un débat de bonne tenue, même si on peut des fois partir parce qu'on a la foi et qu'on y croit, donc c'est plutôt bien. Maintenant, je voulais justement, comme j'ai la foi, j'ai l'espoir, et je voulais donner deux sources d'espoir aux gens qui nous écoutent. Une au niveau individuel et une au niveau national. Au niveau individuel, si vous vous dites, en écoutant par exemple, que le christianisme, ce n'est pas pour vous, ou le protestantisme, si vous voulez, et que vous avez lu la Bible et ça ne vous a pas parlé, ou que vous ne l'avez jamais lu, ça ne vous intéresse pas, eh bien, sachez que c'était mon cas jusqu'à l'âge de 36 ans. Moi, j'ai étudié la Bible à l'âge de 20 ans pour nier tout ce qu'il y avait dedans. J'ai interviewé donc, Thomas Ferrier en 2012 pour qu'il crache sur le christianisme. J'ai édité des livres anti-chrétiens, etc., jusqu'à ce que Dieu, par sa seule volonté, bien me convertisse. Donc, ce que je peux vous dire, si vous vous posez quand même des questions, n'hésitez pas à ouvrir une Bible, il y en a un peu partout aujourd'hui, et lisez, et vous verrez si vous êtes un des élus qui a été choisi avant la fondation du monde. Ça, c'est Dieu qui a choisi et pas vous. Si vous êtes sauvé, eh bien, ça sera une source de confort. Et voilà. Maintenant, au niveau national, sachez que... il y a une source d'espoir quand même dans cette guerre mondiale qui se dessine devant nos yeux. Et ce qui vient de se passer aux États-Unis, c'était la conclusion de la bataille d'Amérique. Je l'appelle vraiment comme ça. C'est une guerre qui a été tirée, où il n'y a aucun missile qui a été tiré, mais les répercussions sont énormes. Mais il ne faut pas perdre espoir pour autant. Et Dieu, sachez que Dieu a créé le meilleur des mondes possible, comme le disait Leibniz, et qu'il gagne à la fin. Donc, simplement, c'est une guerre mondiale. Il ne faut pas rester dans son coin. Il faut s'allier avec d'autres gens qui ont le même ennemi. C'est pour ça que c'est important de désigner la Chine communiste, parce que si on désigne l'islam, on ne désignera pas le même ennemi commun. Sachez simplement que l'islam est allié avec la Chine communiste, donc ça revient à peu près au même, mais c'est plus clair quand vous désignez la Chine communiste, parce que toute notre oligarchie nationale roule pour elle. Et donc, vous vous retrouverez avec des gens, souvent chrétiens d'ailleurs, par exemple les dissidents chinois, et avec lesquels vous pourrez vous battre dans un combat qui s'annonce épique, et qui sera le combat de notre génération. Très bien. Thomas, tu veux dire quelque chose pour conclure ? Oui, je vais faire une version un petit peu proche de ce que dit Jean, finalement. Bah, disons qu'on est à l'ère du Ragnarök, de l'ultime combat, mais moi, je ne partage pas l'idée de s'allier avec d'autres. Moi, je crois que c'est l'Europe, ou le monde européen, au sens fort, contre le reste du monde. Donc, pour moi, la Chine est une menace, comme l'islam est une menace, comme le souverainisme de division qui nous fragilise est une menace, comme l'évolution des États-Unis vers un monde de moins en moins blanc est une menace, comme la démographie africaine subsaharienne est une menace. Moi, je pense que nous sommes arrivés à une époque où nous n'avons que des menaces autour de nous. Et par contre, effectivement, il y a une phrase du poète Hölderlin, donc je ne sais pas s'il était catholique ou protestant, mais qui, en tout cas, exprimait une vision païenne du monde, qui dit « Là où croit le péril, croit ce qui sauve ». Et donc, je pense que plus la décadence de l'Europe avance, plus les forces de renaissance vont travailler pour la contrer. Et que je pense qu'à sa façon, Jean, toi, moi et d'autres, nous contribuons tous, malgré nous, d'une certaine manière, à ces forces de renaissance qui s'opposent à la destruction de notre civilisation. Même si on y apporte une réponse différente. Et je voulais finir pour dire, d'abord remercier Jean de la qualité du débat qu'on a pu avoir, et au-delà des désaccords, et on savait qu'il y en avait beaucoup. Et je regrette d'avoir été peut-être trop coupé la parole. Ça, c'est un défaut que j'ai, je le sais. Donc, moi aussi, j'accepte... Pas tant que ça, ce soir. Pas tant que ça, t'inquiète. Oui, voilà. Mais j'accepte la critique. Voilà, je pense que c'était un bon débat. Après, je pense qu'un débat férié à Bozy aurait été intéressant. Mais justement, il n'a pas eu lieu. Et je ne suis pas convaincu, comme le dit Jean de son propre côté, qu'il puisse avoir lieu. Mais si c'est possible, après tout, pourquoi pas. Très bien. Eh bien, je vous remercie, mais j'ai tout de même une dernière question pour Jean. Tu es toujours là, Jean-Robin ? Oui, je suis toujours là. J'ai reçu un appel, c'est pour ça que ça fait un peu de bruit. Pardon. C'est rien, c'est rien. On va finir de toute façon après cette question. Est-ce que tu ne regrettes pas d'avoir suggéré que Guillaume Fay était peut-être en enfer ? Alors, si je veux être proche de la vérité... je dois dire que je me suis trompé, mais par manque de connaissances bibliques, et c'est cette accusation lancée un peu à la va-vite, et les accusations que j'ai reçues
suite à cela, qui m'ont fait retravailler la question. Parce que moi, je pensais être dans la vérité quand j'ai dit ça. Mais vraiment, en creusant, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas mettre de côté les conversions sur le lit de mort. Et donc, il n'y a aucune preuve. Et d'ailleurs, depuis, j'ai reçu un appel, j'en avais parlé dans une vidéo, j'ai reçu un appel, mais je n'ai pas pu vérifier, de quelqu'un qui m'a dit qu'il avait rendu visite à Guillaume Fay et qu'il avait été converti au catholicisme au dernier moment. Bon, donc moi, je ne suis pas papiste, donc je ne pense pas qu'il est sauvé s'il est converti au papisme. Mais rien n'empêche Dieu de convertir quelqu'un sur son lit de mort et donc de le sauver. Il l'a fait, alors ce n'était pas sur son lit de mort, mais le voleur qui était crucifié à côté de Jésus était un voleur. Donc voilà, Guillaume Fay est un pécheur, comme moi je suis un pécheur, comme nous sommes tous des pécheurs, mais Jésus lui a dit, puisque tu me reconnais, tu as foi en moi, eh bien tu seras avec moi au paradis. 23-43. Aujourd'hui. Et donc rien n'empêche à Guillaume Fay d'être au paradis aujourd'hui. On le saura quand on y sera nous-mêmes. Donc je m'excuse. Oui, Jean, une petite question. Mais attends, moi j'ai des sources. J'ai reçu énormément de mails de gens qui étaient vraiment déçus parce que j'ai été l'éditeur de Guillaume Fay. C'est même moi qui l'ai fait connaître à Daniel. Donc c'est normal. Mais même au-delà de ça. J'ai reconnu mon erreur par rapport à ça d'un point de vue théologique, pas d'un point de vue. Voilà, mais d'un point de vue théologique, je me suis trompé. Oui, et même d'un point de vue, mais là, ce n'est pas toi qui es en accusation, mais d'un point de vue journalistique, moi, je peux l'affirmer à 100%, puisque ce n'est pas que j'étais devenu le meilleur ami de Guillaume Fay, ce serait mentir, je l'ai connu que la dernière année de sa vie. Mais le fait est que, comme j'étais l'éditeur de son dernier ouvrage, j'étais en contact quasi quotidien avec lui, et en fait, lorsqu'il est arrivé en soins palliatifs, je peux le jurer sur mes deux enfants, il a, comprenant que cette fois, c'était fini, elle allait mourir, il a fait, comment dire, un bad trip. Il n'a plus voulu voir personne, excepté sa fille. Et même son fidèle ami Yad Bertillon, il ne voulait plus le voir à la fin. Il l'a vu une fois, et après les 3-4 derniers jours, il n'a plus voulu le voir. Après, vraiment un jour avant qu'il meure, il a changé d'avis. Et il a souhaité me voir une dernière fois, voir Yad Bertillon, qu'il a revu. À cette occasion, je lui ai parlé une dernière fois, et le lendemain, il est mort. Et il n'a vu personne d'autre. Il n'y a pas eu un aumônier qui est passé, personne n'est venu. En fait, il est impossible qu'il existe un autre observateur que les gens que je viens de te citer, parce que Yann Bertillon a fait le pied de grue devant sa porte, et personne n'est rentré là-dedans, à part les infirmiers. Donc je tenais quand même à... Pour moi, les derniers jours d'un homme mort sont importants, et je ne veux pas qu'on colporte des fausses idées. Voilà. Et tu fais bien, parce que moi j'étais donc contacté par cette personne. Tu sais, c'est toujours pareil avec les grands hommes, puisque Fay restera comme un grand homme. Quoi qu'on pense de lui, moi je ne suis pas raciste, tu vois, je suis anti-raciste, mais je pense qu'il restera dans l'histoire. Ce qu'il a fait par exemple sur Beltrame a été héroïque, historique, comme ce que j'avais fait moi d'ailleurs. Mais il va rester comme un grand homme, et il y a des gens qui ne peuvent pas s'empêcher d'essayer de. Moi par exemple, quand mon grand-père est mort, il s'était converti au protestantisme dans les dernières années de sa vie, mais il y a la partie catholique de ma famille qui a essayé de faire les prières de Marie, etc., sur son lit de mort, quoi. Donc c'est toujours embêtant avec un certain nombre de gens qu'on peut pas vérifier. Donc toi, tu étais sur place, volontiers, donc je me suis peut-être fait enfumer par ce gars catholique, mais comme c'est pas ma foi, tu vois, je n'avais aucun intérêt à le dire. Mais bon, peut-être qu'il a essayé de m'enfumer. Il fallait que ce soit dit. Daniel, juste, oui, Guillaume. Daniel, juste une petite remarque, parce que je voulais réagir sur cette affaire Guillaume. Bon, j'ai entendu ce qu'a expliqué Jean. Effectivement, et merci Daniel d'ailleurs de donner des précisions que tu ne m'avais pas données, qui sont encore plus explicites et claires. Oui, oui. De toute façon, il y a le livre de Baillet sur un ami disparu là, qui était sorti, qui répond à ceux qui ont prétendu que Daniel s'était... Guillaume s'était converti. On sait à peu près ce qui s'est passé maintenant, on sait à peu près d'où vient l'affaire. Et il y a une revue, je crois, dominicaine. C'est une revue dominicaine qui a sorti la prétendue conversion de Guillaume. Et ça s'appelle le sel de la terre ou un truc comme ça. C'est de là devient la fausse information. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des cathos qui ont envoyé des gens pour essayer de jouer cette carte quelques jours avant la mort de Guillaume, et avant qu'il veuille voir personne. Et Guillaume en a parlé à Yann Bertillon, de manière un peu moqueuse. Et effectivement, il y a quelqu'un qui lui a envoyé un prêtre et une nonne, je crois, dans sa chambre. Ça, c'est vrai. Et il s'est foutu de leur gueule, il leur a raconté des salades. La Guillaume qu'on connaît, quoi. Son enterrement fait un enterrement païen, ça je le sais, j'y étais. Bon, bref, il fallait que ça soit dit. Voilà. Merci encore à vous. Je vous remercie. Bah, vous revenez quand vous voulez pour d'autres sujets. Merci Jean, merci Thomas Ferrier. Salut.
Je ne sais pas la politesse, mais je vous coupe parce que je vais m'exprimer et je veux parler à mon public 5 minutes. Merci encore et passez une bonne soirée. Merci, merci Thomas pour ta résistance. Il est tard en France. Ciao. À bientôt. Alors, bien sûr, j'ai oublié de vous dire que je l'ai dit au début de l'émission, mais c'était il y a longtemps maintenant. Si vous avez été intéressé par les positions de Jean Robin ou de Thomas Ferrier, vous trouverez en description de la vidéo un lien vers le site internet de Jean Robin. D'ailleurs, j'en mettrai un autre qui m'a demandé de mettre un lien vers son site plutôt religieux, il n'y a pas de problème. Et Thomas Ferrier, j'ai choisi de mettre un lien vers son Twitter parce que c'est là où il est le plus actif. Via son Twitter, vous pouvez rebondir ensuite vers son canal Telegram et également vers son site, le PSUD et le Parti des Européens. Voilà. Bon, le débat, écoutez, il a été ce qu'il a été. Tout le monde n'a pas la façon de... Comment dirais-je, l'énergie, je sais pas comment dire, mais même l'insolence parfois que je peux avoir, et donc chacun débat à son rythme. Il y a eu quand même des fragments, je pense, intéressants, et je voulais conclure sur quelque chose puisque j'ai vu que Donald Trump c'est tombé là il y a une demi-heure, il vient d'être définitivement banni de Twitter. On savait que ça allait arriver. L'humiliation est totale parce qu'il est banni avant la fin de son mandat. Le but étant déjà de l'humilier, je le dis, de lui couper son moyen principal, on va dire, de communication, et de l'ostraciser plus encore et l'empêcher, on va dire, pendant les 15 jours qui viennent, de faire du grabuge peut-être éventuellement de mettre en avant d'autres preuves, s'il en existe évidemment, de la fraude, et tout simplement, faire de ses derniers jours de mandat une catastrophe totale. Alors, même si on s'y attendait, pour moi, c'est un moment extrêmement marquant. Je l'ai dit hier et j'insiste aujourd'hui parce que cette fois, c'est définitif. Ce n'est pas une suspension provisoire. Déjà, c'est scandaleux que ça arrive provisoirement. Là, c'est une suspension définitive. Vous imaginez maintenant ce qui va tomber sur nous. Il faut vraiment que vous considériez... Là, je fais appel à votre militantisme pur. Il ne s'agit même pas d'argent, à la limite. Ceux qui peuvent et veulent nous soutenir, me soutenir moi, s'abonner à Super Danny Live, acheter les livres qui les intéressent, le font, les autres ne le font pas, on ne peut pas forcer les gens. Par contre, vous me suivez pour la plupart depuis des années, et donc là vraiment, il faut bien comprendre que c'est quasiment un miracle que je suis encore sur YouTube, ainsi que sur Twitter. Donc, si Trump est banni de Twitter, ce n'est qu'une question de temps avant que nous le soyons tous. Moi et bientôt des gens même un peu plus light dans leurs propos. Moi, je suis persuadé que des influenceurs comme Damien Rieux, si moi je saute de Twitter, dans 2 ans, Damien Rieux, il saute de Twitter, même avant. Donc là, on a quand même, c'était pas le cas il y a 5 ans, on a des alternatives. Il y a Gab, il y a Parler, il y a Telegram, dont je vous parle tout le temps, évidemment. Si vous n'avez pas encore rejoint mon canal Telegram ou si parce que vous aviez du mal à comprendre l'appli, vous êtes désabonné, eh bien, refaites l'effort de comprendre comment fonctionne Telegram. Une fois qu'on a compris, on s'amuse comme des petits fous. Le lien est en description de la vidéo, t.me/danielconversano. Voilà, si vous n'aimez pas Telegram, il y a aussi d'autres. Actuellement, je ne suis pas sur Gab, mais je vais faire l'effort de m'y inscrire. Mon Gab, en fait, sera une reproduction de mon canal Telegram, parce que je ne peux pas non plus passer ma journée à communiquer. Il faut plus créer que communiquer. C'est 80% de création, 20% de communication, pas un autre ratio. Mais voilà. Et par ailleurs, alors là, ce n'est pas du tout. Vous savez, j'avais fait une vidéo ultra critique, où j'ai forcément exagéré, contre Apple. Parce que je trouve pas pratique, j'aime pas l'interface. Je suis plutôt un PC Android que Apple. Passons. Mais ce qui est clair, c'est que quand on est un militant nation, moi j'estime que il faut savoir s'en séparer de ces produits Apple, parce que Apple opère des censures sur les réseaux qui n'en pratiquent pas. C'est-à-dire qu'il y a des canaux Telegram que vous ne pouvez pas voir avec votre iPhone. C'est-à-dire, en fait, ça vous met clairement. Le canal existe, mais ça vous met, vous ne pouvez pas accéder avec Apple à ce canal. Vous ne pouvez pas trouver sur l'Apple Store, Gab, vous ne pouvez pas trouver sur l'Apple Store, peut-être à partir de demain, il y a eu une menace, il y a même eu un ultimatum. Si dans les 24 heures, Parler ne met pas dans ses conditions d'utilisation qu'il supprime les discours nauséabonds et incitant à la haine, sachant que tout ça est subjectif, l'incitation à la haine, on ne pourra plus télécharger l'application Apple. L'application Parler, donc le Twitter de droite conservatrice, comme par hasard, l'ultimatum arrive alors que
c'est la chienlit aux États-Unis entre Trump et Biden, eh bien, vous ne pourrez simplement plus l'avoir sur l'Apple Store et peut-être même, et vous ne pourrez plus l'utiliser en fait sur Apple. Donc ça, il y a des gestes, je suis désolé, c'est comme les boycotts alimentaires quand on est contre certaines communautés, certaines religions, même si c'est interdit, personne ne va venir chez vous vous dire « Attendez, vous n'êtes pas allé manger un kebab cette semaine, c'est interdit ». Vous n'avez pas le droit de boycotter, ben d'accord, mais vous pouvez le faire quand même. Bon, et ben c'est pareil pour les réseaux sociaux. C'est-à-dire, ne croyez pas que parce que tous les autres y sont, vous devez y être. On doit créer cette contre-société. Et pour créer cette contre-société, qui n'est pas un séparatisme institutionnel, qui est simplement, en fait, on veut avoir un espace où on échange, un espace d'idées, où on échange entre nous et que personne vienne nous emmerder dessus parce que c'est notre putain de liberté. On se retrouve cette absurdité de vivre au 21e siècle avec toutes les technologies possibles et en fait, la technologie existe et on ne peut pas l'utiliser parce que nos propos dérangent. C'est quand même incroyable. Donc là, on a Telegram, pas de censure. Parler, à ma connaissance, pas de censure. Gab, pas de censure. Minds, à la limite, pas de censure. Allez sur ces réseaux-là. Moi, si vous m'aimez, si vous me suivez, allez sur Telegram parce que là, je vous mets toujours un lien à mon canal. Sur mon canal, je suis seul à m'exprimer. Vous pouvez toutefois laisser des commentaires. Et de temps en temps, je vous mets un lien vers les groupes. Pourquoi de temps en temps? Parce que les groupes sont déjà gros en nombre. Mais il y a un groupe où il y a plus de 1500 personnes qui peuvent échanger potentiellement dans ce groupe. Et il y a d'autres groupes. Il y a des groupes de cinéma, de littérature, voyage, expatriation, Europe de l'Est, le groupe des abonnés Super Nanny Live. Donc, quand vous abonnez à Super Nanny Live, il y a un groupe réservé aux abonnés, donc un groupe plus intime où je m'exprime plus souvent, c'est normal, c'est de la gratitude et de l'envie et du désir évidemment de rendre aux abonnés ce qu'ils me permettent de faire évidemment avec leur soutien mensuel. Donc voilà, moi je suis vraiment... Alors, à la limite, si c'est trop violent pour vous boycotter Twitter, c'est pas grave, vous pouvez y rester. Mais à côté de ça, téléchargez d'autres applications et commencez à les utiliser pour que ça devienne votre quotidien. Parce que je vous assure que les prochains, c'est vous. Déjà, parmi ceux qui écoutent ce live à 7h tardive, et merci encore d'être plus de 1000, il y en a plein qui ont perdu 1000 fois leur compte. Facebook, on ne peut plus rien dire sur Facebook, c'est absolument n'importe quoi. Donc là, vraiment, on a besoin, même les créateurs de contenu, les leaders d'opinion ont besoin de voir que les foules, les nationalistes peuvent se déplacer sur d'autres plateformes et arrêter d'être drogués à ces réseaux qui nous chient dessus. Ne faites pas la même erreur que Donald Trump. Ne restez pas vissés sur Twitter. Et parce que c'est pratique, parce que vous connaissez, parce que c'est facile, c'est rapide, alors qu'en fait, votre survie là-bas, elle ne tient à rien. Voilà. Et plus généralement, je le dis, je le répète, regardez tout ce que j'ai produit depuis plus de 2 mois. Si j'ai créé Super Daddy Life, c'est parce que je sais qu'il ne nous restera plus rien d'autre que les plateformes indépendantes. C'est-à-dire la situation qu'a Dieudonné en ce moment, il survit parce qu'il a énormément d'argent et bon, il a peut-être prévu le coup, mais on va... C'est moi un des premiers, je pense que je vais être un des premiers à tomber. Une fois que j'ai perdu Twitter, une fois que j'ai perdu YouTube, la perte d'exposition, elle est énorme. Si on veut que nos idées survivent et qu'on continue de faire du bruit, il faut me rejoindre sur les espaces où je suis intouchable. Donc vraiment, je vous invite et je vous demande de me rejoindre sur Super Danny Live, abonnement au mois ou abonnement à l'année. Si vous abonnez à l'année, évidemment, il y a une réduction. J'en parlerai demain pour expliquer, il y a une nouvelle option maintenant, c'est abonnement avec des cours de langue. On les a offerts pendant plusieurs mois gratuitement avec l'inscription à Super Danny Live. Maintenant, il faut payer un supplément. Mais enfin, les deux premiers forfaits pour vous abonner à Super Danny Live, c'est 15€ par mois ou 140€ par an. Aujourd'hui, je suis désolé, vous n'aurez pas... Je vais encore tenir 5 minutes, mais vous n'aurez pas droit à Daniel en slip. Je suis vraiment en slip. Hein, parce qu'il n'y a eu que 2 abonnements à l'année. Je suis désolé. Il n'y en a eu que 2. Il y en aurait eu 3 et ce n'est pas des conneries, je ne vous mens pas. Hein. Moi, franchement, je pourrais le faire gratos, mais en même temps, j'ai envie que ça corresponde à un effort de votre côté. Il y a eu 1 ou 2 abonnements, ou moi aussi. Mais non, j'en demandais 3 à l'année. Je ne les ai pas eus. Tant pis pour vous. Voilà. Daniel, as-tu invité Cro-Blanc à manger lors de Vive l'Europe? Oui, et alors? On a mangé avant de faire Vive l'Europe. Et donc? Non, mais c'est très grave. Hein. J'ai vraiment pas envie de rire. En plus, ce qui m'énerve, c'est que je savais que ça allait arriver. Il a fallu qu'on aille au bout de l'humiliation. Et ça fait 2 mois que je croise les doigts pour que Trump supprime son compte Facebook, Twitter et même Facebook, avant que Twitter ne le fasse. Il ne l'a pas fait. Et maintenant, les gauchistes vont jouir non-stop pendant 3 semaines. Et surtout, je ne sais pas comment vous dire, mais c'est un précédent incroyable parce qu'on ne pourra plus rien dire. Trump est impuissant, il se fait bannir de Twitter. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, nous, quand on perd nos comptes Twitter ?
Vous n'avez peut-être jamais, peut-être que vous n'avez pas poussé le militantisme jusqu'à tenir des propos à la hauteur de ce que vous pensez. Un jour, vous allez perdre un compte Twitter, vous allez voir comment ça vous fait mal au cul. Ça paraît rien, hein. Mais quand tu as 5, 10 000, 15 000 abonnés, tu perds tous tes messages, tu perds tout ton historique, tu perds ta possibilité de retrouver tes contacts. En fait, tu perds une partie de ta vie aussi, qui est une vie virtuelle, mais qui est quand même une vie d'échange et de communication. Et ben après, vous verrez si vous n'allez pas travailler à votre résilience. Les nationalistes doivent travailler à leur résilience parce que ce qui est sur Internet actuellement est fragile. La survie de ce qui est sur Internet est fragile. Je vous invite d'ailleurs à faire des archives. Quand vous aimez une vidéo, ne croyez pas que parce qu'elle est sur YouTube, vous allez toujours la retrouver. Parce que tout le monde pense ça, et ben personne ne fait des sauvegardes. Faites des sauvegardes quand vous avez des vidéos qui vraiment vous marquent l'esprit. Je vous donne toute autorisation, d'ailleurs, pour sauvegarder l'ensemble de mon contenu, le publier ailleurs, sur n'importe quelle plateforme. Il faut qu'on ait cette résilience, ce pouvoir de survivre à toutes les censures, parce que on est dans une dictature gauchiste, déjà depuis des années, et maintenant, elle va devenir surpuissante. Ils vont passer la vitesse supérieure, ils vont se croire tout permis là, avec cette victoire sur tapis vert de Biden. Enfin, pas vraiment, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a ressenti. Une vieille momie qui est élue parce qu'il suffit d'être gauchiste, en fait, pour être élu. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc vraiment, on est dans une situation qui est... On n'est pas loin, possiblement, d'une disparition des discours libres et donc des nôtres sur Internet. Ça peut paraître paradoxal parce qu'il n'y a jamais eu autant de moyens de communiquer, mais c'est le cas. Donc, votre boulot, c'est le soutien. Rejoindre sur les réseaux qui ne pratiquent pas la censure. Et pour ceux qui veulent soutenir financièrement, bon, les dons, d'accord, j'en propose plus parce que maintenant, je fais d'autres formules. Achat de livres, achat de soutien ou achat d'intérêt pour les livres. danielcorsao.com/boutique. Super Danny Live, où je vais concentrer une grosse partie de mon activité en 2021. Merci à tous. Une pensée quand même pour la droite américaine. Ça, je peux assurer que les républicains et le peuple WASP doit faire la gueule. J'en ai parlé si vous voulez, mon avis sur le discours qu'a fait hier Trump, où il a désavoué les manifestants qui sont entrés au Capitole. J'ai donné mon avis sur Telegram. Si ça peut vous motiver à venir voir, t.me/danielconversano. J'en pense que du mal. Maintenant, je suis triste de la suspension de Trump. Pas triste pour Trump, mais triste pour nous. On est vraiment la dernière roue du carrosse. Et c'est triste à dire. On se moque des gauchias. On a un sentiment de supériorité par rapport à eux, que ce soit moral ou intellectuel. Le fait est qu'actuellement, ils nous marchent sur la gueule. Ils nous pissent même sur la gueule. Et si on ne... Je le me répète, mais c'est important de se répéter. Si on ne prépare pas des solutions alternatives, ils vont carrément nous enculer. Voilà. À demain pour un live champagne avec Robin, pas Jean-Robin cette fois, mon Robin, ouais, voilà, Robin technicien. On parlera notamment de Rémi Daillé, vous savez, celui qui va faire une révolution légitime et pacifiste qui, bien évidemment, n'aura pas lieu. On parlera encore un peu de Trump, d'actualité, et aussi, je vous parlerai de mon programme pour janvier dans Super Danny Live. Je pense que ça va en intéresser certains. À bientôt. J'écris des bouquins. On me dit, Chat27, il me dit écris des bouquins, Danny. Bien sûr, je voulais en publier en 2020, mais c'était un peu short. J'ai pas eu le temps, en fait. Je me suis consacré plutôt à... Oh... Albatar. Albatar, frère. Il y a un mec qui s'est abonné au dernier moment. Non. Mais non. Pourquoi t'as fait ça? En vrai, je voulais pas. Non. Pourquoi? Vous étiez mes frères. Non, non, non. Nein, nein, nein. Y'a que ça qui vous motive. Vous êtes des chiens. Vous êtes des chiens. Je te maudis. Comment il s'appelle? Je vais te donner ton nom devant tout le monde, je m'en fous. Spi. On va commencer juste par Spi, là, qui vient de s'abonner, là. Putain, bâtard. Vas-y, je raccroche, je m'en fous, quoi. J'ai plus de batterie. Oh, je passe sous un tunnel, désolé, quoi. Oh, sans déconner, vous me faites honte. Ah, on va voir si t'as une parole, va. Demain, ça, c'est sur Minds. Putain, bande d'ordures, va. J'avais dit que si j'avais 3 abonnements à l'année au cours de ce live, eh bien, je montrais que j'étais en slip. Ben, je vais le montrer.
Je suis pas une petite salope, je suis pas un bluffeur, d'accord? Donc je lance Victor le nettoyeur. Je vous montre un peu comment je suis en slip. Et après on se retrouve demain. Putain, je le crois pas quoi, c'est is it real life? Fuck! Bon, il est où Victor là? Putain de merde là. Allez, c'est parti. Bah ceux qui sont restés jusqu'au bout, nettoyeur. Vous avez bien fait. Vous avez peur, hein? Avouez. Voir mon énorme sexe en érection sous mon boxer. Tocard qui met en commentaire voilà la dissonance française quoi, trop la décadence quoi. Ah, j'ai plus de batterie. En vrai. On finit en mode radio. Allez, je vous aime. Victor Nettoyeur. Pas des conneries, hein. J'ai vraiment plus de batterie sur ma, ma caméra. À demain les amis, 21h30 avec Robin pour l'avant-dernier live de cette série Dîner Express en public. Je vous embrasse et merci à celui qui s'est abonné à un dernier moment et qui nous a permis de vivre ce moment d'absolu. Allez, bonne soirée.